super, merci, merci pour cette Ouh, super intro, ouais, super, euh, magnifique, me... euh, et euh, merci de nous rejoindre dans cette magnifique salle Playel à Paris euh, pour les No Ward 2023, euh, alors si vous entendez trop euh, le public applaudir pendant l'émission, surtout vous, vous nous faites signe, Matt Mouatt, qui est à la régie euh, ce soir s'occupera de, de régler un peu les fadeurs. Euh, S'il y a d'autres soucis techniques, si on n'entend pas quelqu'un parler, etc., n'hésitez pas en commentaire à euh, nous, euh, nous indiquer le moindre, le moindre souci, parce qu'on veut que ce soit une superbe émission. Euh, pour pour rendre hommage euh, à tous ces FPS sortis en 2023 dont on va parler, faire un petit récap et, et lire par catégorie euh, les meilleurs, les pires FPS, etc. etc. Un programme un programme de qualité qu'on qu aurait dû vous proposer la semaine dernière, mais soucis techniques, etc. etc. Finalement, ça a été reporté à dimanche, et on est encore plus nombreux pour vous faire cette émission euh, qui nous tient euh, vachement à cœur et qui, qui, qui va être vraiment la, la meilleure émission, je pense, que, que la rédaction n'ait jamais réalisée, euh, pour m'aider à réaliser, à concrétiser cette, cette anthologie on va, on, de, de, de nos frags euh, et du FPS de 2023, euh, je serai notamment accompagné de Estia, ce soir, comment tu vas Estia euh, Bonsoir à tous, et eh bien écoutez, ça va un petit peu mieux que la semaine dernière, mais je tousse encore un petit peu, voilà. Très bien, Et au moins enfin, là, je une balle de la régie, de... Ouais. Oui. mais on s'est tous refilé euh, la maladie comme d'habitude euh, également à mes côtés ce soir. Loulou, comment tu vas, Loulou? Bah, bonsoir à tout le monde, bah, ça va bien. Et toi, okay. ça, ça, ça va. Tu, tu le, le cyclone, c'est bien, c'est bien, ça va tout, tout, c'est bien déroulé avec le dernier cyclone. ouais. <laughs> ça s'est okay. bien passé. Ça va, Donc, <laughs> très, très bien. Lui. Euh, stouka sera avec nous aussi pour, euh, pour nous faire part de son expertise. Comment tu vas, cas Ça va, merci. Toi, on est très content de te retrouver avec nous, FCP. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Euh, tu passeras à me voir à la fin de l'émission pour ton petit chèque. Euh, et toi, moi Mouat, Mouat du coup, comment, comment tu vas Tu vas t'occuper de la régie Ça va super bien se dérouler parce que tu as l'habitude de du stream et compagnie, donc euh, donc ça va super bien se passer. Mais est-ce que tu vas bien quand même tu oui, nous parlais d'un petit souci de santé, peut-être hier. Ah, oui, bah oui, oui. oui. Bonsoir à tous les naufragés, bonsoir aux rédacteurs. Ouais, bah, petite, euh, petit week-end allongé, en mode vomito et vomitaire aussi. On commence. Voilà. Tous Donc, très voilà. bien l'année 2024 euh, en termes de santé. C'est plutôt cool. Mais non, ça va. C'est bien souhaiter la bonne année, euh, bonne santé, tout ça, parce que c'est peut-être à cause de ça aussi. On a peut-être manqué cette, euh, cette occasion de. de... Ouais, ouais. C'est peut-être euh, peut pour ça qu'on commence ça, oui. euh, 2024 avec une santé de merde. Ou alors c'est l'âge, je ne sais pas. Ou alors c'est qu'on en a peut-être trop chié en 2023 à tester des jeux euh, pas toujours très ragoûtants et, et, et on le paye quelques, quelques mois après. Euh, bon, bah, sans plus tarder, on va passer euh, donc aux au no-wards, comme on les a appelés, avec du coup différentes catégories qu'on va vous qu'on va vous décrire un petit peu au fur et à mesure de la soirée avec à chaque fois dénominé dans chaque catégorie évidemment et un gagnant qui a été euh, donc on a qu'on a choisi un huissier est venu euh, nous nous, euh, nous assurer que tout était légal etc donc euh, donc pouvez nous faire confiance pour chaque catégorie on a une petite enveloppe euh, dans laquelle il y a le, le gagnant hein. vraiment vous pouvez vous assurer que tout est légalement euh, hyper hyper au point Faites-nous confiance euh, là-dessus. Et on va commencer avec la, la première catégorie, euh, le meilleur FPS VR, parce que euh, bah oui le FPS maintenant, c'est aussi les casques VR, euh, ceux qui prennent la poussière dans vos placards, là, et que vous ressortez de temps en temps pour tester des jeux euh, plus, plus ou moins intéressants. Et cette année, nos frags euh, a testé euh, au moins un jeu en VR, <laughs> d'après ce que je vois. Moi, hein au Moins un, euh, même s'il y a eu quelques autres sorties, mais euh, les ou plutôt le nominé, euh, on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Le nominé chez Naufrag et Jupiter Grad 2 euh, que tu avais testé, Estia, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est donc la suite de Jupiter Grad, <laughs> assez ah, étonnant, hein euh, ouais. dans lequel en fait on se balance euh, avec des grappins ventouses dans une station spatiale. Euh, qui a infesté de pièges et aussi des ennemis, c'est la nouveauté de, de ce titre, on peut maintenant tirer sur les ennemis et euh, au niveau feeling c'est plutôt pas mal euh, et en plus c'est pas une, une aventure tout à fait linéaire puisque en fait on a beaucoup de backtracking et c'est vraiment un Metroidvania dans le sens où on va aller débloquer une, une arme ou une compétence qui va nous permettre d'accéder à des zones euh, qu'on pouvait pas euh, utiliser auparavant et euh, voilà c'est pas mal mais c'est assez euh, difficile euh, J'ai trouvé que c'était même un petit peu long comme comme jeu, euh, mais bon du coup euh, bah t'en en as pour ton argent quoi si tu si aimes bien le métro de Vania et que t'aimes bien la VR et que t'as le cœur bien accroché et ben bah, let's go hein. voilà Jupiter Grade 2 uh, The Lost Station qui avait été une, une bonne une bonne expérience VR petite question euh, pardon, je te coupe, mais euh, donc là, je vois que tu essaies de t'accrocher. À chaque fois, c'est sur les plateformes bleues que tu dois t'accrocher. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a, en fait, c'est que certaines surfaces qui permettent de s'accrocher. Ouais. Et bah, ce qui rend évidemment certains passages un peu plus difficiles que, euh, que d'autres. Des, des, des passages où il y a juste des petites zones qui bougent dans lesquelles on peut, euh, on peut, euh, on peut s'accrocher, pas toutes. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme euh, gros jeux VR euh, cette année-là Ouais, Alors comme gros jeu VR, on a eu euh, euh, le, la suite aussi de Arizona Sunshine euh, qui est sorti en décembre. Ah oui. On n'a pas pu tester. On a eu en tout début d'année euh, Sinner, ouais. Euh, ouais, Donc The Walking euh... Dead euh... Ouais, ouais, était une 2, catastrophe. Ouais. Donc une, une catastrophe euh, aussi bien technique, enfin plus, plutôt technique d'ailleurs, mm. que apparemment le jeu était plus ou moins la même chose que le premier, mais par contre techniquement dégueulasse. On a eu aussi Crossfire, un jeu qui n'a rien à voir avec Crossfire X, parce que là, c'était un jeu en partenariat avec PlayStation, qui est un genre de call of, euh, Et du coup, apparemment, c'est pas si mal. Donc voilà, Donc, je pense qu'on on voilà, a eu aussi Blinders aussi. Euh... Oui, c'est Blinders qui est sorti. Mais voilà, on n'a pas eu le Mars aussi... Le Santa 4, remake en VR, mais que sur PS5, c'est vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, il y a eu Far Cry, euh, un mode Far Cry aussi il me semble. Bon, ça n'avait pas l'air euh, complètement fou. Ah, mais les modes euh, oui, bah, ouais, euh, ouais, les, ouais, les, les UE euh, VR là, où tous les jeux UE, ah, ouais, ouais, ouais. euh, Unreal Engine euh, peuvent être utilisés avec en VR. Mais ouais, on n'a pas on n'a pas pris le temps en fait de tester ça parce qu'on avait déjà pas mal de jeux on va dire, plus classiques à, à tester. Voilà. Très bien. Euh, bon, ben, euh, je, je vais ouvrir la petite enveloppe du coup avec euh, surprise. On ne sait pas ah, quel oui. jeu est bon le hein. meilleur FPS VR de 2023 d'après nos frags, Attention, j'ouvre l'enveloppe. Ah, J'ai ah, du mal. Ah merde, c'est super bien collé. Et euh, le gagnant est Jupiter Grad de The Lost Station. Oui, on s'y attendait euh, pas vraiment, hyper, hyper surprenant. Euh, euh, on, va, on a les devs, je crois, qui sont peut-être là dans le public, mais euh, mais le temps qu'ils viennent récupérer le micro, ça va peut-être être trop long, c'est un peu trop chiant. On parle quand même de FPS VR, donc on va euh, enchaîner sur la prochaine catégorie. Euh, alors on a des, on vous avait fait des super catégories. Hein. La prochaine, jugez-vous-même. FPS le plus techniquement à la ramasse. Alors là, je sais qu'il y a plein de choses qui vous, qui vous viennent en tête, euh, mais on a dû faire un tri. Et euh, on va commencer par euh, par un, un, un nominé un peu particulier, parce que c'est un projet un peu particulier, c'est Arc Survival Ascended, qui pour ceux qui n'auraient pas suivi, était une mise à jour euh, graphique, enfin une mise à jour, un espèce de ouais, de... de Remaster graphique de Ark Survival, donc le, le très célèbre jeu d'apprivoisement de, de dinosaures euh, slash RPG slash gros foutage de gueule euh, euh, qui était sorti en 2015 euh, ou 16 quelque chose comme ça, la, la version d'origine, et qui a eu droit cette année, en attendant Ark Survival 2, euh, enfin Ark 2, euh, a eu droit à un petit remaster graphique. Qui, est, euh, qui pue du cul, hein, euh, comme, euh, comme, vous avez, comme vous le voyez sur la vidéo, qui ne qui, qui, qui remet pas du tout le jeu euh, au, standard, euh, au standard de 2023. Mais bon, euh, les, les développeurs étaient plus à ça après, surtout qu'ils ont quand même vendu ça, euh, il me semble, une quarantaine d'euros. Donc ça fait bien cher le, le remaster, un peu, pété du, un peu pété des fesses. Quoi. Mais on sait déjà qu'ils ont honte de rien et qu'ils euh, ont probablement encore d'autres idées. Euh, Bien pourri pour, euh, pour extorquer leurs euh, leur joueurs, euh, sachant que je m'étais moi-même fait extorquer, hein, puisque j'ai passé euh, plus de 600 heures sur la version originale. Donc je sais de quoi je parle. Euh, autre nominé euh, dans la catégorie des FPS euh, les plus techniquement à la ramasse, on a aussi euh, Immortal of Avum. Euh, Immortal of Avum, qui est, qui, est, qui, est qui est un FPS euh, R, euh, RPG action, un petit peu, on va dire. Euh, alors que c'est Estia qui, qui, avait, qui avait testé ce enfin, je sais pas si tu as sorti de test au final mais qui non, nous non, en avait parlé j'avais juste essayé fait une de vidéo le, FS... le FSR3 Ouais, euh, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, complètement le jeu. Ouais. Donc, Immortal of Avum qui se vendait comme un peu le, le, le jeu où il n'y aura pas d'armes parce qu'en fait, on va utiliser des, des sorts, des sorts. Euh, à la place des armes. Euh, bon, en, en vérité, les sorts, c'était des, des bruit de mitraillette etc. Donc, on voyait pas trop la différence. Et puis, surtout, direction artistique euh, soporifique au possible. Euh, et puis, surtout, Alors, gros échec. Oui, carrément. Mais je crois qu'il y a des anciens devs. De... C'est l'ancien. C'est un ancien gars de, de Bungie. Alors, je ne sais plus ce qu'il avait fait sur les Halo, mais euh, on sent effectivement la pâte. Euh, la patte, euh, La pâte Halo-esque avec ses petites couleurs flashy dégueulasses, là. Mmh. Et, euh... et euh, c'est surtout le jeu qui a fait un échec critique et commercial et qui, quelques temps après sa sortie, a valu au studio de se séparer de mémoire de peut-être un tiers de ses employés. Ce qui est quand même assez énorme, euh, et ce qui n'empêche pas le directeur créatif du studio d'annoncer qu'une une suite est évidemment dans les tuyaux. Euh, comme toujours, courage, courage aux développeurs qui vont travailler sur ces, qui vont travailler sur ces merdes. Euh, Est-ce que quelqu'un, du coup, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est nominé dans la catégorie techniquement la ramasse Parce que du coup, avec le FSA, le ça est, est plutôt bien. pas trop bah mal. Alors, bah non. Je crois ah non. si, alors, je crois que le, si on avait mis techniquement la ramasse, c'est parce qu'à la base euh, qu'on avait. Vu on va dire les, co les comment dire, conditions euh, techniques et, et graphiques qui devaient, que, la, que ton PC devait avoir en fait pour lancer ce jeu c'était un peu ah abusé oui. on va dire oui, il y avait un rapport surtout, ça, euh, PC demandé euh, et qualité une fois en, après en jeu voilà ça c'est donné... très mal optimisé comme dit Xobar euh, mm -hmm. ouais. ok ça roule et bien, un autre va. jeu qui était euh, pas hyper bien optimisé c'est le prochain nominé qui est euh, Starship Troopers extermination C'est ça. Euh, Kestia avait testé, on a eu l'occasion de faire plusieurs parties ensemble et c'est vrai que euh, quand dès qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de mobs, euh, donc on, on, je vais, on va vous résumer très rapidement euh, le principe un hein, Starship Troopers pour pour les deux. Euh. Bah, Peut-être que Matthieu peut nous en parler parce qu'il a pas mal euh, joué aussi. Ouais bon on en, okay. on en avait parlé dimanche dernier vite fait. Euh, oui oui, oui, ouais. oui bon c'est ça qu'on on a testé ensemble. Euh, bah ouais un jeu techniquement euh, techniquement la ramasse euh, il, il est nominé c'est normal euh, donc ouais des gros problèmes de gros, gros problèmes d'optimisation problèmes techniques euh, en fin de en fin de map en fin de mission quand il y a beaucoup beaucoup d'aliens euh, d'arachnides excusez-moi euh, bah, tu vois que le, le PC euh, il se demande ce qui se passe quoi parce que ouais alors que t'es pas en train d'afficher non plus un truc de foufou et qu'il y a c'est oui, pas, pas, euh... bah, pas non plus des vagues d'ennemis il y a beaucoup d'ennemis mais c'est pas non plus tu vois par exemple euh, comment il s'appelle World War Z, qui qui, qui, mmh. qui balance beaucoup plus d'ennemis euh, à l'image ou les, les Serious Sam et compagnie quoi oui. euh, et qui tient la route techniquement quoi là c'est vrai que c'est pas très beau c'est du désert et euh, en fin de game, t'as l'impression que le jeu, il en, il en peut vraiment plus. Quoi. Ouais. Oui, voilà, tout à fait. Euh, euh, je ok, je vais bon. juste euh, oui. revenir, revenir là-dessus. Euh, on avait sorti une news où on avait reparlé un peu de, de ce jeu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et on a eu un, un petit commentaire euh, sur le forum d'un naufragé qui disait qu'encore aujourd'hui, le jeu était encore euh, euh, pas du tout euh, techniquement prêt. Quoi. Ouais, mm -hmm. ouais. Mais par contre, bah j'ai vu dans leur roadmap qu'ils ont prévu cette optimisation ouais. bientôt. Oui, bah, ce qui est voilà. qu toujours le dernier truc sur lequel euh, les développeurs bossent en général. Euh, Est-ce est qu'ils qu ont prévu que... un jeu intéressant ou pas <laughs> <Ouais. rire> euh, ouais. C'est vrai que personnellement, j'avais pas été hyper emballé non plus par euh, le fond du jeu, euh, en dehors de la forme. Euh, toi, Estée, tu avais un peu plus accroché. Moi, j'avais trouvé. Ouais. J'avais émis des doutes sur euh, le long terme. Euh, Est-ce qu'on risque pas de se faire chier euh, très très rapidement Même si quand tu joues avec la communauté euh, de, de joueurs, notamment français, là, eux, ils ont l'air, ils sont passionnés. Euh... Ils étaient. Hein, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un grand grand monde. Ouais, ouais. Faudrait, euh, faudrait voir où ils en sont. Mais euh, ils avaient quand même l'air déjà à l'époque beaucoup plus euh, excités par le jeu que que, nous, ça, ouais. enfin, que moi, en tout cas. Mmh. Donc avoir euh, actuellement deux personnes hein, sur le sur le Discord. Ah. Euh... Français. Ah c'est dimanche euh... bah, c'est dimanche ouais. Ils bien, sont malades et ils sont comme nous Ouais peut-être <laughs> Ou ils ont tous migré sur euh, Ark euh, Sur Rival euh, Ascended ouais, peut-être ouais. <laughs> Bon, sans plus tarder, du coup, après ces trois nominés dans la catégorie des FPS les plus techniquement à la ramasse, on va vous révéler le grand gagnant de 2023. Mais je pense que vous l'avez deviné. Euh, on, aurait pu faire la catégorie... on aurait pu lui accoler aussi la, la, la catégorie plus gros foutage de gueule euh, de l'histoire du jeu vidéo. Il aurait mérité sa place aussi dans cette catégorie. Le gagnant est évidemment Ark Survival Ascended, oui. euh, qui malgré une, un remaster vendu 40 balles est quand même dégueulasse. Euh, tu te fais lourder de 40 euros pour en plus un jeu euros. Qui a 45 euros. Tu, un jeu qui a jamais été optimisé de toute façon. Les développeurs ont... ne faisaient que rajouter du contenu euh, sur du contenu sur du contenu sans jamais euh, optimiser quoi que ce soit dans le jeu. Il y avait eu des problèmes de cheat. Il y a rien qui allait. Mais ils sont toujours là à encaisser les tunas et à nous préparer pour la sortie de euh, Arc 2. Qui, avec Vin Diesel. Avec comme égérie Vin Diesel. On a ultra hâte. Mm -hmm. <laughs> euh, voilà pour cette euh, première, enfin, première vraie catégorie après le meilleur FS Vert qui n'avait qu'un seul nominé. On passe à une autre catégorie euh, au, titre, euh, au titre très, très chatoyant. Euh, après le FPS le plus technique par la ramasse, on va vous parler des FPS les plus chiants sortis en 2023. Euh, et là aussi, on a dû faire un tri parce que autant vous dire que des jeux chiants, il euh, y en a un paquet qui sortent dont on est obligé de parler par souci d'exhaustisme euh, puis aussi parce que parce que des fois, on sait pas trop. Il y a une lueur d'espoir, donc on y va quand même, on teste. Et au final, c'est des heures passées à se faire chier, à tester des. Des, des FPS euh, soporifiques. Euh, les nominés sont dans cette catégorie des FPS les plus chiants. C commençons par euh, Far Cry: Frontiers of Pandora. Enfin Avatar: Frontiers of Pandora. Sorti en fin d'année 2023, euh, développé par Ubisoft, euh, qui est donc clairement un Far Cry. Euh, non, mais non, 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 non pas... bah... clairement un Far Cry, du tout. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là et tu n'as pas, tu n'as pas bien lu mon test. Non, pour le coup, ce n'est pas vraiment pas un Far Cry euh, rebrandé. Mais, euh, mais, mais ce n'est pas un, un très bon jeu pour autant. Non, non, euh, ça reste quand même sais. super proche de, de Far Cry. Il euh, y a non, des non, armes, non, il y a un, un monde non, ouvert, non, non. des camps à libérer. Et... Oui, mais comme Far Cry est proche... Il un, un, euh, un, avec un, un, avec un le cul. Oui non, je suis oui, désolé, c'est mon... en vue ça... FPS, c'est le même jeu. <laughs> ah, D'accord, ok. <laughs> il y a <laughs> pas des balles euh, C'est euh, un doom. Euh, non, non, mais écoute de, de, de ce que j'ai vu en vidéo, moi je trouve pas qu'il y ait une énorme non plus différence avec Far Cry, mais c'est peut-être mon esprit critique qui est trop euh, qui, qui, qui perd, qui, qui perd, qui a perdu le nord et qui, 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 qui critique bêtement Ubisoft parce que parce qu'on aime bien critiquer Ubisoft. Bref, en dehors de Avatar: Frontier sur Pandora qu'Estia avait effectivement testé, on a aussi dans la catégorie FPS le plus chiant RoboCop: Rock City, alors qu'il n'est pas du tout un Far Cry euh, dans l'univers de RoboCop pour le coup et que Matt moi, avait testé et avait pas mal streamé aussi. Euh, alors pourquoi fe-ce le plus chiant euh, du coup sur Robocop parce que... Bah parce que tout simplement, Donc j'ai terminé le jeu en difficile euh, et j'ai trouvé ça super chiant. Euh, en fait, parce que passer euh, 10, entre 10 et 15 heures euh, où tu fais que marcher avec ce son trop... Ouais. Comme ça, de, de, de pas de Robocop super lent et avec ton IM Assist euh, tout le long de la game euh, Et c'est chiant Vraiment Le, le jeu ok hein, fait pour, pour les fans etc euh, super il, il, a, il a bien marché tant mieux pour lui Mais ça reste un putain de jeu chiant euh, Parce que ouais vous passez euh, Vous passez votre temps à marcher super lentement euh, euh, les, les, les gunfights, c'est toujours les mêmes. Euh, t'es assisté euh, au possible. Euh, donc, ouais, non, c'est chiant. Les missions sont nulles. Euh, tu passes, euh, tu, vas, tu vas faire une mission, tu pars d'un point A à un point B. Une fois que tu arrives au point B, que tu as réussi ta mission, il faut te retaper le chemin inverse sans ennemi, sans rien. Il faut juste marcher jusqu'à la porte de sortie. Il euh, y, y a plein de choses comme ça qui ont fait que ce jeu était très, très chiant. Alors qu'ils auraient pu faire la moto de Robocop, par exemple, pour se déplacer plus rapidement, ou le, les roulettes, les patins à roulettes Robocop, ouais, ou enfin, juste, euh, il avait il juste. Il y a plein d'idées, quoi. Juste ne pas sortir le jeu. Non, non mais ouais, terminer, bon. la, terminer la mission hein, quand tu as tué tout le monde, quoi, par exemple. Ouais, c est c est... Genre il euh, y a une ellipse et tu reviens, quoi. Le jetpack, comme on, oh, comme on suggère dans le chat. Alors j'ai pas vu. Euh... Moi j'ai vu que le premier Robocop, mais il me semble que le jetpack, ouais. il est vraiment dans le deuxième ou troisième film. 30, euh... 30 euh, Kitam qui me dit voilà. le truc cool c'est le duel de fin contre Kane. Euh, non, je suis pas <coughs> du tout d'accord avec toi. Tu peux bon, te bah, vous jeu ou dans le 3, dans le, film ah, oui, dans le film. Ouais okay. euh, non, <laughs> bah, franchement non. Après bon, ouais chacun. Ça, ça, très... avait... ça avait pas l'air. Euh... Parce que à le boss c'est juste un gros sac à PV voilà quoi. Voilà. Ok et troisième jeu nominé dans la catégorie des FPS les plus chiants. Euh, FPS qui a remporté le prix du jeu le plus innovant euh, dans les derniers Steam Awards, c'est Starfield que Kestia <laughs> qu avait testé pour, pour ne pas changer. Et euh, bah, pourquoi le jeu se retrouve là Parce que il euh, euh, y a la promesse euh, et puis après il y a ce qu'on fait concrètement dans le jeu, c'est-à-dire qu'on passe quand même beaucoup 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 trop de temps euh, sur la carte à naviguer, à, faire des, à subir des chargements. Et à se taper des séquences de dialogue avec des mecs en plan fixe qui te regardent les yeux vitreux, ce qui est, ce qui est un peu le tout, tout le sel du jeu hein, en vrai. Et il n'y a pas du tout la promesse de, on retrouve pas du tout la promesse d'un univers vaste à, à explorer, etc. Parce que parce que l'univers est euh, en dehors des centres d'intérêt qu'ont prévu les développeurs, c'est quand même assez insipide. Donc au final, tu ne fais que euh, suivre l'histoire et, euh, et aller de quête en quête dans des dans des dans des maps qui sont qui sont pas euh, hyper euh, hyper euh, enthousiasmantes en termes de level design quoi c'est pas nul mais c'est quand même du déjà vu euh, et revu et surtout le jeu euh, apparaît clairement à un moment donné on va dire au bout de passer les huit premières heures on capte vraiment que c'est c'est quand même c'est un reskin de... De... de Skyrim quoi parce que c'est le non, même truc qu'avec plus loin, mais comment? On savait déjà euh, plus ou moins. Ouais, euh, mais, dit, à point -là, mais à ce point-là, à ce point-là, moi je je pensais pas que ça serait à ce point-là dans le sens où le truc des pouvoirs. En fait c'est un truc à la Skyrim, mais on... encore plus flemmard dans le truc dans le sens où euh, les pouvoirs à débloquer. Donc désolé euh, spoiler euh, pour ceux qui comptaient faire le jeu et qui l'ont pas encore fait. On finit par débloquer des espèces de pouvoirs euh, donc de type euh, très classique, un peu comme dans Skyrim, euh, télékinésie etc. Et, euh, et comme dans Skyrim pareil en fait pour débloquer d'autres pouvoirs il faut visiter des temples et là ils auraient pu faire un truc d'exploration hyper intéressant et c'est encore plus inintéressant que dans Skyrim parce qu'en en fait on se TP on se téléporte littéralement de temple en temple pour aller débloquer euh, ses pouvoirs et il n'y a rien à faire c'est à dire qu'on atterrit sur la planète on a un petit truc qui bip euh, pour nous indiquer euh, vaguement euh, où est le prochain temple en deux secondes on a trouvé où c'était on se rend dans ce temple-là. Il y a une espèce de séquence en apesanteur, en zéro gravité, qui est toujours la même au bout de dix fois et vraiment ultra chiante, où il faut toucher des espèces d'étoiles là qui 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 se déplacent comme ça dans la salle. on va cliquer sur l'étoile, elle se déplace, on va cliquer sur l'étoile, machin. Tu fais ça à chaque fois que tu dois débloquer un putain de pouvoir. Donc il y en a une, il y en a une douzaine. Donc autant vous dire que c'est bien rébarbatif. Et puis voilà quoi, c'est tout. Et c'est comme ça aussi qu'on fait progresser l'histoire. Et puis à la fin, on est trop trop fort. Et puis waouh, wow, twist de ouf dans le jeu, non, pas du tout. Et euh, on se dit putain, en fait, c'était juste un putain de RPG euh, ultra euh, ultra basique, euh, comme on en a déjà vu mille. Comme c'est si un jeu Bethesda. C'est un ah, jeu Bethesda. C'est je comme s'ils n'étaient rien passé depuis Skyrim quoi. Est, ah, Skyrim c est, c est, est dans l'espace, Olaf, c'est tout. Hein. Ils ont juste Ils l'ont mis sur la lune. Ouais. Et, mais après l'ancrage dessus effectivement et des grosses parties qui sont très chantes tout ça mais un peu comme je suppose dans Skyrim les side quests euh, font l'intérêt du jeu c'est-à-dire ouais il y a des trucs principales... non mais il y a des trucs bien écrits il y a des trucs très très bien ouais. écrits c'est ça qui le fait tenir c'est ça qui le moi au final l'intérieur c'est très mais... très beau aussi c'est 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 assez immersif et je trouve que les gunfights sont pas ratés euh, ce qui faisait très peur euh, en amont moi, je trouve que il euh, y a des armes qui sont plutôt pas mal et c'est plutôt euh... Plutôt, euh, plutôt équilibré et tout, donc euh, ouais. c'est pas le pire jeu, quoi. C'est pour ça que bon, moi j'avais bien aimé finalement, mais il y a des gros passages chiants et, et voilà. ouais. 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 Bah, et disons qu'une fois que tu l'as fini, contrairement à Skyrim où tu peux te dire, euh, vas-y, je me refais un run ou en tout cas, je continue, etc. Moi, quand j'ai fini l'arc principal, bon, déjà, je me, je me suis pris euh, pas une claque, je l'inverse, une claque, c'est à dire, je me suis dit genre, attends, là, là j'ai fini la campagne principale, ah ouais, d'accord donc c'était nul ouais. et, euh, et du coup ça t'incite pas du tout à continuer alors ouais. qu'on nous vendait ça comme le, le, voilà, le, le, F, le FPS d'exploration spatiale ultime euh, et donc en fait pas du tout donc bref euh, parce qu'il y a plein de catégories donc on va pas s'étendre mais c'est moi qui m'étends comme d'hab pendant plusieurs FPS ouais, ouais. euh, le plus chiant euh, de 2023 S Avatar S Robocop S Starfield euh, J'ai la petite enveloppe. J'ai une enveloppe pour chaque catégorie, évidemment, que je, vais, euh, que je vais ouvrir pour vous dévoiler le FPS le plus chiant de 2023 qui est Avatar Frontiers of Pandora. Eh euh, oui. Eh euh, oui. et bien, et bien on, est, on est sous le choc. On est sous le choc. Euh, on est sous le choc. On est sous le choc, vraiment. Euh, ce, ce... Pour une fois qu'Ubisoft se sortait les doigts pour nous proposer autre chose qu'un Far Cry, en plus, avec un scénario de qualité comme celui d'Avatar, vraiment là, euh, moi je suis sous le choc. Je, je pense que là, Yves Guillemot, qui doit, être, euh, qui doit être par là dans la salle, ne va pas vouloir se déplacer pour nous expliquer, euh, recevoir ce prix. Euh, ouais. Je suis vraiment désolé pour les développeurs de Ubisoft. Mais voilà, la FPS le plus chante de 2023 pour nos frags, c'est Avatar. Euh, on va enchaîner avec l'autre catégorie, une autre catégorie. Euh, des fois, les jeux chiants, ça peut être drôle. Alors ce n'était ouais. pas le cas des jeux qu'on vient de citer, mais on a quand même fait une autre catégorie du coup FPS, le plus drôle de 2023. Euh, alors ce n'est pas drôle malgré eux, c'est euh, les jeux ouais, qui essayaient d'être drôles. Ouais. Bon, moi personnellement je trouve qu'il n'y en a aucun de drôle dans ceux qui sont nominés, mais, euh, ils, ont fait ouais, des... mais... ils ont essayé quoi, ils ont ils essayé, ont fait ils, fait ils ont, des ont des essayé. Efforts. Ils ont fait des efforts. Ouais. Euh, en tout cas c'est toujours plus drôle que euh, Postal. Euh, c'était le, le quatrième épisode qui était sorti l'année dernière. Là, je ouais. me souviens de Nori, Nori Gertz Une faute dans le titre parce que c'est des rigolos. <laughs> Et ça, c'était vraiment pas drôle du tout. C'était très, très, très gênant. Euh, à tel point que j'avais pas eu la motivation de faire un test après avoir terminé le jeu. Euh, mais les nominés dans la catégorie des FPS les plus drôles de 2023 sont Black Firewall. Back Back, euh, back, back pardon. Back Firewall. Euh, qui, si je me rappelle bien, c'est un truc avec. Euh, on est dans un téléphone portable, non C'est pas ça Ouais, plus ou moins, ouais, c'est ça. C'est en gros un, un FPS euh, Walking euh, Sim euh, Enquête, euh, pas Enquête aussi, Énigme, euh, avec pas mal d'humour, mais de l'humour de geek. Euh, <laughs> voilà, c'est assez C'est sympa. C'est pas une euh... blague geek, là Non, personne n'a une blague avec non, des 0, des 1. Euh... Ouais. Bah, si, si, euh... bah, non, non, c'est visuel, c'est pas oral, donc ça va pas marcher. <laughs> euh, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, que ce que c'est euh, Globalement, euh, ouais, on, on doit suivre un OS qui est euh, promis à une disparition euh, suite à une mise à jour, enfin, parce qu'il y a une mise à jour, etc. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà, on, suit, euh, on suit des trucs. Il y a des petites énigmes à partir de, des principes de, de bits euh, euh, et des choses comme ça. Il y a plein de blagues par rapport. Euh, à des, des jeux de mots en anglais, euh, mais qui sont assez facilement compréhensibles parce que c'est des, des termes que, que vous connaissez tous euh, liés aux ordinateurs. Euh, et la traduction française est relativement réussie puisqu'on comprend, enfin, euh, c'est assez bien fait, on, on comprend en fait quelle est la, quelle est la blague. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors, c'est pas moi qui fais le test, mais j'avais pu le tester ensuite. Mais voilà, c'était sympa, un, un petit jeu. Voilà, pas un grand jeu, mais un petit jeu sympa. Mais on, on peut tuer personne. Pardon. Euh, très bien. Je vois que Kitam a, a, a voulu nous, nous gratifier de quelques blagues de geek. Euh, par exemple, pourquoi l'iPhone se plie parce que l'Apple Store eh, Ou, bien, euh, très bien. que fait-on à un gamer quand il pleure On le console. Et vu qu'on a trouvé le même top avec Kitam, je suis renchéri avec « Un geek ne sait compter que jusqu'à 404. Ensuite, c'est introuvable. » Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on rigole oh, avec oh, les geeks euh, Autre nominé euh... <laughs> dans la catégorie FPS le plus drôle, c'est My Friend... Friendly Neighbor euh, de... Alors attends, c'est quoi déjà l'éditeur euh, qui fait que des jeux chelous euh, d'horreur là DreadXP. Euh, euh, Voilà, DreadXP. Euh, moi j'avais testé la démo, j'avais trouvé ça assez plutôt sympathique, mais euh, par contre... Euh, Stuka va peut-être nous en parler un peu plus euh, vu que je vois son nom accolé au, au nom du jeu euh, moi ce qui m'avait vraiment fait chier c'était les marionnettes qui ricanent tout le temps alors c'est pas toi qui avais fait le test de mémoire mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu non. plus est-ce que ça te fait rire toi euh, je te rassure j'ai pas joué non plus hein. euh... mais ça te fait rire ou pas là ce que tu vois par exemple là <rire> non. <rire> non pas trop non mais, si... non, mais ce, qui est... ce qui est rigolo c'est plutôt le fait que c'est un survival horror pur jus dans le gameplay avec la gestion de ressources, tu sais, où il faut choisir si tu et tout ça, ouais. Ou pas, ouais, et euh, avoir une bonne connaissance de, de, des niveaux pour ensuite planifier tes itinéraires euh, de la manière la plus efficiente possible, et que le jeu ne fait pas peur au final. c'est oui, L'horreur les... un peu psychologique, enfin euh, pas, pas horreur oui, bah, psychologique, mais c'est gênant quoi, c'est gênant, mais dans le sens, enfin euh, c'est fait exprès que ça soit du gênant. C'est second quoi. degré. Ouais. ouais. Donc, euh, bon, c'est pour... pour ça qu'on l'a mis là. Donc, bon, euh, je pense qu'il a sa place parce qu'il n'y a, de... a pas de jeu drôle de cette année, en fait. T'as pas beaucoup rigolé oui. Enfin, euh, volontairement drôle. Voilà. Oui, oui. Voilà, euh, voilà. Ça... Tous les ans, il y en a. Hein, les... <laughs> volontairement. Sinon, oui, là, là, oui, oui là, là, ça serait trop facile. Il y aurait trop de, trop de nominés. On, f... on pourrait faire une émission dédiée à ça. Euh, et on termine dans les nominés avec un autre jeu euh, que, pour le coup, tu avais testé, ça, il me semble. C'est oui. Red Tape. Euh, l'enfer de l'administration un petit peu quoi euh, oui c'est exactement ça c'est en gros euh, un peu comme dans astérix euh, les douze travaux d'astérix euh, au moment où il doit aller chercher euh, les formulaires machin c'est exactement ça c'est à dire que tu, euh, tu dois parler à différents démons enfin ou différents euh, pas forcément démons mais des, des figures de la mythologie euh, soit euh, catholique euh, ou même, euh, je crois, euh, d'autres euh, Égyptiens et tout ça, euh, pour. Euh, parce qu'en fait, tu es tombé en enfer et, et par erreur. Et donc, euh, voilà, du coup, euh, c'est ça. Et, euh, et par contre, là, tout est basé sur, du, sur le texte. Hein, c'est euh, un, globalement un, un walking sim un petit peu plus, parce qu'il y a quand même des. Enfin, vite fait, hein, des choses à aller chercher à gauche, à droite, etc. Euh, mais par contre, tout, tout est en anglais, tout est, euh, est, tout est écrit, il n'y a, y a pas de voix. Euh... Voilà. Et puis euh, bon, comme vous pouvez voir, la, la direction artistique est, est euh, comment dire, est très spéciale. C'est bon, c'est un genre de truc rétro et tous les personnages sont des, des papiers en fait, ils quand ils parlent, euh, voilà. Et, euh, et voilà, c'était effectivement assez drôle euh, au final. Mais c'est dire, le, le procédé pour que ce soit drôle, bah, c'est du texte hein, tout simplement. C'est ouais. juste que bah, tu lis des choses euh, rigolotes, voilà. C'était une bonne expérience très courte, cependant. Je crois que c'était deux heures, deux heures et demie, un comme ça. Très eh bien. et eh bien, euh, concluons avec le gagnant de la catégorie des FPS euh, les plus drôles de 2023. Enfin, le plus drôle de 2023. Euh, qui est Red Tape, donc, dont on vient de nous parler Estia, euh, qui nous propose de revivre l'enfer de l'administration. Je ne crois pas qu'il y ait de... De passage euh, chez Pôle Emploi, enfin chez comment, comment on appelle Pôle Emploi euh, maintenant d'ailleurs, France Travail. Merci. Il euh, n'y mm -hmm. a, a pas de niveau dédié à France Travail. Et ça, aurait pu, euh, ça aurait pu être changé de nom. Je ne sais même pas. L'apothéose la, la, ouais. euh, aurait pu être l'apothéose de Red Tape, mais il n'en est rien. Euh, Red Tape, euh, donc rétro FPS, un peu rigolo, avec quand même pas mal de dialogues qu'on vous recommande si euh, parce que c'est pas très long c'est pas très cher et il euh, faut par contre il faut lire l'anglais et euh, parce qu'il y a pas de trad français même pour les non. même pour les pour l'écriture ouais. donc mmh. euh, et, donc voilà si vous voulez rigoler un petit coup après euh, en, entre deux massacres euh, n'hésitez pas prochain euh, ou si vous voulez rigoler entre deux euh, chauffages de cerveau par Exemple dans un, dans un puzzle game qui est la prochaine catégorie, voilà, euh, ah là là là. c'est tout un art. Euh, il suffit de lire le conducteur et euh, on va vous parler euh, dans les nominés de trois euh, FPS qu'on a, tes a testé. Les trois, peut-être pas le premier. Si, 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 il si, 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 si teste tout, il teste tout. <laughs> Il n'a peur de rien, Estia. Estia, s'il faut faire chauffer les méninges il y va, il fonce et il teste le premier nominé, par exemple, Inner Ashes, euh, dont je me rappelle en revoyant les images. Euh, je peux en parler, sinon, hein, vu que j'ai fait le test. Tu peux en parler, oui, ouais, évidemment. Non, mais j'allais je, je, dire que était, on était quand même très proche du Wall Sim, euh, plus que du Puzzle Game, non Oui, tout à fait. Euh, en partie Merci. mais il y a quand même des énigmes parce qu'il euh, y a un système de tangram euh, qui euh, en fait en gros le, le jeu parle euh, de la maladie d'Alzheimer la grosse ambiance euh, et en fait on incarne une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui essaye de comprendre en fait, pourquoi elle euh, ne parle plus à sa fille euh, toujours de la grosse ambiance quoi. Euh, et donc du coup euh, il voilà, bon, y a des passages d'exploration globalement d'une balade et, euh, et des passages où tu vas à la fin en fait en gros euh, résoudre un tangram c'est les en... tangrams c'est des énigmes où tu mets des pièces euh, euh, d'une certaine manière pour pour remplir euh, bah c'est un petit puzzle quoi et voilà mais j'avais trouvé euh, le jeu assez touchant euh, surtout quand t'es parent ça marche plutôt bien euh, voilà mais la partie énigme pas forcément le truc le plus réussi euh, la partie narration était, était euh, à mon avis, euh, plutôt, plutôt bien. Voilà. Okay. Et euh, voilà, C'est euh, dans la catégorie énigme, mais en vrai, c'était plus Walking Sim. On n'a pas fait euh, de catégorie Walking Sim. Heureusement. <laughs> euh, deuxième nominé euh, The Talos Principal 2, euh, que Stuka a testé, qui qu qu était le seul à avoir réussi le, le test de, de QI nécessaire pour, euh, pour savoir qui allait tester le jeu donc Talos Principle euh, de suite de Talos Principle euh, développé par les gars qui développent aussi euh, Serious Sam euh, a priori ça, ça avait pas fait fondu ton cerveau mais c'était quand même sympathique je euh, tout cas alors apparemment il est plus facile que le 1 donc c'est peut-être pour ça aussi Ok. <laughs> euh, mais oui moi je trouve que c'est un très bon puzzle game euh, qui j’ai pas joué au premier, au premier opus mais euh, il, se dé, il se débarrassait des, de cette mécanique un peu farfelue euh, et je crois qu'il y avait un truc où tu pouvais manipuler le temps pour euh, en fait il fallait faire une, une série d'actions. Ensuite euh, ça te clonait, euh, tu faisais une partie du puzzle pendant que euh, tu, enfin ton clone faisait une partie du puzzle pendant que toi tu faisais le reste. Donc ils ont abandonné un peu des idées comme ça et fait des trucs plus euh, clairs, on va dire. Et le côté puzzle game marié avec euh, l'histoire, euh, avec euh, des concepts philosophiques, scientifiques, etc., je trouve que ça marchait très bien. Euh, c'est pas hyper profond et ça, ça, ça casse pas trois pattes à un canard si on lit un peu des livres, hein, parce que bon, les livres c'est toujours mieux que les jeux vidéo pour ça. Mais moi qui suis souvent très critique de, des histoires dans les jeux, bah, n'empêche que ça m'a tenu en haleine tout le long et effectivement si vous aimez les puzzle games mais que vous en aviez peur parce que peut-être que vous pensez que c'est trop dur ou quoi que ce soit bah faut pas parce que moi j'ai vraiment pas trouvé ça très compliqué et euh, une fois qu'on a compris les quelques mécaniques de jeu enfin les développeurs nous présentent bien les mécaniques des puzzles et euh, au final ça, ça se comprend très bien et, et on, on voit vite où est-ce qu'ils font où on nous emmène euh, ok voilà, c'est juste, juste trop, pas trop répétitif à trop long Ouais, voilà. coup, euh... ça, ça va avec la répétitivité, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même 12 maps, euh, il y a 10 puzzles par map, et en fait, euh, je pense que s'ils avaient tout divisé par deux, le jeu aurait été mieux, parce que ça aurait été tout aussi bien, et sauf que pas... c'était un peu lassant au fur et à mesure quand même. ok euh, très bien, merci pour ce petit résumé de Talos, principal 2 dans la catégorie des meilleurs euh, puzzle games de 2023 et dernier nominé euh, euh, Viewfinder, dont tu peux nous parler peut-être Lou, qui, qui oui, repose alors... sur une mécanique euh, esthétique euh, un peu particulière qu'on oui. qu avait déjà vu dans d'autres jeux, mais qui là est exploitée vraiment à fond. Euh. Euh, effectivement, alors de, le, le Viewfinder justement est également aussi un puzzle game et aussi qui a la particularité en fait de jouer avec la perspective. Mais surtout aussi avec une mécanique intéressante qui est d'utiliser en fait un appareil photo qui permet de prendre bah justement, des photos instantanées et qui permet en fait de jouer avec l'environnement pour résoudre les différentes énigmes. Alors, plus on progresse, on va dire, plus les énigmes deviennent corsées, mais après, chaque fois, c'est la combinaison des deux, quoi, la perspective plus les photos que l'on prend. Euh, c'est vrai qu'au niveau artistique, c'est très beau. Au niveau aussi de, du son et des doublages, euh, c'est un impeccable. Par contre, le seul inconvénient pour ce genre de jeu, bon, c'est même l'idée est très intéressante de base, hein, ce n'est pas le problème. Simplement que le scénario reste assez absent, on va dire voilà. Mais c'est comblé par les mécaniques de jeu qui sont très intéressantes. Euh, il me semble que c'est Estia qui avait fait le test, oui. euh, pour pas changer. Oui. Et je me souviens plus de la, la durée, euh, la, le, le temps que tu peux mettre à terminer l'aventure. Euh... Ah, je ne sais, sais plus. C'est pas très long. Ouais. 4 ah, ça... heures en prenant son temps. Ouais, ouais c'est ça. Ok. Bon, ce qui est quand même assez court au final, même si on préfère des jeux courts que. que oui, des chiant, cours mais. De longs <laughs> Oui, voilà, c'est ça, ouais. ouais. Mais, euh, mais est-ce que tu aurais, est aurais aimé que le, le jeu peut-être aille plus en. dure un peu plus longtemps et propose quelques trucs, euh, quelques renouvellements de situation, etc. Ou euh, 4 heures, c'était très bien et, et tu recommandes à cette courte expérience Ouais, J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Euh, une, une durée, effectivement, ça, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais en fait, euh, ce n'est pas une seule mécanique qui est reproduite sur les 4 heures. C'est déjà ouais. plusieurs mécaniques qui évoluent euh, pour, euh, bah, pour amener un peu de variété. Et contrairement à, à comment The Talos Principle 2, euh, ça n'a pas été étiré pour euh, artificiellement rajouter de la durée de vie. C'est juste qu'ils ont. Il y a quelques niveaux avec chaque mécanique et euh, on ne se fait pas chier, en fait. Euh, on n'attend pas de se faire chier avec une mécanique pour passer à la suivante, quoi. Et, et ouais. je viens de regarder par acquis par de conscience euh, sur A Long To Beat euh, Portal, et le premier, euh, Main Story, c'est 3 heures, et Main plus Extra, c'est 5 heures. Alors, je ne me rappelais pas ouais, c'était Mmh. et, euh, et, et j'en garde pas du tout le souvenir d'un jeu inachevé ou qui, qui restait sur ma faim ou comme ça quoi bon le 2 est plus long et, qui, et pour le coup il s'étale un peu plus sur le scénario mais le premier Portal j'en garde un, le souvenir d'un jeu hyper bien équilibré et a priori c'est à peu près la même la même durée de vie que Viewfinder mmh. euh, okay. Euh, ok donc euh, meilleur puzzle game entre Inner Ashes et sa dépression euh sous de Alzheimer ou The Talos Principal 2 c'est un un espèce de portail like on va dire pour euh, très 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 rapidement et viewfinder et son esthétique particulière et son et sa mécanique de gameplay euh, particulière aussi quel est le gagnant du meilleur puzzle game 2023 attention gros suspense on s'y attend pas du tout c'est viewfinder qui remportait déjà euh, apparemment dans le chat euh, le prix, hein, parce que vous êtes plusieurs dans le chat à nous avoir dit que vous aviez kiffé Viewfinder. Et j'avoue que vous m'avez un peu chauffé aussi. Euh, donc bah, en fait, c'est plus va... original euh, sans doute que Stalus Principal 2. Oui, ouais. même si je suppose qu'il a des mécaniques euh, un peu différentes du premier. Euh, bah déjà, c'est une suite. Une, donc, euh, euh, bon, euh, ouais, ouais, oui, ouais, c'est ça. De base, euh, ouais, voilà. ça reprend quand même pas mal le, le premier. Hein. Ouais, ils ont pris le plumier, premier en allant un peu plus loin dans l'histoire et dans le et dans les puzzles mais, et en décrément euh, ce qui enfin ce qui était juste sûr, en fait donc euh, pour moi c'est normal qu'il gagnent pas ouais, ouais non mais comme comme disait Stia, en plus euh, du finder c'est peut-être le seul de la catégorie là, qui propose quelque chose de vraiment euh, vraiment vraiment novateur euh, et de et ouais, ouais voilà c'est ce qu'on demande au meilleur jeu dans chaque catégorie de nous apporter du neuf, du nouveau quoi Okay. Euh, même si on dirait pas non un, un Portal 3. Enfin, en tout cas personnellement, ça me chaufferait euh, beaucoup, beaucoup. Mais on sait que ça n'arrivera jamais puisqu'il n'y a jamais d'épisode 3 chez Valve. Euh, prochaine catégorie. Euh, on va rentrer dans, les, dans la, le dur un peu là, du FPS. Attention. Avec la catégorie meilleur rétro FPS, il y en a eu un paquet cette année, euh, comme c'est la mode depuis déjà pas mal d'années. Euh, donc on a notamment eu euh, Blood West, qui est euh, qui se passe euh, comme son nom le suggère dans le Far West. Tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être Stuka, vu que c'est toi qui a fait le test. oui euh, pas très vite. C'est un peu un stalker like. Euh, okay. où, en gros, vous, vous démarrez à poil sur la map et vous devez récupérer des objets pour pour, pour des PNJ. Euh, et au fur et à mesure vous pouvez acheter ou trouver de nouvelles armes plus efficaces euh, la particularité c'est que ça se je sais pas si on peut dire ça mais c'est un peu du dark west enfin en gros c'est le far west mais euh, avec des, des morts vivants euh, la nuit perpétuelle tout ça voilà donc un peu euh, ambiance hunt showdown okay. euh, bon ça fait pas peur hein, du tout mais c'est un peu euh, cette idée là euh, voilà, euh, rapidement euh, le principe. Et c'est très, même si euh, à la fin des maps euh, on, on a des munitions, on a des armes qui, qui, qui envoient du pâté et donc on peut euh, enchaîner les headshots. Euh, le gros du jeu se fait euh, avec, euh, comment dire, de la furtivité. Euh, et donc il faut beaucoup de patience. Il faut euh, utiliser le corps à corps quand on peut pour euh, éliminer des ennemis là, sans faire de bruit, tout ça. Euh, moi, c'est pas trop mon truc, mais dis donc si vous aimez ça, le jeu fonctionne très bien. Euh, et euh, faut pas vous attendre par contre à un renouveau de l'expérience parce qu'il y a trois maps et c'est la même chose. C'est-à-dire que le première map, vous êtes à poil, il y a un boss à la fin qui s'assure que vous finissez sans munitions parce qu'il faut lui envoyer euh, énormément de cartouches dans la gueule pour, pour en venir à vous. Et la deuxième map, c'est pareil. Vous commencez à poil, il y a un boss à la fin, etc. Ok. Donc pas hyper... Hyper euh, excitant comme, comme rétro FPS. Euh, deuxième nominé, euh, Rot, ou Rott, je ne saurais jamais comment le, le préciser, euh, dont Rutabaga, notre cher Rutabaga, à qui on en fait des gros gros bisous, avait écrit euh, la preview. Euh, Loulou, toi qui as l'habitude de tester euh, les rétro FPS à la rédaction, tu peux nous en dire un peu plus euh, Donc le jeu oui, fin alors. a fini par sortir cette année en, en ouais. version finale version finale effectivement alors Ashrod comme on a dit donc c'est un, un rétro fps pur jus en gros vous êtes dans, un, dans une Tchécoslovaquie on va dire très fictive où il y a eu on va dire un, un incident qui a conduit à une guerre civile et en fait vous incarnez un personnage qui va prendre les armes afin de, de protéger le pays et en fait durant leur, durant leur aventure vous allez progresser dans différents environnements plus ou moins variés mais surtout très ternes très très marron à la, à la cuec on va dire et vous allez affronter divers ennemis hein, qui sont plus ou moins originaux, hein, qui peuvent passer d'hélicoptères de à des machines vivantes. Vous aurez des armes, bon, par contre, qui sont plus ou moins classiques. Et euh, pour avoir un boss final, on va dire sans, sans vraiment tout dévoiler, euh, pour le moins original. Disons, dans l'ensemble, c'est assez sympa. Bon, après, l'humour, il faut, faut comprendre parce que ça renvoie beaucoup à, à l'histoire de, des pays soviétiques. Donc si on si n'est pas spécialement branché euh, sur, ce, sur ce courant de l'histoire, euh, on, on est un petit peu largué. Le gunfield ça va. Euh, c'est un, un bon gunfield. Bon, les armes sont pas très originales, c'est ça que je trouve un peu dommage en fait, c'est l'absence la, d'originalité dans les armes. Euh, J'ai rencontré, on va dire, des fois, quelques petites difficultés bon, par, à me retrouver parfois sans munitions. Et aussi euh, rétro FPS oblige, je me suis fait un peu avoir parce que des fois je ne sauvegardais pas. J'avais oublié que dans les rétro FPS, parfois la sauvegarde auto n'existe pas. Donc quand je meurs et que je me retape tout le niveau, c'était super génial. Mais sinon ça va. ça, ça reste un... Un moment spirale, sympathique. Il euh, n'y a pas de F5 possible. Ouais, voilà. C'est okay. ça, c ça la, 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 c la beauté du rétro. C'est justement de garder des mécaniques sans s'en sans rendre compte. Et c'est là que tu te rends compte tu dis, ouais, bah, finalement, les, les FPS modernes, sur certains aspects, c'est pas mal. <laughs> Comme en okay. fait, tu as de F5, F9, mais justement, tu n'as plus de sauvegarde auto. Tu es obligé de le faire toi-même. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, ah ça, oui, okay, ouais, ouais. ça. Donc tu peux en oui, abuser oui, aussi. Euh... Oui. Oui. Ok. Euh, autre euh, rétro FPS. Euh, alors, comment on le prononce le? Il will? Il will, oui, tout à fait. Il will. Donc quoi? Malade euh, deviendra malade? Wow. Non, je sais pas. Euh, ouais. Je sais pas. Euh, donc c'est Estia pour ne pas changer qui avait testé ce rétro FPS. Alors, qui est pas dans la même catégorie de rétro? Euh que les ouais. jeux qu on de, dont on vient de parler, qui est qui est moins rétro, enfin, je sais pas si on peut dire ça, qui est plus récent dans ouais. son rétro euh, dans son rétro graphisme est plus récent. Euh... En fait, les graphismes effectivement sont plutôt modernes ou modernisés, mais c'est tout l'aspect euh, gameplay, euh, level design qui est euh, résultement rétro en fait. Et, et c'est pour ça que c'est vraiment un rétro FPS et pas euh, pas juste un ouais. FPS classique. Quoi. Ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Donc dans l'esthétique. Euh plutôt moderne, mais, euh, mais un gameplay euh, des années 90. Oui. Euh, un, un jeu purement, purement autre nominé, un jeu purement, purement rétro, mais terriblement euh, beau, bon et, euh, et qu'on aime, c'est Turbo Overkill, qui avait eu droit à sa preview euh, en 2022 par Rutabaga pour ne pas euh, changer, et qui est sorti euh, en version finale euh, cette année. Euh, et qu'on aime beaucoup beaucoup euh, à la rédac. Enfin, en tout cas, moi, j'ai joué et je le trouve vraiment ultra ultra bien. Euh, esthétiquement, c'est rétro, mais c'est euh, mais c'est quand même super beau. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus, Loulou. Euh, oui, alors. Tu as joué aussi. Ah oui, effectivement, oui, j'ai joué donc Turbo Overkill. Alors donc on incarne, on va dire. Un... Un chasseur de primes qui s'appelle Johnny Turbo en fait qui, qui doit en fait rien que le nom déjà survivre non pour survivre <laughs> pour sourire, doit doit remplir un, un contrat et donc on va devoir traverser une ville qui est infestée donc par un, un virus si je dis pas de bêtises qui va qui va péter un peu les plombs et, et vouloir euh, dominer la galaxie voilà les grandes lignes hein, sans rentrer dans les détails et à chaque fois du coup ce qui est bien c'est que pas mal comme projet déjà quoi ah bah oui, donc dans, dans l'idée, c'est extrêmement fun, parce que déjà, bon, l'avantage, c'est qu'il a une jambe tronçonneuse, donc euh, qui dit ah, rétro ouais. et surtout fast, ça glisse, donc du coup, ouais. dès qu'on glisse, coup de tronçonneuse, donc tu, tu tranches dans l'art c'est très gore. J'aimerais voir sont... ça dans le métro le matin, ça va être génial. <laughs> ah, vraiment <laughs> débarrasse euh... des, des, des gens qui te collent. Et du coup, bon, au niveau des armes, c'est vraiment très intéressant, alors il y a, y, a, y, a, y a pas mal de types d'armes, bon après, il y a du plus classique euh, au plus, on va dire... Euh, Innovant. Il y a pas mal de tiers alternatifs, d'options. Il y a aussi des, des augmentations pour pouvoir avoir des, comment dire, des, des effets complémentaires. Au niveau, on va dire, de l'histoire, bon, ça va. Bon, C'est question de goût. Oui, hein, un moi, FPS, je... quoi, ça va, ça va. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, euh, on s'éclate bien. Il y a plein de secrets. Euh. Il y, a eu, il y a eu pas mal quand même de, de modifs quand même qui ont été arrangés sur, sur, surtout au niveau du scénario hein, parce que c'est vrai qu'au niveau du 1.1, bon, on va dire la seule chose qui a changé c'est plutôt ça c'est qu'ils ont appelé ils ont plus amené l'aspect scénaristique mais après en soi les mécaniques de gameplay restent sensiblement les mêmes si vous avez euh, suivi leur leur Lee access il n'y aura pas spécialement de grands changements à part des modes qui ont été rajoutés comme le mode sans fin le mode arcade bon le mode sans fin bon ça je vais pas m'étendre dessus tout le monde sait ce que c'est le mode arcade bon ça c'est plus pour euh, les gens qui veulent être sur le haut du tableau et pouvoir se vanter d'avoir débloqué toutes les médailles, tous les combos inimaginables. Voilà ce qu'on peut dire, en gros, sur Kill, qui est vraiment, euh, sur le coup, un, un, un très bon rétro-FPS. Voilà. Peut-être qu'il y aura un 2, hein, vu, vu la fin, je pense, mais on ne sait jamais. On verra bien si, si le ouais, développeur chapitre, est, ouais. est, est motivé. C'est ouais. ouais, ça qui est fou, c'est fait par un mec tout seul. Ouais, ouais. Effectivement, oui, oui effectivement. Oui. C'est l'une des, des bonnes idées de, de, de Apogee. Bon, je vais faire une petite critique méchante, hein, mais autant euh, Apogee, ça va, ils, ont, ils arrivent à, à choisir de bons jeux, autant 3DRM, euh, Free, Free malheureusement, euh, au niveau de la, de, des indépendants, ils ont du mal. Voilà, c'était simplement ouais, ces Tu fais écho euh, aux petites annonces qui, qui ont eu lieu <laughs> ces dernières semaines avec pas mal de licenciements. Ouais, malheureusement. J'ai annulé chez, chez 3 Realms. 3D Realms. Ouais. Euh, mais Alors... bon, qui malheureusement touche euh, tous les studios, hein, je pense que euh, ouais, ça, euh, ça serait... Ça serait euh... Je ne trouve pas mes mots, mais comment dire... Euh, euh, bien malin, c'est qui, ré... qui pourrait prédire quel studio ne serait touché ou euh, pas touché plutôt euh, par mm -hmm. des licenciements cette année, parce que là, franchement, tu enfin, en fait, euh, as l'impression que tout le monde va y passer, euh, que ce soit Ubisoft, ouais. Microsoft, Activision, mm -hmm. Blizzard. Euh, les indés, les moins indés, etc. Tout le monde, tout le monde y passe. Euh, donc euh, comme, comme toujours, euh, grosse pensée aux, aux, aux développeurs hein, qui, subissent, euh, qui subissent ça. Euh, on imagine que c'est un peu compliqué. Accrochez-vous euh, et on vous souhaite à tous de, de vite retrouver euh, du boulot mmh. euh, et du boulot qui vous intéresse. Euh, pas finir euh, pour faire des jeux mobiles euh, pour Ubisoft. Bref, on termine ce petit tour des euh, meilleurs rétro FPS de l'année avec euh, Warhammer 40000 Bold Gun euh, euh, que j'ai eu le plaisir de tester, euh, qui est donc un rétro FPS dans l'univers de Warhammer, comme son nom l'indique, qui n'était pas fou. Euh, pas, 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 renversant du tout, qui était quand même très, très classique dans sa proposition, euh, un gameplay entre entre Quake et Doom, quoi, on va dire, et qui euh, annonçait vouloir un peu moderniser la formule avec euh, en incorporant dans son rétro FPS des, des choses qu'on a pu voir dans, dans des FPS plus modernes, donc par exemple le Dash, ce genre de choses. Au final, on ne se servait pas trop de ces mé mécaniques-là. On n'était pas vraiment poussé à utiliser ces mécaniques-là euh, dans, le, dans le gameplay. Donc, ce n'était pas si moderne que ça. Et euh, il y avait un autre problème, c'était le, 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 la répartition de la difficulté. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on, bon, des, dans l'essentiel, c'est des couloirs euh, qui relient des, des pièces avec des mobs. Euh, dans ces séquences-là, on n'est jamais trop vraiment en difficulté, donc on roule un peu sur, les adversaires, sur les adversaires, même jamais en difficulté. Ouais. Non, mais bon, je, on va se mettre, euh, on, on, va, on, va, on va sortir de notre truc d'élite parce que nous, on a <laughs> des voilà, on a des talents innés de, de genre de fêtes, voilà. mais. Euh, mais euh, tout le monde n'a pas les, les réflexes qu'on a sur nos, nos claviers, euh, mmh. grâce à nos doigts euh, particulièrement agiles. Euh, non, mais c'est surtout que euh, en dehors de ces phases assez classiques, euh, donc de couloirs et, et de pièces remplies d'ennemis, il y a des moments où il y a des séquences qui sont appelées les purges euh, dans le jeu, où les, la pièce dans laquelle toutes les portes se ferment, et là il y a des vagues d'ennemis qui pop, et là le gain de, le gain de difficulté il augmente de, de manière drastique. Donc, ça crée des décalages euh, yeah. euh, très bizarres. Et je pense que la volonté des développeurs, c'est de nous en faire chier et de faire euh, de donner un aspect un peu Diane Retry. Mais ça, ça s'implémentait pas du tout comme ça dans, dans le jeu. Enfin, du coup, c'était surtout des séquences chiantes qu'on se faisait rouler dessus. Et puis, en dehors de ça, bah, du coup, il y avait les autres séquences où c'est nous qui roulions sur les ennemis. Du coup, il y avait pas trop de challenge, pas trop de de, de, de plaisir. quoi. Pas de côté grisant. Euh, mais au final, je n'ai pas détesté ce, ce, ce rétro FPS. Euh, j'ai trouvé que le level design au début euh, nous balance des mondes ouverts. Enfin, des mondes ouverts des extérieurs, pardon. Donc on se dit genre, ah chouette, j'ai pas trop l'habitude d'évoluer de, sur des montagnes enneigées, etc. Au final, on se retrouve par, dans des espèces de fonderies, de... De, de, de complexes euh, pseudo scientifiques Warhammer et compagnie euh, en intérieur quoi donc avec des couloirs etc beaucoup moins intéressant de ma en, ma en matière de level design mais voilà de manière générale je trouvais que c'était quand même assez euh, c'était comme assez bourrin les, les armes ont un ouais. super feeling très très bon feeling des armes très bon feeling des armes la tronçonneuse est très très cool euh, euh, les ennemis au final ils sont assez cool aussi ils ont, ils ont chacun, enfin évidemment, chacun leur, 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 leur défaut pour, pour qu'on soit forcé d'utiliser tel type d'arme, etc. C'était pas nul, c'était pas, euh, pas renversant non plus, mais euh, ça reste euh, le milieu du panier euh, du, du, du rétro-FPS. Si vous adorez les Retro fps je pense qu'il y a moyen que, que vous appréciez. Mais est-ce que c'est lui le gagnant Est-ce que c'est est -ce est un autre jeu de cette catégorie du meilleur FPS Est-ce que c'est Blood West Est-ce que c'est h Est-ce que c'est Hill Will Est-ce que c'est Turbo Overkill Ou est-ce que c'est Warhammer 40 000 Bold Gun Suspense. Je pense que vous avez la réponse euh, vu nos descriptions. C'est évidemment Turbo Overkill qui remporte le prix du meilleur être FPS de 2023. Euh, donc, on va pas redire ce qu'on a dit. Euh, c'est beau, c'est le gunfill est excellent. Euh, et voilà, on a une tronçonneuse à la place de la jambe. enfin Je ne vois ouais. pas quoi rajouter <laughs> pour vous convaincre de foncer sur euh, Turbo Verkill, qui, il me mmh. semble, était faisait partie du Game Pass à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, ça m'étonne, mais. Euh, parce que moi, je, je crois pas l'avoir acheté, donc j'ai dû le tester sur le Game Pass, je pense. Mais je pense que c'est plus, il est plus, euh... il est plus. Bref, on vous invite à checker, euh... vérifier par vous-même, faites vos propres recherches, comme disent les gens. Euh... Et on va enchaîner pour ménager un peu votre votre appétit. On va pas vous parler tout de suite du meilleur FPS euh, compétitif. On va pas non plus vous parler euh, du meilleur FPS solo ou du meilleur FPS coop. Non. On va d'abord vous parler du pire FPS. Parce que, parce que mmh. voilà, on, on aime bien l'ascenseur émotionnel. Et là, on a, dû, euh, on a dû faire le tri aussi. Euh, parce qu'il y avait pas mal de, de FPS bien à chier. D'ailleurs, il y a une autre catégorie qui ressemble un peu à la même catégorie. Mais bon, bref. Euh, premier nominé. De, ce, de cette catégorie pire FPS c'est euh, l'étron euh, Crime Boss Rocket City euh, alors ce que vous êtes en train de voir ce n'est pas Payday qui est aussi un autre FPS à chier mais, euh, <laughs> mais attention les différences sont subtiles euh, non enfin c'est vraiment le même jeu en... certains disent qu'il est un peu mieux que Payday 3 d'autres disent qu'il ouais. est au moins Chier, en tout cas, c'était du gros caca bat euh, On avait fait quelques streams avec euh, Estia et toi, et, ouais. euh, et on comprenait pas trop le principe du jeu, quoi. Enfin, le principe, si, mais mm -hmm. comment mm -hmm. prendre du fun avec ce jeu, quoi. Ouais, ouais, c'était assez, assez, assez compliqué. Euh, tout à l'heure, on discutait des FPS les plus drôles. Je pense que celui-là il en faisait partie, mais euh, sans, le, sans le vouloir. Ouais, euh, carrément, ouais. Ouais, donc bah, c'était ouais, le matchmaking bon, à chier, malgré le casting, ouais, malgré le super casting. Euh, bah de toute façon, au euh, niveau com, ce qui, je pense que la seule chose qu'ils avaient mis en avant, c'était le casting. Euh, et, mais ouais, faut, franchement, une, un délire. Et il faut savoir que ouais, on compare à PD3. Euh, quand le jeu est sorti, PD3 n'était pas sorti. Euh, ouais. Donc là, on a eu vraiment bouse sur bouse. Je ne sais même pas s'il euh, était annoncé ouais. quand, euh, quand le jeu est sorti. Euh... Si PD3 est annoncé, pardon, je voulais ouais. dire. Ah, si, 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 PD3 si, est annoncé. Il est annoncé, okay, on n'avait okay. pas encore euh, vu. Il n'y avait pas chose. de gameplay, ouais. On Pas mmh. encore vu grand-chose. Euh, ouais, on a, on, a fait, hein. on a fait plein de, plein de missions ensemble et il n'y avait rien de logique. C'était ah, nul, en fait. Bah, Vraiment, il, mé hein. il mélange plein de trucs euh, très différents et rien d'abouti, quoi. Le pire, c'est l'IA, quoi. Ouais. Euh, L'IA, puis... est complètement pétée. Euh c'était surtout des problèmes d'IA ah, ouais complètement pété les, ils te il te captait pas il te captait c'était il y avait rien de logique en fait au niveau du, ouais. du game design c'était n'importe quoi ah le game design était à chier aussi ouais le level design des cartes où que tu, tu, tu sens qu'ils veulent te faire faire de l'infiltration mais le ça s'y prête pas du tout ouais. du coup tu te fais baiser direct enfin c'est ouais non il y avait rien à y avait rien à en tirer malgré Chuck Norris hein, comme quoi Chuck Norris ne peut pas euh... ouais, peut pas obé. tout faire quoi ouais, ouais. Bah, je sais pas s'il a participé au développement, mais, euh, mais là en tout cas c'était pas glorieux. Euh, alors, autre FPS dans la catégorie des pires FPS. Alors, celui-là, on ne on, on l'attendait pas, je pense. C'est le remake de Kingpin, euh, dont tu vas nous parler, Estia. Alors, Kingpin, ouais. euh, grand grand classique euh, du FPS. Excusez-moi. Euh, je tousse un peu, donc euh, pour ça, je n'ai pas pris la parole tout de suite. Euh, ouais, c'est en voyant les images de ce remake que ça m'a donné une quinte de tout. Euh, parce qu'en fait, euh, ouais, c'est un remake que personne déjà n'attendait vraiment. Parce que le jeu de base, il n'était pas fou. Euh, et euh, là, les développeurs... ouais il y a des insultes, c'est ça. Ouais, ouais. C'était assez vulgaire et tout. Euh, mais les développeurs, apparemment, ils ont même pas eu de code source. Ils ont tout rétro-ingénéré et tout ça. Et ils ont fait un jeu bah, avec plus de bugs qu'il n'y avait à l'origine. Euh, apparemment c'est c'est laid euh, c'est nul au niveau de au niveau du gameplay et tout donc euh, voilà il a rien pour lui euh, et euh, donc c'est trois d Rims qui, euh, qui a dit ça ouais. euh, mais on, euh, on, je me suis plus c'est ont... c'est un accès anticipé euh, je, crois, je oui, je sais même pas oui voilà ouais. c'est ça ouais donc euh, oui. ah non il me semblait qu'il y avait une histoire d'accès anticipé mais euh... Euh, ah, ben bah non, il est sorti. Ouais. Il y a eu un accident anticipé, mais il est, il est, il est sorti. Ah ouais. euh, oui, donc du caca. Quoi. Euh, pourtant, ça aurait été cool de, de, de donner l'opportunité aux joueurs de, de tester un classique, un peu euh, comme ça arrive souvent, des, des remakes de qualité, ou, ou, qu que, enfin, des remakes, ouais, mais ou des remasters. Mais là, non. Le quoi. jeu de base n'était pas fou. quoi. Donc, euh, c'est un peu ouais, bizarre mais... de, de faire un remake d'un jeu pas fou. Hmm. Eh ben, ils auraient pu en profiter pour justement le rendre plus intéressant, enfin je sais pas euh... ouais, ouais, ouais. moi, ça, moi je, me, je me disais ah tiens je l'ai pas fait apparemment c'est un peu un classique ouais. pourquoi pas ouais. et euh, donc mmh. en fait euh, donc, il ne faut surtout pas le toucher, même avec un bâton euh, mmh. un autre jeu qu'il ne faut pas toucher avec un bâton et pour notre plus grand regret, c'est Redfall euh, et oui, oui, Redfall est sorti cette année. Vous l'avez oublié, mais... mais pas nous, qui restera notre trauma, un des plus gros traumas de l'année. Redfall, euh, Arkane, Arkane Austin euh... oui. Plein de mystères entourent entour ce jeu. Hein. Qu'est-ce que, à qui, à, à qui, qui, la faute qui, qui, a poussé jusqu'au bout On ne sait pas encore. Il se renvoie la balle. ça serait. Ça serait euh... Microsoft, euh, mais en fait non, parce que quand ils ont racheté Microsoft, Bethesda, le truc était déjà en développement, et ils ont dit non, non, continuez, euh, on vous laisse faire. Euh, a priori, ce serait peut-être, euh, comment euh, s'appelle ce monsieur, j'ai oublié le nom, euh, le, le directeur créatif de Arcanosti. Oui, Harvey, euh, Smith. Harvey Smith, ouais qui... d'autres rumeurs qui disent que c'est lui qui aurait poussé le truc. Enfin, il y a plein de développeurs qui ont dit, nous, mais on attendait qu'une chose, c'est que le jeu euh, soit arrêté euh, pendant son développement. On y a même cru pendant l'arrachat par Microsoft, on s'est dit genre jamais ils voudront cette être bouse. Et donc finalement, Microsoft n'a pas, euh, euh, pas voulu interagir et c'est continuer le jeu. Euh, tout ça pour euh, nous donner euh, un truc euh, complètement... Euh, complètement... Euh, à chier. Chier, complètement y... raté, mais, 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 mais qui, qui essaye de prendre plein de formes et qui n'en concrétise aucune et qui. Et monde ouvert, alors déjà, voilà, arcane ils ont jamais vraiment développé de, de vrai monde ouvert, même si Play est un peu vite fait, un peu monde ouvert, mais. Enfin, des, des niveaux assez ouverts, mais. Ou même même la Dishonored, mais là, c'est une vraie map à la, à la Far Cry oh. ou comme ça, quoi. Et c'est ça fonctionne pas du tout. On n'a pas du tout envie d'explorer la carte. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, l'IA mais on a rarement vu pire quoi. <laughs> avec les gars qui ne réagissent pas du tout quand on leur tourne autour. Des fois oui, des fois non. Enfin, euh, des ennemis complètement débiles. Euh, Et aucune les synergie. Les à PV, ouais, euh, aucune euh, synergie des, des, vraiment, des classes ouais. de personnages aussi. Euh, T'as as, as aucun intérêt à, à jouer avec tes potes. Enfin, non, il y a vraiment euh, y a, y a rien qui va. Le scénario Torche avec le cul qui te pond une fin qui sort de nulle part. Es des... Je crois que c'était avec toi, Estia. Oui. Euh, Qu'on qu qu a fait la fin et on est. On est... Ah, d'accord, c'est la fin. Eh bien, très bien. Euh, okay, voilà, ouais. Et, et euh... en plus, à la fin, je crois, tu si tu, tu reviens, euh, genre en 30 secondes, à l'endroit où tu dis euh, Bon, bah, d'accord, ouais. maintenant, je vais pouvoir explorer la map. Et en fait, non. C'est génial et, en fait, et tu, peux, re, tu dois recommencer le jeu si tu veux ça, pas ouais. explorer la si map. On après. ne peut pas revenir explorer librement la map. On te prévient pas que c'est la dernière mission. Ça n'a pas le goût de la dernière mission non plus parce que c'est nul à chier. Et en plus, quand tu termines, on te dit bon ben voilà, c'est la fin. Tu peux recommencer le jeu maintenant. Et, et, ah oui, a... même pas de new game plus. Euh... Et puis même de avant que le jeu sorte, euh, bon, on a eu quand même pas mal de, de vidéos pour, pour faire la, la promo du jeu. Et en fait, c'était pire que mieux. Et plus ça avançait. Et plus on se rendait compte, et on, on était persuadé que était, ça allait être nul à chier. Et plus ouais. ils nous sortaient des vidéos de gameplay, etc. Et nous, ça vrai à la RedHawk, on en parle, on se disait mais c'est pas possible. Et là, ils étaient en train d'enfoncer le clou à chaque, à chaque vidéo, à chaque sortie de, 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 de vidéos de gameplay de et tout, Et bah, jusqu'au jour où, euh, où le jeu est sorti. Et voilà, quoi, finalement, euh, finalement, c'est ce qu'il est, c est skillé, ouais. Il est, euh, il est raté, tout simplement. Raté, même le level design est, est à chier. Enfin, le level design du monde ouvert est, est raté, quoi. Enfin, il y a... Il y a des endroits où es bloqué, tu sais pas, tu sais pas pourquoi, pardon, l'espèce de, de 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 matière chelou qui te bloque, mais ça sert à rien du tout. T'as l'impression d'inachever en, en fait pendant pendant plein, enfin sur plein de séquences du jeu quoi. Donc c'est très 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 triste pour euh, pour Arcan quand même parce que même si pour l'instant on n'a pas le fin mot de l'histoire, est-ce que c'est eux qui ont vraiment euh, insisté pour faire un jeu de merde? Est-ce qu'on les a forcés On sait, ne on sait toujours pas pour l'instant. J'espère qu'on finira par ça dans quelques années. Mais euh, triste pour eux, quoi, parce que c'est clair que ce n'est pas ça qui va euh, leur donner les opportunités de nous sortir des jeux comme ils savent faire et, et qui sont à chaque fois des, des, des super super jeux comme, euh, comme Prey ou Dishonored. Euh, mm. Sachant que là, le prochain, a priori, euh, c'est vraiment pas sûr du tout que ce soit un FPS. Euh, le prochain jeu développé par Arkane, Lyon. On sait euh, que c'est pas un FPS. Alors on est sûr que c'est pas un FPS Je pensais qu'on avait oui, le truc. Ok, donc euh, le jeu sur Blade. Euh... Oui. Oh, euh, ça, bah, esp... hein. Espérons que ça leur permette de, de, de remonter la pente un peu ouais, et qu'on les retrouve dire, hein. euh, dans quelques années avec un, un jeu euh, un jeu intéressant. Euh, dernier jeu euh, nominé dans les pires FPS euh, de 2023, c'est euh, Ripout. Bah, RIP. rip euh... Ouais, RIP tout court, hein. mmh. effectivement. Euh, tentative de, de GTFO pour les nuls, quoi, en gros. Euh... Ouais. Non Ouais. Pas oui, si. Euh, euh... si. Ah, oui GTFO simplifié. Ouais, GTFO, mais très, très simplifié. Ouais, C'est ça, GTFO ouais. pour les nuls, quoi. Euh, bah, Je sais pas, euh... pas qui va en parler. Euh, moi, j'ai fait. Euh... Je m'y suis remis là. J'ai refait une heure ou deux là récemment. Euh, parce que euh, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Le euh, loup avait fait une news pour nous, euh, nous indiquer qu'il y a eu des, des nouveautés euh, euh, avec, euh, dans le gameplay et puis dans les modes d'armes de, de, et compagnie. Il y a 20 euh, personnes sur le jeu actuellement. Ouais, euh, donc c'était un samedi <laughs> après-midi. J'ai dit, bon, allez, je me lance, je fais une partie. Euh, mm -hmm. Donc j'essaie de rejoindre une game. Là, il y avait trois euh, parties créées euh, dans, dans le monde entier. Voilà. Euh, trois parties créées, donc il y avait euh, six personnes, un truc comme ça. Donc là, je, me, je, je rejoins une partie, j'essaie de parler au micro, pas moyen, et le chat vocal ne fonctionne pas encore. Euh, donc tu es obligé de parler avec yes. tes mates. Euh, donc c'est un jeu multijoueur quand même, donc euh, voilà, la coopération est de mise, donc euh, je sais pas, tu es obligé de parler euh, via le chat textuel. Euh, bref, et euh, non, bah en fait, il n'y a rien. Y, c est, c est... Il n'y a rien de bien, quoi les nouveaux modes de jeu ne sont, sont pas fifous, euh, j'ai essayé le, le, le katana super tranchant, euh, il fait les mêmes dégâts que l'arme de mêlée qu'on a de base, euh, mais ouais, c'est vide. C'est assez triste quand même, on s'en est, on, on est rendu un peu compte avec, avec Stuka, c'est ça qu'on s'est demandé ce euh, qu'on foutait là-dedans en fait. Mmh. C'est un gros dommage, je ne sais pas si Stuka tu peux en parler vite fait. Ah, je pense que tu as tout dit, mais... Avant, je moi je, enfin, moi je trouve qu'ils rentrent pas dans les jeux chiants qu'on a dit tout à l'heure parce que les jeux chiants qu'on a, men qu a mentionné c'est des jeux qui sont, qui sont finis où euh, bah, on a trouvé ça chiant mais n'empêche que le gameplay est correct et c'est juste que bah, on s'emmerde rapidement rip out en fait il y a, y a le DA des monstres qui est joli tout le reste c'est nul parce qu'il n'y euh, a, y a pas de gunfield les missions sont sans, sans intérêt c'est vide euh, techniquement aussi il y avait des problèmes bon ok c'est de l'early access mais euh, toi MatMod t'as craché je sais pas combien de fois parce que t'avais le ray tracing activé mmh, mmh, mmh. donc pour, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis cette option si ça marchait pas je ne sais pas euh, ouais, c'est et... toujours un expert anticipé donc, euh... ouais, ouais. Et, et après le truc qui est, qui est vraiment euh, débile c'est que c'est des choses qui avaient déjà été relevées quand euh, Naufrag avait testé la démo justement euh, il y a un ou deux ans avant deux ans, ouais, ouais. ans a... je pense et, et là, il sort et c'est pareil. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait On ne sait pas. Mmh. Et, et là, bon, je ne vois pas euh, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre qu'en 2024, ils, a, ils annoncent la sortie de la 1.0 à l'arrache et qu'ils abandonnent le jeu vite fait, bien fait. Et voilà. Ouais voilà. Bah c'est sûr. En plus, tous les niveaux se ressemblent. Hein. Donc, en fait, on, a, on commence avec le premier stage. Après, il y a stage 1, stage 2, stage 3. Donc, ça, à mon avis, c'est des stations différentes. Euh, et on a des tailles. Donc, il faut savoir que les maps sont générées procéduralement. Et on... en fait, je suis tout cas, moi, on s'est dit, ouais, c'est généré procéduralement, mais c'est mal fait. Parce que c'est que les pièces, oui. et euh, en fait, c est, c est, ça, ça fonctionne par taille. Donc on a une, une... un vaisseau, on va explorer un vaisseau de, 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 de taille 4, de taille 5, de taille 6, de taille 7. Donc oui, ça va prolonger la durée euh, d'exploration, de, de mission. Mais, 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 mais tout se ressemble, vraiment, tout se ressemble. A... Ouais, c'est toujours ah. les mêmes pièces qui reviennent. Et il n'y a Donc, quasiment fois, pas d'intérêt. Trois ou quatre missions. Euh, on a à peu près tout vu et c'est juste l'ordre des pièces qui change c'est tout oui parce qu'en fait c'est ça l'explication de tu disais généré de manière procédurale c non c'est agencé de manière procédurale agencé ouais. pardon ouais Donc, euh, parce qu'il change ça peut être le placement des ennemis aussi mais c'est tout oui, oui voilà, et, voilà. et bien sûr euh, on voit GTFO bon, je pense qu'on on, on, on a pas à dire qu'on est habitué à GTFO mais euh, ce, ce, ce genre de jeu où on débarque sur une station, on doit faire une mission, bah c'est à nous de chercher justement. On, a, on, a, on est sur une station assez grande, il faut l'explorer. Donc il faut pousser le joueur à l'exploration, il faut pousser le joueur à chercher, à faire toutes les pièces. Là non, on commence le jeu, le, le, tu as un gros ping sur ton écran qui te dit, bah vas-y, il faut aller là-bas. Donc en fait, qu'est-ce que tu en as à foutre d'aller à gauche ou à droite en fait Parce que tu sais qu'il faut aller là-bas. Mmh. Euh, à la fin, il reste 4-5 ennemis ,5 à tuer. Ils te mettent une putain de cible sur leur tête pour dire il faut tuer eux pour réussir la mission, il faut tuer eux. Ils te prennent par la main et te disent bah ouais, il faut faire ça. Et non, c'est pas ça qu'on veut nous. Ouais, surtout qu'il y a eu plein de jeux qui prenaient pas par la main et qui ont carrément marché chez, les... chez le... le grand public. Enfin, je reprends souvent l'exemple de PIBG qui était quand même. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais parié qu'un jeu aussi exigeant. Il y a, il y a plus que exigeant, il y a plus exigeant, pardon, mais que PUBG est autant cartonné alors que c'est quand même de base un gameplay qui n'est qui est pas ultra accessible c'est bien la preuve que, en fait euh, ça peut marcher enfin euh, c'est pas à nous qu'il fallait le prouver mais euh, peut-être aux éditeurs etc genre vous pouvez faire des jeux qui sont hyper exigeants en fait si, si c'est si si pas mal fait s'il n'y a pas de sentiment d'injustice ou de je sais pas quoi les gens ils vont y aller euh. et si c'est hyper, euh, hyper grisant comme expérience si c'est nouveau etc comme l'a été PUBG quand c'est sorti euh, les, les gens, ils vont y aller. Donc, euh, faire, des, faire des FPS, enfin, des jeux de manière générale euh, qui sont pas particulièrement exigeants, qui, qui du coup récompensent pas le joueur, il n'y a pas de sentiment de, 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 de victoire, de challenge, etc. Bah, ça fonctionne pas. Mmh. Euh, mmh. Et je reprends aussi, enfin, euh, je reviens pardon sur ce que tu disais sur l'exploration. Ça aussi, c'est un gros problème de, euh, des jeux vidéo de manière générale. Euh, de, de level design, quoi, de level design inventif, créatif, euh, qui n'a qui pas besoin de barder d'infos en HUD ou, ou de, 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 de de trucs audio, ou de je sais pas trop quoi pour indiquer aux joueurs ce qu'il faut faire. Et là, voilà, euh, euh, environ, environnemental, narration, etc. quoi la narration, quoi la narration environnementale. Euh, narration environnementale, comme euh, c'est le faire. Euh... Euh, Arcane, notamment, ou la plupart des immersifs Sim, c'est un peu à chaque fois leur, leur, leur truc, les Bioshock et compagnie. Euh, mais même dans Dodge 2, en fait, ça, ça pourrait fonctionner aussi et, euh, et c'est toujours beaucoup plus gratifiant. Alors j'imagine qu'après, ça demande beaucoup plus de taf pour les développeurs, que c'est aussi ouais, plus bon. compliqué à, 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 à pitcher ça aux, à aux, aux éditeurs et tout ça. Ouais, ça demande d'avoir des idées. puis je pense que c'est. Je pense qu'aussi, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il y a une part de responsabilité des des éditeurs, de ceux qui, fi qui filent les tunes quoi, qui permettent aux développeurs de bosser sur leur jeu, Si on leur explique qu'il y aura pas de, il y aura pas de logo audio que l'histoire sera racontée par des trucs écrits sur les murs à l'arrache et tout, ou par le level design etc. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se prennent des, qui se prennent des petites, des petites, euh, des petites réflexions quoi. Genre non 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 ça t'oublie, tu vas nous raconter les scénarios bien comme il faut de manière bien classique histoire qu'on compte pas les joueurs parce que je leur dis sont un peu cons en fait. Et euh, bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule, euh, mon petit coup de gueule habituel euh, de chaque émission. Euh, dans tous les cas, euh, le pire FPS pour la rédac de naufrag euh, je pense qu'il n'y a pas de secret, on ne va pas faire du le suspense, euh, c'est à la hauteur euh, de l'amour qu'on porte pour le studio, mais c'est Redfall. Euh, voilà, Redfall, euh, on a essayé jusqu'au bout de... De, de lui trouver un truc, de se dire non, mais non, ça va, ça va être bien, c'est juste qu'ils sont, ils sont nuls pour faire la communication. Regardez, tel jeu, ils avaient mal fait la communication et en fait c'était génial. Et ben bah non, là c'était vraiment euh, impossible de trouver quelque chose de cool à dire. Euh, le scénario est à chier, la DA est vraiment pas sympa, euh, remplie de, de trucs violets euh, immondes. Euh, le gameplay mmh. fonctionne pas du tout, l'aspect RPG fonctionne pas du tout. Il y a rien qui va, il y a rien qui va dans Redfall. Vraiment, il n'y a rien à sauver. On n'a pas du tout envie d'y retourner. N'y touchez pas. Euh, ne, ne vous approchez même pas de Redfall. Et c'est horrible à dire euh, quand on sait euh, quel studio est derrière et que, au, au, à quel point on aime euh, Arcane. Donc on leur souhaite vraiment euh, de, de, de rebondir et de, et de vite nous revenir en, en bien meilleure forme. Euh, alors, est-ce qu'on enchaîne sur euh, la prochaine catégorie Sur ce, ou est-ce que... On profite de la, de la catégorie des pires pire FPS qu'on vient de conclure pour vous balancer un, un petit truc pour se décompresser. Parce que là, ah, on bien vient bien quand bien. même de dire que Arkane, Austin avait fait le pire FPS de 2023 et ça, ça nous fait mal à, à nos petits cœurs. Donc, je ne sais pas si... Je sais pas si je vais le son. Et on me okay. Parce que sinon, on peut vous balancer un petit truc pour vous détendre. Euh, quelques rutabagas nous vous avez préparé oh il y a quelques river. années. ah ouais, Je pense avoir le son, donc euh, on peut vous lancer. Et on okay. peut vous. Voilà, vous balancer une, euh, une petite pub euh, comme Rutabaga ça va les faire. Euh, un petit bisou à Rutabaga du coup au passage aussi. Ouais on n'a pas le son, je crois. Ouais ah, on n'a pas non, le son. Pas Alors, le son. Alors le son. attendez un instant, je vais. Je vais, je vais. Toujours pas. Non non je sais. Euh... Comment je peux mettre le son On peut vous faire le son. Euh... On peut vous faire le son nous-mêmes. <laughs> <sinon. rire> Moi je peux vous faire le Ça début là, là, le truc à la plus. Sinon je peux aller pisser. Euh... vous votez dans le chat. C'est euh, un pour que j'aille pisser et deux pour que j'aille pas pisser. Et vu que je vous connais, je sais que vous allez tous voter d'eux. Parce que Hello vous everyone, this is Eve. Pensez... As you may know, I am a complete self-made man. However, even a powerful man like me can have some problems. Sometimes you sit at your office and it happens suddenly. <laughs> Scientists call that bladder leakage. But we have the solution. Discover the new UbiSleep, a brand new intimate protection that uses only recycled materials. Just like our games, a real solution for real men with real problems. Remember, with vous you will always go forward. Voilà, magnifique, magnifique. Encore merci à Ruta Baga de nous avoir. Euh réaliser ces magnifiques pubs Ubisleep. On avait aussi le, le naufragile pour ceux qui portent la casquette en intérieur et qui ont tendance à, à nous insulter un peu trop facilement. Euh... Désolé encore une fois pour, pour cette grippe qui ne me lâche pas. Euh, on va enchaîner sur la prochaine catégorie. Euh, les FPS, vous le savez, c'est maintenant beaucoup, beaucoup euh, de jeux qui sortent en accès anticipé. C'est nous les cobayes qui testons euh, en déboursant une certaine somme à chaque fois. D'ailleurs, ça me rappelle que Estia, tu n'as pas fait de, de petit euh, bilan chiffre 2023. Si jamais, euh, bah... si jamais tu veux en profiter, c'est le moment. Hein, ah oui, on peut. Euh... On n'est euh... si, 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 pas obligé. C'est juste qu'on avait parlé de euh... ça et moi je trouve que c'est une bonne idée ouais. de revenir en chiffre un peu sur. Euh... Allez, on va revenir en chiffres euh... sur le bilan 2023. Euh, euh, parce que c'est parce que intéressant hein, de, de parler des mais chiffres. J'aime parler des chiffres. Est-ce que euh, est vous, vous aimez les après... camemberts ah, Parce qu'on vous, camembert. des... vous a fait des petits camemberts. Enfin, Estia a fait des petits camemberts. Euh, pour ouais. Vous, euh, résumer pour résumer le... la situation un petit peu. Ouais, les camemberts, c'est plus pour les jeux attendus. Mais sur le bilan, je n'ai pas fait de camembert, J'ai juste des... fait des histogrammes. Et, euh, et donc euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit euh, en 2023 Donc d'après Steam, d'après SteamDB même, il euh, y a eu 1001 FPS sortis sur 14 533 euh, jeux. Donc ça fait environ 7% de FPS. Hein. Euh, sur, là, on parle que des jeux Steam hein, puisque c'est la seule plateforme sur laquelle on a des chiffres. Hein. Donc on ne parle pas euh, des jeux qui seraient sortis euh, exclusivement sur le Xbox Game Pass ou sur l'Epic Games Store ou que sais-je. Euh, voilà, donc c'est quand même énorme. Donc, 1000 FPS, évidemment, on n'a pas parlé de tout. Même euh, en news, on n'a pas on a pas traité tout euh, tout ce qui passe parce qu'on euh, bah, ne parle pas de toutes les merdes euh, non plus. Voilà, du côté de la RedHack, donc nous, on avait fait euh, 53 tests et previews puisqu'on parle aussi euh, des, euh, des jeux en accès anticipé donc, il y a 15 jeux euh, en accès anticipé sur les 53 euh, qu'on qu a fait. Euh, les conclusions, comme euh, la semaine dernière, euh, je vous rappelle qu'on euh, n'est pas si méchant, euh, et aussi parce qu'on sélectionne mieux nos, nos jeux peut-être, mais on a euh, 7, euh, 7 jeux extrêmement positifs, donc les, les meilleurs, les jeux excellents, exceptionnels. Euh, on a euh, 22 euh, tests euh, globalement positifs et 9 ouvertement négatifs. Alors entre les deux, il y a ceux où on est plutôt négatif, mais ce n'est pas non plus euh, des merdes. Voilà. Euh, et puis, euh, puis c'est tout, en fait. Hein. On a déjà fini euh, nos chiffres. Donc euh, on rappelle, on a testé 53 jeux sur les 1000, enfin 53 FPS sur les 1001 sorties cette année. Et euh, sur, les, sur les 1001, on a 7 qui sont exceptionnels. Voilà globalement le ratio euh, et, et le nombre de jeux, les, les chiffres à retenir sur l'année 2023. Merci Estia. Euh, merci Estia pour ce petit récap qui a duré pile assez longtemps pour que j'aille faire une pause pipi. Mais j'entendais tout. Hein. J'ai le casque sur les oreilles, Rivet sur les oreilles. Euh, J'entends toujours tout. Euh, magnifique. 1001 FPS, je trouve ça, je trouve ça assez rigolo. Et j'ai beaucoup apprécié que tu précises que non, nos ce n'est pas que des connards à gris. Il y a des jeux qu'on aime bien. Euh, et même la plupart des jeux. Euh, et vous saurez lesquels. Euh, bah, dès la prochaine catégorie, d'ailleurs, vous aurez une petite idée. Vous allez avoir une petite idée. Puisque prochaine catégorie euh, des, euh, de, de ce bilan 2023, c'est les, me les meilleurs accès anticipés. Alors, euh, des jeux qui sont sortis en accès anticipé et qui ne sont toujours pas sortis en version finale entre-temps, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le premier nominé est Shadows of Doubt, euh, annoncé il y a déjà il y a déjà deux ans, développé à la base par une seule personne et qui a été rejoint ensuite par d'autres personnes, qui est euh, un, un FPS très particulier puisqu'il s'agit d'une espèce de jeu de quête infiltration euh, qui se joue dans des maps qui sont générées de manière procédurale. Mais attention, ne partez pas tout de suite en entendant le mot de générer de manière procédurale. Parce que ce ne sont pas seulement euh, les niveaux, les, les, les appartements, les hôtels, etc., qui sont, aussi, qui sont générés de manière procédurale, mais c'est aussi les NPC. Et leurs routines. Donc, euh, vous êtes un détective privé dans une ville où tous les personnages sont contrôlés par l'IA et sont et ont tous des routines qui, ont, qui vont être générées de manière aléatoire à chaque création de partie. Donc, euh, un métier, euh, des activités, etc. Euh, et du coup, quand vous avez une scène de crime, euh, vous allez retrouver. Ça dépend des fois, soit des traces de sang, soit des, des empreintes. Soit une carte de visite, soit... Voilà, il y, y a plein de paramètres euh, possibles. Et vous allez remonter le fil comme ça euh, grâce aux indices que vous avez. Et en fait, ce qui est hyper, euh, hyper grisant, hyper satisfaisant, c'est ce côté où, euh, où ça fonctionne. quoi Cette, cette ville euh, gérée par IA elle fonctionne. Et en fouillant, euh, euh, par exemple, le lieu de travail d'un potentiel suspect... Euh, vous allez fouiller les casiers pour essayer de trouver euh, d'autres indices qui vont vous ramener peut-être vers une autre personne ou vers, euh, vers, euh, qui vont confirmer votre piste, etc. Donc après, vous pouvez éventuellement vous rendre chez lui euh, en, en, ayant... Pardon. en ayant trouvé ses horaires de boulot. Donc vous savez quand est-ce qu'il est au boulot, quand est-ce qu'il est chez lui. Donc ça peut aussi vous laisser l'opportunité de fouiller chez lui pendant qu'il est au boulot. Enfin, vous voyez un petit peu le tableau. Euh il euh, y a plein de choses qui s'imbriquent quoi, et euh, qui vous laissent euh, pas mal d'opportunités de résoudre les trucs un petit peu comme vous voulez euh, moi les dernières fois que j'ai testé ça, il y avait quand même un gros paquet de bugs euh, bon, que ce soit des bugs classiques de, de graphique, d'affichage, etc et après d'autres bugs aussi de, voilà, de, 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 de quêtes qui se valident pas forcément euh, euh, de choses qui devraient s'activer et qui s'activent pas, etc Bon, des petits, des petits bugs de script, quoi, en gros. Euh, bon, les devs, ils sont dessus. Ils, ils sortent des, des petits patchs très régulièrement. Et c'est toujours prévu pour euh, cette année, a priori. Euh, comme je disais, du coup, le dev était tout seul. Et maintenant, il est, ils sont trois ou quatre, je crois. Euh, J'ai bon espoir que ça soit euh, une très bonne immersive sim. Euh, euh, voilà, qui, 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 qui nous. Qui nous, qui nous... Qui nous tient en haleine pendant euh, des heures et des heures, euh, à voir sur le long terme si les enquêtes se renouvellent assez ou si on risque de se faire chier. Mais euh, j'ai bon espoir que ce soit euh, un des meilleurs jeux indé de 2024. Mais pour l'instant, c'est un accès anticipé. Un autre accès anticipé euh, que Estia et moi-même ont testé, c'est Six Days in Fallujah qui avait été annoncé depuis un petit moment et qui est donc sorti en accès anticipé à la fin de l'année et que vous avez plutôt apprécié non, il me en... semble. C est c est non, milieu ah je me semble que c'est plus tard pardon. Euh, ouais je sais pas si j'en parle un petit peu Estir, avant vas-y 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 ouais. euh, bah six days ouais euh, donc euh, après un passé, un passé tumultueux au niveau, de, au niveau de, du, du développement et euh, donc on sait qui a qui annulé puis, euh, puis repris euh, récupéré repris au développement et, ouais. bah, suite au bah, à l'historique hein, de, 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 de ce passé on va dire euh, donc là ils nous ont sorti un axe anticipé au mois de mai euh, plutôt, plutôt sympathique euh, par contre euh, bah, je vais dire le, le côté négatif euh, de, tout de suite, c'est que bah, il est très court. Hein. On avait le droit qu'à euh, qu seulement euh, 4 missions. Euh, bah, et euh, les missions se lançaient de façon aléatoire. Donc ça veut dire qu'à bah, chaque fois que vous lancez une mission, vous n'êtes pas sûr euh, d'avoir. Euh, bah, vous pouvez tomber sur les, 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 les deux mêmes missions. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'était quand même. Euh, c'est plutôt, bah, plutôt, plutôt sympathique. Euh, par contre, c'est très 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 réaliste. Euh, très simulation aussi euh, et euh, si euh, euh, bah, si vous êtes tout seul bah, c'est pas c'est pas la peine parce que c'est super dur déjà faire le jeu tout seul euh, franchement faut être vraiment un warrior ouais, il y en a qui ont réussi mais euh, voilà c'est vraiment un jeu qui est conçu euh, pour y jouer euh, en équipe et euh, faut vraiment se la, jouer, euh, se la jouer RP quoi donc euh, voilà là, si je veux parler à mes, à mes collègues euh, donc le chat le chatting game hein, bien sûr Activé, obligatoire. Euh, donc vous êtes obligé d'appuyer sur la barre espace pour communiquer via la radio, sinon ils ne vont pas vous entendre. Euh, on avait des sons qui étaient vraiment assez réussis, une spatialisation des sons qui était, qui était vraiment bien, en, en, en intérieur comme en extérieur. C'était euh, ouais, très bien réussi. Ouais, C'était vraiment réussi. Ils ont mis le paquet aussi sur bah, l'intensité des combats, euh, sachant que vous allez vous prendre des rafales ou des tirs de. Des tirs d'insurgés, bah vous n'allez pas pouvoir répliquer euh, aussi facilement parce que justement comme vous vous prenez des balles, bah même si c'est pas sur vous, votre joueur, votre, votre le soldat que vous incarnez il va se protéger, il va se protéger, il va avoir flou. Euh, donc c'est vraiment très compliqué. Oui, il y a une question il faut... qui est vraiment très très importante. Ouais. Et euh, ouais. Donc euh, vraiment ouais, bon axe anticipé. Vraiment, par contre je l'ai vraiment trouvé trop court. Le, là ils ont une roadmap. Euh, je ne sais pas s'ils sont à la bourre, mais là, ils ont ressorti récemment euh, deux, deux nouvelles missions euh, qui, sont, qui sont aussi sympathiques. Mais après, bon, ça reste dans, dans le même délire. Hein, on, est, euh, on est sur des maps qui sont là générées de façon euh, de façon procédurale. procédurale. Et, ouais. et euh, donc, c'est plutôt, plutôt réussi. Euh, donc, ouais, euh, assez cool, assez cool ce Six Day à faire, mais à faire en coopération, bien sûr. Ok, euh, attention, je me change un peu l'ordre du conducteur, histoire de te laisser un peu de répit, euh, Matt Mouatt. Oui. On va parler d'un autre jeu qui est sorti en accès anticipé, Estia, Witchfire, qu'on attendait depuis un, un moment à la rédac. Euh, et qui nous, nous, nous a pâté beaucoup, beaucoup avec son son gameplay euh, qu'on nous, qu nous promettait bien ardu et qui avait une DA aussi bien bien chouette et c'est sorti ouais. du coup en accès anticipé en octobre, tu as pu tester et t'as bien kiffé ouais exactement c'est euh, ça, c'est un mélange d'une direction artistique euh, très réussie, très jolie euh, du dark, de la dark fantasy euh, avec un gameplay euh, jouissif avec des, des armes qui, euh, qui qui tapent bien euh, et qui sont très satisfaisantes à utiliser. Euh, euh, par exemple, il y a un genre de, de fusil, euh, fusil à verrou qui, euh, qui, qui est ouf. En fait. Au début, tu, vois, tu t es, t es nul, tu te fais défoncer et tout ça. Et quand tu commences à prendre le truc, tu, tu tapes les têtes les unes après les autres et c'est ultra satisfaisant. Euh, c'est vraiment un jeu pour lequel tu as besoin de t'entraîner en fait pour devenir bon. Et euh, là, j'ai lancé euh, très récemment là, pour, pour voir ce que ça donnait avec la nouvelle configuration. Et, et les, les premières parties, j'étais atrocement nul. Et, euh, et vraiment, deux, trois, deux, trois, deux, trois morts et euh, ça commence à revenir, etc. C'est quelque chose qui ouais, est musculaire, en fait. Hein. Et, euh, et franchement, c'est tellement satisfaisant quand tu commences à maîtriser, à faire des petits dash, euh, à changer d'arme, à utiliser tes pouvoirs. Euh, donc voilà, il y a tout, tout un système du de, de RPG, c'est-à-dire que tu vas débloquer euh, différentes armes débloquer des, des bonus sur tes armes, débloquer euh, des pouvoirs, des, des meilleurs pouvoirs, etc. Euh, le but étant de, euh, de buter un boss à la fin d'une map, mais pour ça en fait euh, il faut, euh, faut pas juste aller au boss, puisque euh, en fait à chaque fois que tu arrives sur la carte, hein, tu n'as pas de pouvoir euh, temporaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas débloquer des pouvoirs temporaires quand tu vas éliminer un groupe d'ennemis. Et donc, quand tu élimines ces groupes d'ennemis, tu gagnes un pouvoir temporaire euh, qui, qui est valide tant que tu ne marches pas, en fait. Et, et c est, c est le but, en fait, c'est d'aller de, de, taper euh, le maximum de monstres ou de groupes de monstres sur la map pour être assez puissant pour pouvoir battre le boss et passer à la map suivante. Donc, dans mmh. l pour l'instant, il n'y a, a que deux maps euh, qui sont très, très belles. Euh, et avec des ennemis qui sont très, très durs. Euh, mais c'est pareil, c'est un peu... Euh, et la comparaison à Dark Souls pour, pour, les, pour la difficulté ouais. euh, en fait c'est vrai que ça va un petit peu dans ce sens là dans, dans... c'est pas euh, injuste c'est à dire qu'il faut vraiment avoir le timing il faut, euh, faut, faut dasher au bon moment euh, faut, faut prendre les bonnes armes etc donc euh, c'est voilà, difficile mais c'est tellement satisfaisant et en plus c'est tellement beau, c'est ultra bien optimisé ouais. euh, avec euh, quand j'ai fait le test j'avais donc un, un PC portable qui était pas fou euh, ça tournait euh, vraiment au poil euh, bon c'était en 1080 Bon là j'ai une machine un petit peu plus puissante euh, et euh, je peux faire tourner en gros euh, à plus de 200 Fps en 4k euh, euh, ça tourne vraiment enfin c'est magique et c'est franchement c'est super beau c'est super bien optimisé. Euh, les mecs ils font des mises à jour ils ont fait beaucoup de mises à jour au début euh, bah, justement pour essayer d'équilibrer etc. Là, maintenant, ils se concentrent vraiment sur le contenu qui va bientôt arriver. Euh, et, euh, et en fait, ils ont une vision aussi de l'accès anticipé qui est assez différente de la plupart des concurrents. C'est que pour eux, ils se sont dit, l'accès anticipé, en fait, il euh, faut que ce soit déjà parfait en termes d'expérience de, utilisateur et qu'on rajoute du contenu derrière. Euh, et contrairement, tu vois, par exemple, à Shadow of Dobs, il n'y a pas du tout de bug. Je n'ai mmh. jamais rencontré un seul bug, ouais, euh, même en visuel. C'est parfait. Dès le début, quoi. Et voilà. Donc c'est une vision, euh, et je, pour moi, euh, vraiment euh, idéale euh, de l'accès anticipé. Et, euh, et voilà. Franchement, moi, c'est vraiment le coup de cœur euh, anticipé euh, de, de, de l'année et, enfin, bon, et vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Ouais, j'ai pu le tester, euh, j'ai pu le tester bien après bien après Astian, hein, je, me suis, je me suis pris le jeu et, euh, et comme il disait au début, ouais, tu te fais euh, tu te fais défoncer. Euh... Après, c'est le principe du roguelite. En hein. début, tu es là, tu vas avec. T'habites et ton couteau, hein, si vous connaissez l'expression. Mais. Euh, et au fur et à mesure qu'on qu bute des mobs, on, on apprend à, à se déplacer super vite, à, à utiliser une, une, la, la même arme pour que justement, on puisse la, la monter. Et, euh, et c'est super jouissif. Et euh, les niveaux, même si on meurt, on, on enchaîne derrière. Euh, le personnage est assez rapide. C'est super vif. C'est. C'est plein de punch. Franchement, c'est super. Vraiment. Et puis, ouais, zéro bug. Pareil, j'ai joué aussi. Je vous dis, j'ai rencontré zéro bug. Il n'y a pas eu de. et Vous démarrez le jeu C'est des anciens devs de Penkiller Il y a rien de chiant, en fait. Je vous dis, il y a toujours un truc. Et ça s'enchaîne à une vitesse. Vous voulez lancez une partie, vous lancez la partie, vous êtes tout de suite dedans. Il n'y a aucun ralentissement. Franchement, c'est super propre. Ils ont fait un super boulot là pour l'accentifier. Très bien, Bon, vous le sentez venir, mais on va quand même vous parler du dernier nominé des meilleurs accès anticipés, c'est The Outlast Trials. Tu voulais rajouter un truc peut-être, Esther Merci beaucoup à Lapinou Dantan qui vient de nous raid avec. Oui, merci Lapinou Dantan. Le joueur qu'il avait de base sur le site. Merci d'avoir ça. fait plaisir, ouais. Elle l'a je pense. Adetloose oui, qui, 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 avait, qui avait été nommé dans les meilleurs FPS euh, l'année de sa sortie. Parce qu'on vous rappelle qu c'est euh, c'était trop bien. Ça s'est un peu perdu entre temps. Mais ça reste et quand même un FPS multi de qualité. Non, non, mais il y a eu quelques. Moi ouais, je te regarde ce ouais, quelques... Quelques... Il y a eu un changement de studio déjà. Et euh, quelques petits travers. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un excellent FPS multijoueur. Malgré quelques petits bugs euh, et quelques soucis toujours pas corrigés. Bref, dans la catégorie des meilleurs accès anticipés de 2023 pour nos frags, on termine ce petit tour dénominé avec The Outlast Trials, euh, dont tu as réalisé le test de euh, cette année en, en mai. Euh... Euh, voilà, t'avais plutôt kiffé aussi. Oui, ouais, ouais, j'avais. Bon après, j'aime ai... pas mal euh, les jeux d'horreur et cette saga j'avais vraiment euh, moins apprécié bah, y jouer. Euh... Voilà, perso, c'était vraiment un gros pari chez eux, puisqu'ils avaient fait les deux premiers opus euh, où c'était concentré uniquement sur un jeu solo. Et euh, donc avec une, une petite, un petit scénario et compagnie. Et là, ils sont vraiment partis. Euh, ils sont passés, on va dire, du coq à euh, Parce que là, on part vraiment sur un jeu multijoueur euh, où il euh, n'y a pas vraiment de scénario. Et on est des on, on sortes de cobayes. Et pour euh, faire des... On, on, on se sert de nous comme des expériences quoi. Euh, on joue sur euh, notre santé mentale et on va devoir à chaque fois euh, faire des petites missions euh, euh, dans des arènes. Et euh, donc c'est assez euh, assez dégueulasse, assez gore. Hein. Donc le principe à chaque fois c'est de faire nos objectifs et euh, bah, tout le temps on est poursuivi par des, des gros méchants tout moches et, euh, et euh, on reste vraiment dans le dans le outlast, hein, dans le dans le gore, dans le dégueulasse, dans le dans le gênant. Euh... Mais franchement, c'était un pari. Euh, pour moi, c'est un pari réussi. Parce que euh, on s'amuse bien. Euh, le coopératif marche bien. Il euh, y, y a toujours. Euh, je sais pas. Les, les, le level design est vraiment réussi. Il y, y, y a toujours euh, de, quoi, de quoi fouiller comme on voit. Il y, y a des choses à récupérer. Il y a, y a plein de trucs. Les ennemis sont bien foutus. et euh, ça fait peur aussi. Et, et ouais, franchement, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Hein. Le BPM, hein, comme je l'avais affiché là sur, sur le live. Euh, ça fait monter le, les battements aussi par minute là c'était pas mal mais ouais sympa là ils ont sorti récemment des, des nouvelles euh, des nouvelles missions euh, que j'ai pas encore testé faudra que je le teste d'ailleurs sur la chaîne faudrait que de faire de, 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 des petites vidéos mais ouais on a un accès anticipé qui est, qui est plutôt qui est plutôt réussi euh, aussi sur ce Outlast et ouais si bah, vous aimez les qualité, jeux d'horreur euh, je crois qu'il n'y avait pas de bug euh, ou qu'est-ce non, non non euh... franchement j'ai vraiment pas eu de non franchement je me souviens pas avoir pesté sur sur quoi que ce soit euh... Et techniquement réussi aussi, hein, vraiment euh, euh, bien optimisé, euh, pas, vraiment pas eu de problème. Euh, traduit entièrement en français et compagnie, euh, non, franchement très réussi. Donc euh, mm. ouais, je vous dis, si vous aimez les, les, les jeux d'horreur comme ça, et puis euh, euh, bah, allez-y, parce qu'on s'amuse clairement mieux là-dessus que sur, euh, que sur le, le, le jeu qui fait marcher tous les streamers en ce moment. Je ne sais même plus son nom d'ailleurs. Euh, Lethal Company euh, Lethal Company, ouais, voilà, je sais pas. Ouais, bah rien à voir. Voilà. Bon, les telles compagnies, le mec est tout seul. Bravo à lui, mais, euh, mais oui, je pense que ça serait plus euh, plus épanouissant sur le long terme, euh, The lost euh, Trials, euh, que qu'un vulgaire jeu de de streamer. Même si on fait un gros bisou à Squeezie, euh, s'il si nous regarde, puisqu'on sait qu'il a l'habitude de regarder nos frags de temps en temps. Bon, euh... est sur son cul d'ailleurs. Et euh, bref, euh, donc c'était le dernier euh, nominé dans la catégorie meilleur accès anticipé. Euh, bon, ben bah des jeux qu'on a tous les, tous les cinq euh, kiffés hein, de manière générale, donc difficile d'en choisir un, mais en vrai, et ben bah Witchfire, euh, ouais, voilà, il coche quand même beaucoup de cases, donc c'est lui qui gagne. Mmh. Euh, Witchfire, qu'on attendait quand même. Oh. Il a été annoncé il y a 2-3 ans. Et tout ce que nous disaient les développeurs dans, long, dans leur long euh, devlog, dans leurs longs articles, très, long. très très longs articles de développement, euh, nous faisait à chaque fois de plus en plus envie. Et ben, bah, et bah c'était c'est cool à tester une fois que ça sort en accès anticipé. Donc c'est plutôt bon signe. Il euh, y, a, y a une date de sortie de version finale, je sais plus. Ça. La version finale, euh, euh, oui. elle sortira. C'est pour cette année. Euh, un an, ouais. Normalement, c'est un an après la sortie. Donc je crois que c'est sorti en septembre. Et donc okay, ça ouais. sortira en version 1.0 en septembre 2024, ah. et sur toutes les plateformes, donc on va pouvoir voir le jeu sur Steam. Oui c'est ça, quoi, ça effectivement. Oui, c'est ça, euh... il y aura peut-être un peu de décalage, parce que là, il commence oh oui, okay, déjà à... Ouais. Epic Game Store, à, à décaler. Ouais, et il est exclusivement sur Epic games Store, effectivement. Mais il sortira okay. normalement sur Steam ensuite. Non mais de toute façon, il y a... C'est une raison justement pour vous mettre à l'Epic Game Store si jamais vous êtes encore. Vous faites partie de ces réfractaires qui, de manière euh, injustifiée, ne veulent pas installer euh, l'Epic Game Store. Bref, on passe à une autre catégorie de FPS. Après les meilleurs accès anticipés, on va parler des meilleurs FPS multijoueurs compétitifs. Euh, et comme tous les ans, il y en a eu un paquet qui sont sortis, qui ont essayé de, de tirer leurs épingles du jeu. Euh, on commence avec Battle Beat Remastered euh, dont tu vas nous parler euh, Stuka. Je ne sais pas si c'est encore beaucoup joué Battle Beat euh, Remastered, mais c'est vrai que ça a été un carton quand c'est sorti. Toujours pratiquement autant que Battlefield 2042, pratiquement <laughs> autant. Euh, qui, qui, qui a dû faire un week-end gratuit et avec une promotion à 8 balles pour mmh. remonter euh, son nombre de joueurs. Voilà comment ils ont fait. <laughs> Et Battle Beat Remastered, bah c euh, enfin, le concept c'est très simple, c'est un battlefield avec euh, de la destruction, donc un peu de Company 2. Euh, donc les graphismes low poly, etc., il faut accrocher. Moi c'est vrai qu'au début ça m'avait un peu rebuté, et puis euh, bon, quand j'ai vu toute la hype autour du jeu, je me suis dit que j'allais essayer quand même. Et en jeu ça fonctionne très très bien parce que euh, bah, du coup on tourne à 240 fps, donc c'est hyper fluide. Euh, et les hitbox sont généreuses sans trop que ce soit abusé. Euh, on on s'amuse bien à enchaîner les headshots. Euh, on a foison de ces quatre pour se créer des ouvertures dans les murs quand on en a besoin. Enfin, c'est euh, c'est extrêmement euh, sympathique comme jeu. Zobar, euh, on nous dit ça a bien chuté. Mais le problème c'est que quand quand ça a démarré, le nombre de joueurs était absolument monstrueux. Ouais, oui, forcé, forcément sur un jeu comme ça, parce que c'est quand même assez répétitif, c'est-à-dire que euh, les, les maps, il euh, y en a qui sont plus ou moins réussies, mais l'ensemble, le, c'est toujours euh, d'aller sur un point et de se mettre sur la gueule avec les, avec les autres joueurs. Euh, même si je trouve que ce qui est sympa, c'est que le, le, par exemple de jouer véhicule, euh, fantassin, euh, contact ou alors euh, sniper, ça, ça donne des gameplays qui sont quand même assez, assez différents, donc on peut varier un peu les plaisirs de ce côté-là. Euh, moi, ce qui m'avait plus dérangé avec le jeu, c'est le côté euh, grind pour débloquer euh, les armes et les, euh, les accessoires sur les armes. Et ça, c'était un peu pénible. Euh, je crois qu'ils avaient parlé de le rééquilibrer, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas relancé le jeu. Euh, voilà. Mais sinon, enfin, euh, ils, ont, ils ont clairement réussi leur coup. Ouais. Ok, merci Stuka, pour ce petit ré récap, pardon. Euh, bon, comment ne pas parler de Counter Strike 2 quand on parle des meilleurs FPS euh, compétitifs, on ne dit pas que c'est lui qui, qui va gagner, mais euh, Counter Strike, enfin euh, CS:GO, était euh, le FPS euh, le plus joué, le FPS multijoueur le plus joué sur Steam euh, en battant tous les records dix euh, ans après sa sortie. Euh, et euh, personnellement, j'avoue un peu sorti de nulle part. Euh, dans le cours de l'année, Valve annonce qu'ils qu vont sortir euh, Counter-Strike 2, qui est donc sorti en, en milieu d'année là, euh, donc toujours gratuit et euh, qui est euh, une refonte graphique, mais pas seulement. Bon, C'est pas pas, euh, pas un nouveau Counter-Strike, nouveau Counter-Strike, euh, Matt euh, C'est pas non plus un nouveau FPS qui va qui va tout tout rechamboulé quoi non mais c'est un fps qui va euh... c'est un fps qui va redonner euh, l'envie et, euh... et euh, de, de redécouvrir ce, 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 ce super jeu je pense moi ouais, qui euh... modernise peut-être plus la formule que... oui oui ils ont modernisé après moi en tout cas vont en dire plus, beaucoup plus que moi juste après mais euh, ils ont fait des refondes graphiques et euh, ils ont retravaillé le système de, de... De, de connexion et surtout le, au niveau des smokes des molotov smoke, euh, molotovs euh, tout, tout ce système défensif et offensif euh, ils ont vraiment bien reformulé les choses et euh, je pense que c'est vraiment réussi euh, bah, je vais laisser la parole à Chouka parce que c'est un c'est un CS2 PGM donc euh, <laughs> il connaît il connaît plus, plus que moi mais c'est vrai que là bah là, récemment je, je je rejoue à CS2 avec avec lui et puis euh, et puis Estia et euh, bah ouais j'y prends goût parce que c'est vrai que ça fait euh, c'est toujours jouissif hein, ce, ce jeu de mettre des têtes c'est vraiment c'est vraiment est-ce que tout cas quand tu lances une grenade tu fais un décompte dans ta tête pour savoir euh, quand est-ce qu'elle va exploser il n'y a pas besoin c'est intuitif un ah c'est intuitif oui, oui. non mais c'était <laughs> la question piège évidemment non non mais après effectivement c'est pas un nouveau Counter Strike c'est CS:GO en plus joli euh, et avec des petits changements de gameplay, je pense que c'est très justifié. C'est un jeu qui marche très bien, qui est extrêmement bien équilibré. Et bah, pour, enfin, pour moi, c'est le meilleur jeu e-sport qui, qui existe. Et euh, là, les, tout ce qu'ils ont fait, c'est apporter des petites modifications pour euh, donner plus d'options, notamment, bah, l'a dit tout à l'heure, les smokes qu'on peut maintenant faire sauter avec des HE. Ça a l'air de rien comme ça, mais dans un jeu aussi bien huilé que, que, que CS, où. Toute la méta était assez figée. Euh, ça, ça donne des nouvelles possibilités de gameplay, surtout pour le genre équipe, qui sont bienvenus. Euh, et euh, moi j'avais un peu lâché justement suivre les tournois e-sport sur le jeu. Et depuis que c'est sorti, je me suis remis complètement dedans à suivre les équipes et à regarder les matchs. Euh, et ça change pas mal de choses. Euh, voilà. Bah, sinon, c'est Counter-Strike. Hein. Si, si vous aimez Counter-Strike, vous aimerez Counter-Strike 2. Parce euh, ouais, c'est vrai qu'après aussi, par rapport au... Au changement de moteur, du coup, euh, donc ils sont passés sur euh, le source 2. Euh, on, on se disait, enfin, ce qu'ils disaient, c'était que ça va leur permettre, sur le plus long terme, de mettre à jour euh, le jeu plus facilement que s'ils étaient restés sur euh, le source engine de CS. Ah, ça, c'est ce qu'ils ont dit. On l'a pas encore vu. Ouais, <laughs> ouais mais bon, si ça, paraît, ça paraît assez logique qu'un moteur euh, beaucoup plus récent euh, leur permet ouais, de, de mettre à jour le jeu plus, plus longtemps, quoi. Oui, oui, effectivement. Mais après, ce qui, est, ce qui a été regretté à la sortie, qui a été un peu rushé, parce que quand ils ont fait leur annonce, ils ont dit que ça sortirait cet été, et donc ils ont sorti ça euh, le plus vite possible en septembre, pour, euh, en jouant un peu ouais. sur les dates pour en dire que c'était encore l'été. Hein, C'est voilà. encore l'été. Voilà. Ouais. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont déploré l'absence de tout un tas de choses, que... enfin, notamment les, no les modes de jeu plus casus. Ouais. Euh, donc il n'y a pas le arms race il n'y a pas euh, des modes euh, qui étaient sympas comme le mode retake euh, pour s'entraîner sur la prise de BP il n'y a pas euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mode de jeu casual, je ne sais plus mais là l'expérience est vraiment centrée sur le matchmaking compétitif euh, et ils sont vraiment allés à l'essentiel là-dessus euh, pareil au départ il n'y avait pas les serveurs dédiés euh, et donc il y a tout un tas de choses sur les serveurs dédiés euh, qui sont un peu en marge de CS, comme le, les serveurs qui font le, sur, le surf, euh, <laughs> le jailbreak, euh, ce genre de trucs. Moi, je ne joue pas à ça, mais après, le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont ils ont viré euh, CSGO des catalogues Steam. Euh, et en fait, on pouvait quand même y jouer en, en faisant un rollback hein, sur CS2. Euh, mais. Euh, de prime abord tout le monde s'est dit mince on peut plus jouer à ce qu'on aimait en fait on peut plus jouer au pool on peut plus oh là là non voilà. horrible mais après c'est un peu dommage d'avoir fait ça comme ça et euh, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est sorti et ils ont toujours, ils ont toujours pas rajouté ces... ces choses là bon euh, les serveurs dédiés si maintenant on y a droit euh, donc euh, si vous voulez refaire du deathmatch avec des gens très très énervés euh, bah, ça y est il y a des nouveaux serveurs deathmatch avec, ouais, ouais, ouais. <laughs> avec les pros de CS2 qui jouent dessus et euh, si vous aimez prendre des têtes à, à la volée, allez-y. Euh, mais donc ils ont, ils ont dit ça que ça permettrait de faire des mises à jour plus à un rythme plus soutenu. Pour l'instant, donc c'est Valve, Valve Time. Donc ouais. euh, ouais. c'est pas encore vérifié. Bah, pas facile quand tu développes aussi euh, Left 4 Dead 3, Half-Life 3 et Portal 3. Ah c'est ça. ça ils ont plus beaucoup, beaucoup de monde. Reste aussi trois. Et après 2 Fortress 3, et... ouais, il faut compter les jeu. sous uh, sur Steam aussi. Il faut beaucoup de monde pour faire ça. Et euh, ah oui. donc euh, pour la blague ouais vous dites Team Fortress 2, mais en vrai ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais Team Fortress pourrait carrément, euh... on pourrait carrément imaginer que Team Fortress 2 soit un des... des prochains sur la liste à à recevoir une mise à jour euh... parce que euh... sur source 2 ouais parce que euh, faut, faut que je vérifie là mais euh, il me semble qu'il est toujours dans le top 12 euh, des, des FPS les plus joués euh, Team Fortress 2. Donc ce serait pas déconnant que enfin euh, des FPS euh, multijoueurs pas des jeux les plus joués sur Steam mais des FPS multijoueurs les plus joués sur Steam, ça serait pas déconnant que Valve se dise euh, bon bah après CS bon bah, qui est loin devant, donc c'est normal que ça ait été le premier à être euh, c'est le à... 11e ah. jeu le plus joué sur Steam. Voilà, donc joué. C'est quand même euh, tout à son honneur, uh, Team Fortress, auquel j'ai beaucoup si joué, que j'ai bon, un peu lâché bon. aujourd'hui, mais 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 un, un petit un petit remake uh, remaster de Team Fortress 2, uh, pourquoi pas, à voir. Hein. Si ça ouais. pouvait permettre de virer tous les cheaters uh, et tous ceux qui ferment des chapeaux sur uh, sur Team Fortress, uh, ça pourrait être uh, une bonne chose. Ça euh... parle des cheaters de Counter Strike. Hein. Ouais, ok. <laughs> Toi, bon. On va te le dire tout de suite. Merde. Bon, ben, au moins les chapeaux. Maintenant, il y aura toujours les mecs qui veulent des chapeaux sur Team Fortress. C'est trop tard aussi, ça. <laughs> euh, un, un jeu un petit peu à l'esthétique Team Fortress, tiens, qui me sert de transition et qu'on a vite fait apprécié avec Estiorne. Euh, on avait fait quelques parties. Je crois même que ouais. maintenant, tu avais fait des parties avec nous. Non, je n'ai pas pu. Euh, vous avez fait des live Twitch euh, dessus. Euh, C'est Friends vs Friends. Euh, bon, alors... Est-ce que c'était juste par, euh, par principe qu'on l'a nommé dans cette catégorie Parce on comparait à, à Counter-Strike 2 ou Battle Beat Master, ouais. c'est quand même pas tout à fait le même... Euh, le même le même ouais. niveau, quoi. Ouais, la même ambition, ouais. ouais. Bah, ouais mais bah parce que c'est quand même un multijoueur euh, compétitif. Euh, sauf que c'est du 1v1 ou du 2v2, euh, sur des cartes assez petites, euh, avec beaucoup d'aléatoires, parce qu'en fait, en gros, tu vas... Euh, construire un deck de cartes et euh, en gros, bah, tu as des cartes euh, piochées au hasard au début de la partie euh, qui vont te donner des bonus ou des malus à envoyer aux autres. Donc, par exemple, euh, on va pouvoir augmenter la, tête, la taille de la tête de l'ennemi ou alors réduire euh, notre taille de tête, euh, avoir un ralenti ou des choses comme ça ou, ou, ou tout simplement une autre arme parce que par défaut, je crois que tu, tu euh, t as, t as juste un flingue et euh, tu, tu vas avoir avec une des armes, armes. Euh, aléatoires. Ouais, c'est ça, donc en gros, c'est aléatoire pour avoir des nouvelles armes et euh, c'est donc des parties qui sont extrêmement courtes et, euh, et on, on s'amuse bien, on s'amuse bien, c'est vraiment assez, assez rigolo, mais effectivement, c'est pas, pas sérieux, quoi. Mais c'est, euh... mais du coup, euh, du coup, on, fait, on passe des bonnes soirées après, ouais, c'est euh, un peu le, fait... le party games, un peu quoi, ouais, à lancer ouais. entre potes, ouais, c'est ça, ouais. Euh... Et bon, par contre, il y a toute une notion de, bah, de grind un petit peu pour euh, débloquer des nouvelles cartes, pour euh, monter en niveau, pour, pour euh, construire un meilleur deck, etc. Donc il euh, y a cet aspect-là On n'a pas eu le temps vraiment d'explorer euh, beaucoup, parce qu'on a fait quelques soirées, mais on n'a pas non plus euh, passé des heures et des heures dessus. Euh, voilà, après, je n'ai pas trop suivi, je ne sais pas si ça a très bien marché ou pas. Euh, mais euh, c'est euh, de bonne qualité et, euh, et très fun. Bah, C'est clairement pas le jeu qui a révolutionné le, le truc et qui a fait la, qui a fait la hype, mais euh, en vrai j'ai trouvé que c'était plutôt bien conçu, qu'on rigolait bien dessus. Euh, le truc des cartes, ça renouvelle renouvelé le gameplay, parce que final tu sais jamais sur quoi tu vas tomber comme carte. Euh, donc euh, tu refais jamais la même partie. Après, c'est la taille des maps un peu, un peu petite et puis le nombre de cartes au total à jouer. Oui, de pas mémoire, il y avait quoi Genre 3, 4, 5 cartes quand max. 5 cartes, ouais. Donc ouais. c'est vrai que tu, tu tournes quand même vite en rond. Quoi. Tu, vas, tu vas lancer le jeu 2-3 soirées, mais tu ne vas pas beaucoup plus forcer. Euh, et là, du coup, je regarde les stats. On est sur une moyenne de 300 joueurs euh, quotidiens. Bon, c'est pas, c'est pas foufou, c'est pas complètement ridicule, mais c'est pas, euh, c'est pas foufou. Je, ça ne m'étonne pas non plus euh, pour un jeu qui apparemment voilà, je le. Ça... Le problème avec le jeu aussi, c'est que justement, comme il n'y a pas tant de joueurs que ça, il y a ouais, ceux qui jouent parties, depuis le début être... ah et surtout, et okay, ouais. voilà. Et ouais. Donc, tu, tu re... si tu commences le jeu maintenant, tu te retrouves avec des mecs qui ont déjà tout débloqué et qui t'éclatent la gueule. Parce que ils ont, ouais. ils ont toutes les cartes sympas sur le jeu. Ah ouais, ouais ils ont débloqué toutes les cartes ouais. Bah s'il n'y a pas de système de lobby, c'est vrai que ça peut faire. Enfin, je pense qu'il y a un matchmaking, mais sauf qu'il n'y a pas assez de monde. Ouais ouais. ouais. Oui. Tu et Après, c'est ce genre typiquement, euh, typiquement le genre de jeu euh, que tu peux faire entre potes. Euh, euh, tu vois, vous êtes quatre, bah, vous passez la soirée ou plusieurs soirées ouais. dessus et vous amusez bien. Avec des en fait, il ne faut, pas dire, le, il faut ou... pas dire le gros mot, mais euh, ça fait beaucoup penser aux au, au coach, euh, coach Potatoes, enfin, tu sais, les jeux que tu lances sur ton canapé avec tes ouais, potes en coop. Alors là, il ne faut, faut évidemment pas y jouer avec une manette, mais, euh, mais comme dit Estia, voilà, si, des, des, des potes, euh, voilà, si tu as des potes, tu ne veux pas jouer un truc trop cérébral, trop complexe, tu as trois potes avec toi qui sont chauds, tu fais du 2v2 et c'est en vrai, ça rappelle un peu le côté GoldenEye ou comme ça, genre euh, multijoueur un peu. Mais un peu cheaté parce que tu as ces cartes, oui, évidemment, bien. Euh, tu as ces cartes qui, qui, qui rebalancent un peu l'équilibrage le, le, du jeu et qui font que du coup, c'est quand, quand même assez rigolo. Bon, bref, ça casse pas trop ta canard, mais c'était au moins, ils ont, ils ont tenté quelque chose de, de nouveau et, et c'est ouais. tout à leur odeur. Euh, dernier jeu nominé euh, dans la catégorie des meilleurs FPS multijoueurs compétitifs. C'est The Finals, euh, dont on vous a déjà beaucoup parlé, euh, développé par des anciens de DICE, donc de Battlefield, qui euh, reprend à sa sauce euh, le, on va dire, le extra extraction shooter, pour résumer très rapidement, puisque le concept, c'est euh, des équipes de trois joueurs, donc trois ou quatre équipes de trois joueurs, en fonction des modes de jeu, qui doivent... Euh, Comment dire s'approprier des coffres qui sont disséminés de manière aléatoire sur des cartes qui sont euh, quasi entièrement destructibles. Euh, donc vous vous, vous vous activez un coffre et euh, tout, euh, tout, toutes les autres équipes voient que vous activez ce coffre là et donc voient votre emplacement sur la map et ensuite euh, vous devez soit défendre le coffre le temps qu'il soit activé et le temps ensuite d'aller l'extraire dans un autre point. Euh, soit vous vous êtes une autre équipe et vous vous dites bah non allez go on va aller attaquer ceux qui sont en train d'essayer de s'approprier de ce coffre. Vous voyez un peu le, le délire quoi de, de situations qui changent constamment euh, euh, au gré des parties quoi parce que ici a jamais rien qui se passe comme prévu. Euh, c'est assez nerveux, euh, c'est euh, un gunfield assez cool. Il y a euh, pas mal de petits éléments. Euh, euh, donc, on parlait de la destruction, mais aussi des grenades qui permettent euh, des grenades de fumée, de, de, de mousse, qui permettent de bloquer des accès ou de se créer des accès, etc. Il euh, y a différentes classes de personnages. Enfin, il y a trois classes de personnages différentes le léger, le moyen et le heavy, qui ont leurs aptitudes. Donc, euh, qui peuvent soigner, qui ont des armes plus lourdes, etc., qui ont plus de, plus de points de vie aussi. Et qui sont plus ou moins rapides. Euh, bref, euh, pas mal d'ingrédients qui font que, euh, perso, ça a été un peu la petite découverte de la fin d'année 2023. J'ai trouvé ça très, très cool à jouer, euh, notamment avec euh, Stuka et, euh, et Estia. Euh, alors, et Stuka a joué plus que moi, puisque tu as, tu as écrit le test euh, aussi. Et tu quand même quelques. Hum, Quelques points négatifs à, à soulever euh, au final euh, après avoir passé plusieurs heures de, sur le jeu ouais, Pour moi, c'est un peu euh, comme, comme, comme tous ces jeux multi, ça, devient, ça peut devenir assez répétitif assez vite. Euh, je ne sais, je sais pas fondamentalement ce qui pourrait changer parce que le, le concept en soi est très cool euh, et le côté jeu télévisé etc. Je trouve que ça, ça, ça marche bien en fait c'est plutôt sympa. Euh, les déplacements sont très agréables, le gameplay est plutôt cool même si le TTK est un peu long pour euh, mm -hmm. enfin à mon goût. Mais en fait dans, ça va avec le genre de jeu. Si ils avaient fait un TTK plus court, tu aurais passé ton temps à mourir par un mec caché dans un. <laughs> Dans Une fenêtre qui, qui snipe tout ce qui passe. Euh, et la, la plus grosse réserve que j'avais avec, avec The Final, c'est que au final, toutes les parties se ressemblent assez vite. Une fois ouais, que les gens ont s'installe assez vite. Euh... Ouais, moi, moi quand j'ai joué avant de faire le test, tu, tu voyez de plus en plus, et moi je joue avec ça d'ailleurs, hein, le moyen avec la, le pouvoir qui te donne un Wallach et, et le F4, donc le truc qui ressemble à un Scar. Euh, parce que bah, c'est un excellent DPS, euh, que c'est assez stable. Et le Wallack voilà, parce que bah, dans les jeux multijoueurs, l'information, c'est juste clé. Euh, et, et tu re rencontrais énormément de gens qui jouaient avec ça. Et d'ailleurs, tu as des équipes où tu as trois mecs qui jouaient avec ça. <laughs> voilà. Et qui éclataient tout le monde comme ça. Euh, et, et après, tout le côté destruction, c'est très cool, mais il y, y a énormément de situations où tu as où en fait tout est pété complètement autour de toi et ouais, c'est le, le bordel. Et en fait, ça peut profiter tout autant au mec qui casse tout qu'au mec qui, qui a qui a rien cassé qui était juste à l'extérieur, parce que euh, tu ne maîtrises plus rien. Euh, voilà. Après, ça, mais... je pense que ça fait partie des idées qu'ils avaient. Euh... Je ne ouais, sais quoi. pas. Alors, euh... je... Ouais, mais je sais pas, parce qu'ils ils, ils essayent de faire un truc avec... Le, je trouve que l'idée de faire des, des tournois aussi, euh, où tu, sais, tu montes euh, ouais. le, une étape après l'autre en mode ranked, c'est très très cool. Euh, mais justement, ce côté hyper chaotique, ça nuit un peu à ça, parce que ça, ça, un peu, ça devient un peu e-sport, un peu tournoi, où vraiment le, la meilleure équipe gagne. Mais en fait, avec l'aléatoire de, de la destructivité des environnements, ça, ça tue un peu le concept, je trouve, dans une certaine mesure. Et par exemple, on a fait une partie où on était franchement pas très très bon, mais par contre, on a piqué euh, le, le le coffre. On, le coffre. On a, ouais. à, vrai, à, à la dernière minute, ouais. de quoi. Ce qui fait que bah on a gagné. Mais alors, en vrai, toute la partie, on n'a pas été très bon quoi. Mais moi, ça, je trouve que c'est ce qui rend le jeu encore intéressant, plus, plus, qui casse justement ce côté euh, méta euh, hyper prépondérante et qui fait que en oh, gros. Pardon. Oui si t'as capté la méta tu roules, tu roules sur le jeu et t'as plus aucune surprise oui, bien sûr. il reste encore ce truc là je trouve où tu peux au final un peu casser euh, euh, le, le, le déroulement du jeu et, euh... comme ça l'a fait dans cette partie dont tu parles là on n'était vraiment pas très très bon et, et au dernier moment je sais plus trop ce qui se passe le coffre qui passe à travers tous les étages qui nous tombe dessus on, on le récupère euh, les autres ils sont en train de s'écharper et au final on gagne le point quoi et, euh, et ça c'est ça c'est quand même hyper grisant quoi de, de se dire que tu as retourné un peu le, 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 le cours de l'histoire quoi donc après avoir euh, parce qu'il y a très peu de cartes pour l'instant il, il y a quatre cartes je crois ouais. mais euh, ça c'est elles sont elles sont pas assez différentes je trouve pour renouveler vraiment le, le gameplay quoi et euh, c'est vrai que même en dehors de la méta, es, c'est vite à répétitif, quoi. Même en dehors de ce que tu soulèves, je trouve ce côté où il y a une méta qui fonctionne vraiment particulièrement bien, même quand tu tombes pas sur ce genre de parties qui, 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 qui sont presque écrites d'avance, je trouve que c'est très cool, c'est très dynamique, mais j'ai très envie d'avoir envie de jouer à ce jeu-là pendant des heures et des heures pendant toute l'année, mais pour l'instant, je pense pas que ça sera le cas, quoi parce qu'il manque, euh, manque peut-être plus de variété, euh, alors qu'ils ont prévu tout un, tout un catalogue de cosmétiques et de danse et de, et de trucs inutiles, hein, ça, vous inquiétez pas, mais j'aurais préféré qu'il y ait plus de... Alors, sans le côté grind, évidemment, euh, puisqu'on déteste ça, mais qu'il y ait, je sais pas, plus de, de diversité dans le type d'armes, dans, euh, dans euh, je sais pas où, dans les maps, quoi, qu'il y ait des maps qui soient plus comme ci, plus comme ça, plus verticales, moins verticales, etc., pour l'instant, c'est vrai que c'est un concept qui est hyper novateur et qui fonctionne plutôt bien. Euh, si on enlève les cheaters, qui bon, moi j'en ai pas rencontré énormément, mais apparemment ça pollue quand même énormément de parties euh, de pas mal de gens. Euh, mais même en dehors de ça, voilà, le gameplay est au final euh, pas encore si complexe que ça, quoi. Et je pense qu'ils peuvent encore creuser, ils peuvent rajouter, ils ont encore moyen de, de... de rendre le jeu plus complexe et, plus... et du coup plus intéressant sur le. Sur le long terme, euh, bah, c'est moi parce que c'est tout ce que je, je leur souhaite. avoir un, un, un FPS comme ça qui, qui qui apporte du frais comme ça, c'est ouais, quand même cool. Donc euh, c'est ah, gratuit. C'est ouais. C'est que ça se joue euh, à 3. Mais euh, en gros, faut pas trop espérer euh, s'amuser si tu vas tout seul avec des, euh, des pick-up. Euh... Ouais vain euh, avec ouais, euh, des ouais, gens ouais, au ouais des, des gens que Vaut tu mieux connais pas, être ouais. avec deux deux copains et se coordonner quoi. ouais ça change pas mal ça change quand même pas mal la donne ouais. parce que c'est vrai que c'est des parties qui sont assez courtes genre une quinzaine de minutes et euh... et comme disait Stuka enfin le placement des adversaires est évidemment hyper enfin euh... le, le la connaissance de la position des adversaires est hyper importante donc quand tu es en vocal avec des gens que tu connais pas même s'il y a un système de ping à la Apex c'est quand même vachement moins précis que de dire à ton pote euh, t'as deux gars derrière toi, t'as toute une team derrière toi, euh, à ta droite, il derrière monte à 100 escalier, mètres, ouais. machin, ils montent ouais. l'escalier, etc. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment, bon bah comme beaucoup de jeux multijoueurs de toute façon, euh, surtout à recommander avec des potes, même si ça fonctionne aussi avec des, 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 des gens que vous connaissez pas, mais Bref. The Final, ce qu'on a kiffé, comme euh, bah, les, quatre jeux, les trois autres jeux dont, dont on vous a parlé dans la catégorie meilleur FPS, multijoueur compétitif. Euh, bon, bah, là aussi, un peu comme la partie euh, meilleur accès anticipé, pas trop de surprises. Euh, Est-ce que j'ouvre euh, l'enveloppe Non, je sais ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe. Euh, il y a écrit Counter-Strike 2, parce qu'on est obligé. Oui. Sinon, on ne reçoit plus le chèque. Euh, Signé par Gabe en personne. Euh, non, mais voilà, quoi de mieux que le meilleur FPS multijoueur, euh, que que, mieux que la suite du meilleur FPS multijoueur, euh, comme meilleur FPS multijoueur compétitif de 2023, euh, Counter-Strike 2. Euh, même si on souhaite aussi euh, le meilleur pour Battle Beat Remastered et, et The Final, c'est Friends versus Friends. Bon ben voilà Counter Strike, des maps qu'on connaît déjà mais qui sont trop bien, équilibrées, qui sont, qui ont été un petit peu modifiées d'ailleurs. Hein. Euh, je crois que ça a un petit peu gelé ouais. au début euh, sur euh, sur celle qu'on est en train de voir là. C'est euh, c'est Newk, non c'est ça. Ouais. Oui, Quelques Nuke. trucs qui ont changé ou sur sur Mirage etc. Évidemment, ouin ouin. là là, c'est nul, on a changé des trucs. Mais, euh, mais voilà, ben, c'était le, le meilleur FPS, le plus joué, euh, multijoueur le plus joué. Et ben, euh, je pense que Counter-Strike Counter 2 est parti sur une belle lancée pour faire la même. Et euh, des bisous à, à Valve, euh, si vous pouviez aussi faire des épisodes 3, ça nous serait, euh, ça serait super super cool. Merci beaucoup. Euh, bon, là on a fait deux séquences euh, assez cool. On va partir revenir vers les séquences beaucoup moins cool et, 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 et un peu tristes. Euh, on parlait de suites aux meilleurs FPS. Ben là, on va parler des pires suites dans la prochaine catégorie. Et on va commencer avec euh, Call of Duty Modern Warfare 3. Et oui. celui qui me donne le numéro, enfin le, le combien de Call of Duty c'est pour nos frags. Enfin, le... C'est-à-dire euh, qu'on oublie les épisodes console, qu'on ne parle que des épisodes sortis sur euh, PC, il gagne euh, un mug nofrag dans le chat. Voilà. Euh... Donc euh, Call of Duty, bah, il en faut un tous les ans. Donc euh... oh, c'est pas le 25. C'est pas le 25 perdu euh, Belzaran. Je sais pas le combien de c'est, mais t'as l'air atteint je vais vérifier, vérifier je vais je le savoir tout de suite bon bref Call of Duty il en le fallait le un il nous avait dit qu'il n'y en aurait pas un et bien en fait il y en a il eu un c'était même euh... <rire> <rire> en Balzaran tu es éliminé tu n'auras pas de mug no frag même si apparemment tu avais très très envie euh Putain, le ban, on ne peut pas quoi euh... mmh. bah, il n'est pas Zobar, bon car, par ouais. hasard euh... <laughs> si 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 Exobar <laughs> a trouvé mais Pfff. Vous êtes, euh, vous, êtes, vous êtes trop fort. Donc, oui, c'est le 20 e Call of Duty. Bref, euh, Call of Duty, il en fallait un. Euh, et ça tombait peut-être plutôt bien pour Nofrex cette année, puisque c'était le remake, enfin le remaster, le je sais pas trop quoi, du Call of que Estia avait aimé il y a, il y a 15 ans. Donc, ça tombait oui. trop bien, Estia. 2009. Hein. Exactement. Euh, donc là, c'est la version. Ah là là, là, 2009, tu étais tout jeune. Exactement. Ouais. Tu pas de barbe. Pas de, euh, de j'avais de la barbe déjà mais ah, par contre okay. j'avais plus de cheveux ouais. <laughs> euh, donc euh, qu'est ce que c'est euh, que euh, vous savez tout ce que c'est euh, bah, voilà mais globalement c'est un, un call off mais euh, qu'est ce qu'il a de différent si c'est retour aussi des, des mouvements qui manquaient dans le précédent épisode de tout le monde avait gueulé parce que c'était nul il n'y avait plus les mouvements Machin. Là, il y a de nouveau les mouvements euh, cancel euh, slide, je sais pas quoi, euh, cancel reload et tout. Il euh, y a un TTK un peu plus long que le précédent. Euh, et euh, puis voilà, mais moi je préférais de toute façon jouer en Raptor où il y a un TTK hyper court parce que ça favorise les gens sur PC comme moi, les PC Master Race, euh, <laughs> au détriment des joueurs consoles qui doivent aligner leurs petits réticules sur la tête des gens, même avec Time Assist. et c'est plus long. Euh, alors que quand tu as un TTK très long, ben en il fait, faut maintenir ta souris sur le mec qui bouge, tandis que les mecs à la manette, eux, ils ont rien à faire. Hein. La manette est fait tout à... enfin, le... la console est fait tout à leur place. Donc, euh, donc voilà, moi, moi j'ai préféré le mode hardcore. Et euh, alors, il est dans les persuites, mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que euh, les cartes euh, multijoueurs, c'est des remakes, des remasters des, des, des cartes de l'époque de 2009. Qui étaient plutôt pas mal, hein, euh, qui sont considérés, je crois, comme dans les meilleurs euh, de, de la série. Et, euh, et donc, du coup, moi, je me suis bien amusé. Et, et voilà. Mais par contre, euh, bah, la partie solo, bah, c'est de la grosse fiasse. Euh, les modes de jeu, bah, ils existaient déjà dans les précédents. Donc, il n'y a rien vraiment d'inventé. Euh, et puis voilà. quoi. Donc, euh, Globalement, c'est la même chose que les précédents. Si vous n'avez jamais. Si ça fait dix ans que vous n'avez pas fait de. de... De Call of, c'est peut-être l'occasion, mais sinon, bah ça n'a pas intérêt. Vous avez fait le précédent, c'est quasiment la même chose que celui-là. Voilà. Ok, rien à voir. Matmouette, tu vas nous parler. Je change un peu l'ordre du conducteur. Tu vas nous parler de The Walking Dead, Saint and Chapter 2. Alors que le premier chapitre était excellent est-ce que c'était Ruta qui, qui avait testé ça de mémoire euh, on se disait que la suite allait être cool mais alors en fait peut-être pas en fait peut-être pas ouais. on, a vu, euh, on avait sorti euh, une news euh, bah déjà de la, la sortie de, de, de ce deuxième épisode euh, et euh, on a vu les avis à Steam euh, et ça n'a fait que dégringoler en fait euh, problème d'optimisation, problème de ceci problème de cela euh, pas eu grand chose en nouveauté il euh, y a eu toute une commu derrière qui s'est mis à, à gueuler en fait, à, à dire que c'était quand même honteux euh, de, de proposer une suite pareille. Donc, euh, ça m'a refroidi, j'avais pas envie de le faire du coup. Et euh, bah, je l'ai pas fait d'ailleurs. Et euh, non, bah, après, que dire de plus euh, pff, Ouais, euh, dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que le vin est, est vraiment bien. Et vraiment, c'est cool. On peut faire pas mal de choses. Euh, donc, c'est de la VR, hein, je précise, mais. Euh, mais euh, ouais, un, un épisode 2 qui, 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 a déçu, qui a déçu beaucoup de monde et, euh, et euh, du coup, on n'a pas les on a pas voulu euh, ni, euh, ni tenter le, le test ici à la rédac. Ouais. ouais, et puis les, les devs ont l'air de, de s'en foutre un on peu du Ouais, les, ouais les, les bugs sont pas corrigés tout ça, donc euh, c'est vraiment étonnant. Ouais. Euh, ok, un autre jeu dont les devs s'en battent un peu les couilles, euh, tant que ça fait de l'argent, c'est euh, une suite de suite qu'on ouais. qu n'attendait pas, mais qui est quand même sortie. Euh, donc, pour le plus grand, euh, notre plus grand bonheur, c'est euh, Payday 3. Euh, bon, euh, voilà. <laughs> que... Je crois on a tout ouais. dit quand on, on a dit bon, Payday on a 3. Tout dit. Euh, là, on va mettre du gameplay. Euh... Ouais, ça c'est le max, c'est le Alors, climax voilà. du gameplay. Ça c'est le max du gameplay. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui n'avaient pas suivi, euh, Day One, on a sorti, euh, on a fait un live sur la sortie du jeu. On a voulu euh, vous le montrer. Et euh, honnêtement, regardez, la vidéo dure 51 minutes. Et pendant 51 <laughs> minutes, on est dans le menu et on n'arrive pas à rejoindre une partie. Et, pendant, voilà, et, je, je... et du coup, bah, c'était nul à chier parce que c'était impossible de rejoindre les serveurs, tout était cassé. Euh, ils ont eu un lancement euh, abominable, euh, catastrophique, comparé, euh, catastrophique ouais. euh, comparé, euh, comparé à PD2. En plus, il euh, y avait 3 ou 4 fois moins de personnes en plus euh, sur, à la sortie du jeu. Et euh, on ne va pas parler après du, du jeu qui est, qui est une, une vaste blague en termes d'IA, en termes de, de, de tout, en fait. C'est du gros, gros, gros foutage de gueule, vraiment. Et tout en ça... C'est la même chose que le précédent, sauf que... Bah... Ouais, l'IA moins bien quand même. Et sinon, bah, c'est un peu plus beau, mais euh, voilà, c'est tout. Il y, y a beaucoup plus. On, on peut plus. Euh, on, peut, on peut plus facilement faire le, le, le jeu en, en infiltration. Oui, alors en... ah, Oui, parce que en, les solo, IA on en solo. On en même solo, tout à fait. Euh, à partir du moment où les IA sont vraiment, mais vraiment tubés euh, vous allez passer devant eux et vous allez disparaître tout de suite après. Ils vont dire Ah bah non, tiens, c'est bon, euh, il a disparu dans mon champ de vision, je n'alerte je personne. Euh, c'est des trucs. Euh, il n'y a rien de logique en fait, est, il est vraiment euh, nul vraiment c'était l'un le, ouais. le, des pires jeux aussi qu'on a fait cette année euh, PD3 là et ouais. bien tu viens de, de dévoiler le gagnant de la catégorie ah, euh, j'ai pas fait suite. exprès c'est Payday 3 voilà euh, bah, je crois que face à Call of qui est pas, quand même pas un mauvais jeu euh, bon, The Walking ouais. Dead euh, Silent Sinners qui est nul, mais non on pouvait pas faire aussi nul que Payday 3 euh, et puis on a aucun doute sur le fait qu'ils vont quand même nous sortir des DLC avec des, des chapeaux et des gants et ah, des armes. Hein. Voilà, voilà. Donc, euh, hein. Évidemment, ça, on se demande, on se demande vraiment pourquoi ils ont sorti cette, cette, ce, ce troisième opus. Donc, euh, donc encore pire que Redfall, faut le dire. Il faut, moi je ouais. dis les choses. Ouais, oui, moi je n'ai pas peur de dire les choses. Pire que Redfall. Ouais. Ouais. Ah oui, là on est... Redfall, il n'y a pas une tentative de, de, de... volontaire oui. d'arnaquer de, ouais. de, oui. les gens. Je pense que il y, y, bo... y a de la bonne volonté derrière quand même, tu vois. Bon ouais, là, PDI 3, c'est as assumé, c'est on, on aurait pu le mettre avec euh, Arc, à la limite. Je pense que ouais, ouais, mm. il devrait bosser sur le même genre de jeu, des braquages de, de banques de dinosaures, ou je sais pas. De... <laughs> bon bref. Euh, donc, Payday 3, pire Suite, euh, voilà, hein. on ne va pas euh, s'étendre plus que ça là-dessus. Et on va terminer avec les deux catégories que vous attendez tous. Euh, premièrement, le meilleur FPS solo. Parce que oui, il y a encore des FPS solo qui sortent. Et oui. Et pas que Et des ouais. rétro FPS, des, des triple A, comme on dit ou des double A et il y a aussi un rétro-FPS dans le lot, mais euh, bref dans la oui. catégorie euh, meilleur FPS et solo et des, euh, ben, en vrai il n'y a que des indés là, enfin je ne sais pas pour le deuxième, mais bon bref premier oh. nominé, Amnesia The Banker donc, suite, euh, qu quatrième opus, euh, je crois, non Ou je, je sais voilà plus Alors là, euh, de, de la célèbre, saga de ouais. Dark Descent, les Rebirth. Peut-être ouais, le quatrième, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu donc, ouais. Bon, ah bah donc, nouvel ouais. opus. Je euh, crois que c'est le cinquième, non Bon, bref. Donc, nouvel opus de la célèbre saga d'horreur. Il y avait bien, euh, bien retourné le truc euh, avec son premier épisode. Il n'a a pas forcément réussi à réitérer euh, l'exploit. Et là, avec un, un nouvel épisode euh, f... bof bof quoi. Il me semble. Même si Zephyr, qui avait testé Alors, à l'époque n'est plus dans la rédac pour nous en parler. Mais euh... ouais, justement, je pense que euh, lui avait eu des, des soucis. Mais en vrai, je pense que c'est un très bon épisode. C'est sans doute l'un des meilleurs. Tu qu'il était trop limité intellectuellement pour. Euh... Non, je Ou pense qu'il était pas réceptif aux au ouais, gens. c'était pas sur des liens, je pense, ces jeux-là. Ouais. Mais oui, ça arrive. Ouais. Là, des fois, on fait des, on fait des mauvais choix dans la rédaction. C'est comme ça. Alors en fait, ce que, ce que Frictional Games a fait avec, avec ce jeu-là, c'est, c'est un survival horror, ce qui n'était pas vraiment le cas des, des Amnesia avant, qui était plus du walking sim avec un jeu de quatre, un jeu de quatre, de cache-cache, pardon. Il y arriver avec un monstre. Là, il y a le côté cash-cash, euh, parce qu'il y a toujours un monstre qui nous tourne autour, et il y a, il y a que ça comme ennemi. Euh, S'il y a les rats aussi. Mais le, le côté survival horror vient du bah, de l'ambiance oppressante toujours, mais aussi euh, de la gestion de ressources. Euh, puisque l'objectif, c'est de, de sortir du, du bunker. Et pour ça, il faut accéder à, à certaines pièces pour euh, activer un générateur, pour euh, trouver de la dynamique. Ah ouais, Resident Evil, quoi. Voilà, complètement. Oui, okay, et, ouais. et Frictional Games euh, euh, met son propre twist sur le concept en introduisant des, des éléments d'immersive sim, puisqu'il y a plusieurs manières d'accéder euh, à certains endroits. Donc, euh, ne serait-ce que casser une porte, il bah, y, y, y en a où on peut trouver une clé, ouais. a, après on peut juste la casser en lançant une brique à travers, la faire exploser avec une grenade. Euh, voilà, donc euh, tout ce côté un peu puzzle et avec... L'environnement qui répond aux actions du joueur euh, euh, permet de renouveler un peu la, la formule. Ok, donc plutôt euh, plutôt plutôt cool. Enfin plutôt. Ouais, je pense. Puis on recommandera, mais. De l'angoisse, c'est pas mal. Hein. Après, moi, je, comme je déteste le genre, c'est clairement pas un jeu que je vais faire. Mais. Oui, je pense que il est euh, il est plutôt bon dans sa catégorie. Quoi. Euh, ok. Euh, on enchaîne avec, euh, avec Atomic Heart, qui avait fait beaucoup, euh, beaucoup parler de lui au début d'année, euh, en début d'année 2023. Après nous avoir euh, publié des trailers euh, très très étranges pendant toute sa campagne de promo, nous avions enfin pu mettre la main sur ce FPS aux inspirations euh, très 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 très, très claires puisque. Euh, on était à la fois dans la direction artistique euh, euh, très, très Bioshock, même s'il a, il a, a sa propre âme, un peu rétrofuturiste futuriste euh, ex-URSS, et euh, un gameplay, fin une, 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 une expérience qui, qui, moi, m'a beaucoup rappelé euh, Half-Life, premier du nom, toute proportion gardée. Euh, avec du coup ce côté euh, ce côté euh, donc espèce euh, solo très très mise en scène très très euh, très très maîtrisé euh, dans ces parties en intérieur avec un level design euh, euh, un level design pas pas fou de, de nouveaux textes mais quand même super beau quoi enfin vraiment le, le, le jeu nous nous propose de vraiment de de, 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 de parcourir des des intérieurs vraiment super beaux, super bien travaillés. Euh, vraiment, c est, c est, on en prend plein les yeux. C'est très, très chouette. Euh, malheureusement, en cours de chemin, les développeurs se sont un peu perdus euh, en nous proposant aussi un espèce de monde ouvert. Euh, beaucoup, 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 beaucoup moins inspiré. Euh, alors, probablement pour allonger la durée de vie, puisque ça leur permet de glisser des ennemis euh, très chiants partout. Euh, du coup bah, voilà on fait des combats, etc etc. Euh, et bon bah, ça rallonge au moins de deux la, de fois deux la durée de vie. Euh, reste que sur le global, j'ai trouvé que c'était une proposition assez intéressante, que les, les combats sont assez cool, assez, euh, assez exigeants, euh, après, on voit bien que les développeurs ont voulu glisser pas mal de mécaniques qui, euh, qui en fait fonctionnent pas trop. Notamment, il y a un truc avec les pouvoirs euh, bah, qu'on utilise, enfin que personnellement j'ai eu très peu utilisé au final, euh, par exemple. Alors que tu voyais qu'il y avait une espèce de porte ouverte vers l'immersive sim, un peu avec euh, peut-être des dégâts environnementaux, tu pouvais peut-être créer des situations, etc. Mais une fois clavier souris en main, il n'en est rien. Et. Euh... Donc, au final, on est un peu sur un truc en demi-teinte où euh, on a la moitié du jeu qui se passe dans des intérieurs qui sont vraiment super beaux, euh, scriptés certes, mais, mais bien faits. Euh, et où, du coup, vraiment, on se replonge un peu dans l'âge voilà, les, 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 d'or des FPS solo euh, en, en intérieur quoi, les, les Doom, les, les Half-Life et compagnie. Et puis après voilà, il y a ces passages en extérieur qui sont euh, qui sont vraiment beaucoup 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 plus chiants. Il y a quelques séquences de boss où là les, les développeurs pètent un câble avec une direction artistique complètement folle et euh, des trucs complètement alambiqués et où, où ça fonctionne là aussi très 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 bien. Et, euh, et voilà, et après on a un scénario pas hyper euh, pas hyper fou euh, raconté de manière très maladroite par moments. Euh, quelques euh, comment dire, quelques, quelques séquences de scénarios qui ont été sujettes à quelques critiques parce que bon, il y a, y a, y a, y a je saurais pas comment dire ça sans si rentrer dans les détails pour pas qu'on parte sur un débat, euh... mais ouais. bon, il a une vision de la femme un peu particulière, on va dire, euh... rétrograde, quoi. Un peu rétrograde, qui, enfin, même carrément rétrograde, et qui a, voilà, qui a valu au jeu de, de se faire taxer de, de, de masculiniste, euh, etc. Personnellement, ça n'engage que moi. Je suis vraiment désolé, euh, mais j'ai pas trouvé que c'était prépondérant dans le, dans le jeu. Ouais, ouais, j'ai pas eu l'impression de lire un, un pamphlet sur, euh, sur le masculinisme et à quel point les femmes euh, leur place était dans la cuisine, ce qui est totalement faux, évidemment. Mais euh, voilà, j'ai pas eu l'impression de lire un truc euh, vraiment particulièrement axé sur euh, sur le masculinisme ou sur euh, sur la dégradation de l'image de la femme, etc. Euh, même si effectivement, il y a deux trois trucs un peu bizarres, un peu chelous. Je pense que les développeurs s'y prennent très très mal. Et euh, le plus gros défaut qu'on a reproche au jeu, c'est surtout que euh, les développeurs sont russes et euh, contrairement à tout un tas d'autres développeurs, euh, ont, ont mis beaucoup beaucoup de temps. À euh, s'expatrier de Russie quand euh, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc il y a eu tout un espèce de, 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 de récit sur le fait que c'est un jeu qui en plus est, avait des acquaintances potentiellement avec Poutine, etc. Bon, il y a eu tout ce truc-là. C'est un, voilà, un jeu un peu hybride, euh, peut-être très trop méta. Frag, euh, je... on n'est pas là pour faire de la politique. Donc on s'est contenté de faire un test axé sur le jeu en lui-même, sur le gameplay. Euh, ça reste quand même un FPS euh, euh, solo de qualité. Euh, ouais. C'est c'est le haut du panier. Après moi personnellement je ne sais pas si je le recommanderais comme le meilleur FPS de 2023 solo, mais c'est quand même euh, le haut du panier. Rien que pour la DA qui est vraiment ouais. euh, vraiment ouais. particulière et, et vraiment exceptionnelle quoi. Enfin qu il faut, y a que il y a que ce jeu-là qui peut vous offrir des claques comme ça visuels. Euh. En 2023, j'en ai beaucoup trop dit et euh, je vais laisser Loulou, notre spécialiste euh, des rétro FPS, qui a réussi à ne pas s'endormir pendant les 1h30 où on ne lui a pas laissé la parole et c'est pas sympa de notre part. Euh, et qui va pouvoir nous parler de Deadlink, un rétro FPS que notre très cher rutabaga avait testé en 2022 et qui est sorti en version finale cette année. Oui, alors Deadlink, donc oui, on, on va, va catégoriser ça comme un rétro FPS, en fait. Et euh, dedans, en fait, ça se déroule dans un monde de cyberpunk où en fait on a les gros scorpions qui font tout ce qu'ils veulent. Donc vous, vous incarnez un groupe en fait qui va rétablir, on va dire, un petit peu l'ordre et l'équilibre dans tout ça. Et vous allez pouvoir, euh, va dire, entre guillemets, incarner différentes armures. Pour moi, c'est des robots, quoi, entre guillemets, qui ont des, qui ont leurs propres spécificités et également leurs propres arbres de compétences et leurs armes. Donc une arme, on va dire, classique et on va dire une arme, va dire, spéciale qui fait le, qui fait plus de dégâts. Alors, ça rappelle beaucoup Doom dans le fait où, en effet, quand vous tapez les, on va dire les ennemis et que vous leur faites des dégâts spéciaux, vous pouvez récupérer des, de la vie, des munitions et autres. Donc, ça fait, ça fait un peu penser à Doom dans ses dans, dans mécaniques. Le jeu en lui-même a beaucoup de challenges. Hein. On ne va pas se cacher, c'est le côté roguelike. Ce qui fait que c'est assez compliqué au début. Les armures en soi bon, sont assez diversifiées dans, dans, leur, dans leur capacité spéciale. Euh, également. Euh, au niveau du gunfing, ça va. Franchement, les, les, les armes envo en, envoient de la patate. On, on, a, on a la possibilité euh, donc d'avoir différentes euh, variantes d'armes, euh, différentes capacités. Au niveau des niveaux, c'est dire c'est assez varié, mais ça reste assez cloisonné. C'est vraiment des combats en arène, quoi, des micros arènes. Donc, la seule chose qui va varier, c'est les ennemis en fonction des, des différents on va dire, corpos que vous allez affronter. Le... Petit, je trouve. Bon, c'est qu'à un moment donné, pour bon, après, ça, ça reste assez répétitif bon, en soi. Même s'il y a un aspect assez euh, procédural dans, dans, dans l'agencement, on va dire, des différentes salles que vous que vous parcourez, parce que c'est ça en fait l'avantage, c'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez à une salle, vous avez peut-être deux portes, vous avez le choix, soit aller la porte de gauche, ou la porte de droite, qui soit vous va vous ouvrir une nouvelle arène, ou soit peut-être vous ouvrir euh, une zone de, de comment dire d'achat où vous pourrez aussi dépenser votre argent pour acheter de nouvelles capacités. Euh, être un petit peu plus costaud en, en, en vue d'affronter les boss en soi c'est sympa euh, bah après c'est roguelike donc je sais pas si ça plaira à tout le monde parce que c'est vrai que c'est très redondant et à un moment donné à force de mourir peut-être c'est pas très encourageant mais vu, qu il y a, mais vu que maintenant ils instaurent un, un système quand même d'évolution à travers l'arbre de compétences au fur et à mesure que on perd normalement on est censé se renforcer donc c'est censé être plus agréable on va dire euh, dans les différentes parties que vous allez euh, faire voilà ce que je peux dire pour Deadling. Ok. Ben merci, c'était parfait. On reste dans le rétro FPS, plus ou moins, avec un, un jeu qui nous était promis depuis pas mal de temps aussi, qui a fini par sortir en 2023. C'est le remake d'un grand classique Estia que tu as eu l'opportunité de tester et que tu as bien, bien apprécié. Oui, exactement. Euh, il s'agit de System Shock Remake. Euh... Qui, bah, qui visait à, à refaire le premier euh, vrai immersive sim, on va dire, moderne, euh, puisque, euh, bon, il euh, y avait déjà eu des immersive sim avant, mais c'était pas vraiment FPS, euh, Bioshock, c'est vraiment le... Euh, Bioshock, non, euh, System Shock, c'était okay. vraiment le premier le, le premier, euh, le premier euh, euh, vrai immersive sim, euh, comme, comme on l'entend maintenant, euh, et donc... Euh, moi, je n'avais pas joué du tout euh, au premier. Euh, j'avais le seul immersif sim un peu de ce style, c'était Prey, que j'avais beaucoup apprécié, euh, près 2017. Et qui s'inspire euh, énormément de System Shock. Et voilà, et je me suis rendu compte en jouant à System Shock, euh, remake, que Prey s'inspirait beaucoup, beaucoup euh, de System Shock, ouais. euh, même dans certains... Et peut-être que même le remake de System Shock euh, s'est inspiré de Prey euh, dans certains, ouais. euh, certains environnements. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que euh, on était assez euh, autonome, assez libre, euh, qu'on n'avait pas justement des flèches partout, qu'on n'avait pas euh, euh, des, euh, des des trucs qui clignotent en te disant euh, c'est ici qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller. Là, on a vraiment la liberté en fait d'aborder euh, les les euh, bah, les objectifs euh, de la manière dont on veut, et aussi euh, la liberté de se perdre hein, puisque c'est un peu ouais. euh, c'est un peu ça, c'est que c'est... C'est labyrinthique et ouais. comme tu disais, as pas de, on ne te prend pas par la main, mais dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que même quand tu te perds, voilà. du coup, tu, tu, des fois, tu te perds vraiment, vraiment. Enfin, moi, je l'ai fait après la sortie positive. de ton test et oui. j'ai abandonné au bout de pas mal d'heures quand même. J'ai peut-être fait 30, ouais. euh, 20 heures ou 30 heures dessus. Mais ah, j'ai pas terminé parce que à un moment donné, j'en avais marre de lire une solution pour savoir où j'en étais. Oui, oui. Ouais. Je, et, et... je ça pour prévenir. Euh... Oui. Mais en fait, l'avantage de, de ce truc-là, c'est que quand tu réussis, quand tu trouves, bah es, es c'est très satisfaisant de te dire que tu ouais. tout seul, que bah, tu as compris euh, ce qu'il cherchait à te, faire, à, à, à te faire faire, etc. Et, et je me rappelle d'un de, de, truc où, où tu dois chercher à un endroit, tu as, as un code qui est affiché, euh, et tu dois aller à un autre endroit parce qu'il euh, on on, ouais, faut, faut bien faire attention en fait, à tout ce qui est présent dans les décors. en fait c'est souvent euh, pas anodin. C'est que bah, si tu as un code écrit sur un mur, que ça va sans doute servir à quelque chose. Et voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Euh, <laughs> le gunfield gun est très bon, euh, ce qui aurait pu aussi ne pas être le cas, hein, forcément, puisque je suppose que le système choc d'origine, ça ne devait pas être fifou hein, de ce côté-là. Mais là, ils ont réussi à faire un truc plutôt pas mal. Il euh, y, y a un système aussi de, de, de petites énigmes. Euh, c'est des, des genres de panneaux. Comme on voit euh, dans Bioshock d'ailleurs, euh, ça ressemble beaucoup. Hein. C'est des tuyaux dans Bioshock. Là, c'est des petits circuits électriques euh, que tu dois, euh, tu dois connecter ouais, pour, les pour les piratages. Ouais. C'est ouais, ça, et euh, franchement, ça, ça marche plutôt, plutôt pas mal. Il euh, y a juste un truc que j'ai pas trop aimé c'est euh, la partie dans le cyberespace. Euh, c'est une sorte de, de jeu de de, bah, de, de FPS en, dans, en, en six dimensions. Oui, c'est ça. Puisque tu peux avancer, enfin, tu peux monter euh, voilà. mm -hmm. comme, comme descente, en fait, un peu, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en gros, on est dans le genre de, de, de truc vraiment hyper basique en, en termes de couleurs. Euh, on a genre euh, du vert pour les murs, euh, les ennemis, c'est des genres de, 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 de triangles, pixels, enfin, euh, des, des trucs un peu, peu modernisés, parce que c'est transparent et tout ça, mais, mais globalement, c'est des trucs très stylisés. Euh, et c'est des passages qui sont obligatoires, et moi j'ai trouvé ça assez désagréable. Euh, voilà, après, c'est pas non plus euh, prépondérant dans, dans tout le gameplay, hein. c'est juste une petite partie, mais, euh, mais voilà. c'est franchement un jeu qui m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné, en fait. Euh, et j'ai vraiment compris d'où venait cette idée euh, d'immersive sim et tout ça. C'est vraiment avec ce jeu là que ai, qu ai, euh, je, je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends. Euh, de, de quoi s'inspirent euh, les jeux d'Arcane, euh, hein, Dishonored euh, ou près, euh, etc. Et, et, et voilà. Et franchement, euh, c'est franchement, très bon. Ou Bioshock. La, la, oui. la suite vraiment spirituelle. Euh... Oui. Euh, ok, très bien. Euh, on va terminer ce tour des meilleurs FPS solo avec euh, Trépang 2. Euh, qui peut se résumer à tuer, 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 je crois, Loulou. Oui, bah oui c'est vraiment le, le pur jeu, on va dire, tuer, tuer, très jouissif. Euh, donc, en gros, on incarne un soldat génétiquement modifié qui, qui suite en fait, à sa libération, va effectuer différentes missions pour une organisation avec des ambitions pas très claires. Et c'est vrai que bah, l'avantage de bah c'est ça, en fait. C'est d'utiliser, on va dire, la partie ralentie un peu... À, à, à la fir et de pouvoir exploser les, comment dire, les ennemis à la pelle avec des armes aussi variées on va dire hein, passant du au fameux fusil à pompe SMG et autres à la grenade et également et le double fusil à pompe oui parce qu'en effet il va, il, va, il, va, il va se doter de cette fameuse habilité de pouvoir d'avoir deux armes dans chaque main également bon, oui. comme je dis bon, l'intérêt c'est que c'est assez classique en fin de compte comme, comme, comme tu l'avais dit Estia, en fin de compte on voit que ça a l'air moderne, mais dans les mécaniques c'est très classique. Ça va pas révolutionner quoi que ce soit, mais en soi c'est vraiment très jouissif. Voilà, c'est le fait de, de, de faire voler les ennemis, de faire ralentir, euh, de pouvoir utiliser des armes en fait qui font, qui ont un bon gunplay, un bon gunfeel aussi. Il y a aussi ce qui est pas mal, mais dommage, c'est qu'il y a les missions secondaires qui ont l'avantage d'être un peu plus variées en termes d'environnement. De, après, les... sinon, sur les, sur les quêtes principales, on va dire que ça reste assez cloisonné. Ça reste toujours la même chose. Hein. On, 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 on fonce dans le tas, on trouve, on trouve plein d'ennemis euh, qu'on pourra abattre. Alors, on a la fameuse capacité de camouflage optique, mais bon, je pense que, enfin, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont essayé le jeu, je ne pense pas que le camouflage, on l'a sou souvent utilisé. C'est plutôt, euh, on ralentit, on glisse, on tire. Voilà ce qu'on peut dire principalement pour voilà, c'est Franchement, moi, j'avais très bien aimé. Alors, c'est simplement voilà, pour l'aspect vraiment... Euh, tout Explose en, en mille morceaux. Bon, l'IA est bon, pas spécialement très, très, non plus très intelligente. Elle, elle, est, elle est aussi bête et méchante. Euh, après, bon, là, de ce qu'on va de ce que j'ai cru comprendre, il va il va bientôt avoir des DLC normalement qui vont apporter de nouvelles missions solo. Je sais pas si ça va apporter plus de profondeur au scénario en soi, mais bon, après, à voir hein, si ça peut être marrant. Ils ont vendu aussi également dans les DLC qu'il y aura le fameux katana que tout le monde pleurait. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les gens ils ont, une partie de la communauté de Trépan bloque. Sur la non-utilisation du katana parce que dans le tout premier niveau, on a, on va dire, un, un allié qui, qui se fait arakiri, on va dire ça comme ça, et on, 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 voit, on voit ce fameux katana qui ne peut pas prendre et les gens ils ont, ils ont fait une fixette là-dessus, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est voilà, c'était une petite anecdote pour terminer sur Trépang, mais voilà, c'est un, un très bon jeu, ça ça, ça vous ça vous occupera un petit moment après, euh, comme d'habitude, c'est pas c'est pas pour le scénario que vous allez euh, tomber d'admiration, ce sera plutôt pour là. Pour le fait de pouvoir tirer dans le tas avec des armes et des améliorations qui vont avec. Et, bien, et comme l'avait souligné Stia, le fait de pouvoir avoir double gun, dans, enfin d'avoir une arme dans chaque main et de pouvoir euh, tirer à foison. Voilà, voilà, si j'ai bien résumé le tout. Bah, Xobar dit tu es, tu es, tu, es, tu, es, tu es. Et je pense voilà que c'est <laughs> ça. c'était ça, on est là-dessus. Un, un FPS aussi pour les nostalgiques de FIR. Et... Ouais. ouais. Euh, très bien. Euh, donc, 5 nominés, euh, excusez-moi pour la l'atout, 5 nominés dans la catégorie euh, meilleur FPS solo. Et euh, je pense que vous avez deviné. quoique, non, non, il y, y, y a plusieurs prétendants qui, qui méritaient la première place. Mais le gagnant euh, de l'année 2023, c'est System Shock Remake. Euh, bravo à lui, on l'applaudit, meilleur FPS euh, solo. Bravo. bravo. Euh, et donc, euh, je vois dans le chat pas mal de gens qui en ont parlé. Oui, je pense que très clairement, ça vaut le coup euh, pour ceux qui n'ont pas fait l'original de se lancer sur celui-là plutôt que sur l'original. Ah, est oui. quand même euh, vieux, qui a genre peut-être euh, 30 CP. ans. 94. Ouais. Oh, hein. Ah non, d'accord. Euh, plus ouais. vieux. Je suis plus vieux que. Eh, tu vois, je suis gentil. Merci. <laughs> euh... Oui, bon, je pense que c'est quand même beaucoup plus sympa de se faire ce remake, qui est quand même esthétiquement euh, très réussi dans ce. En plus, c'est très très beau. Ouais. Ouais, voilà, c'est très beau, mais tu sens que c'est quand même, ça reste rétro, mais pas trop. Enfin, ouais. Ouais, en, fait, cool. loin, pixelisé, en fait, ouais. c'est marrant c'est que de loin, tu as l'impression que c'est très moderne et quand tu c'est texturé, pixelisé, mais avec des, des super reflets, des. des... Ça, des, ça effets de lumière, ouais, ouais. Ouais, des effets de lumière, ouais, ouais, ça tombe très bien en plus. Et, ouais, non, franchement, très très bon. Ouais. Mais si vous n'avez pas peur de jouer un jeu avec euh, un onglet ouvert sur une Solus, euh, j'avoue que System Shock euh, <laughs> est très très cool. Et puis ouais, tu sens l'affiliation après avec tous les tous les jeux qui ont, qui ont suivi derrière, les, les... Ouais. les Bioshock, les Dishonored et compagnie. <laughs> Pardon. Euh, on va terminer ce, euh, ce, cette émission dédiée aux awards, aux, aux meilleurs et aux pires du FPS 2023, avec la catégorie Meilleur FPS Co-op. Euh, parce qu'il y avait des jeux dont on n'avait pas parlé et qu'il fallait qu'on en parle, et donc on a créé des catégories juste pour eux. Vous nous voyez venir. Euh, donc, premier Dead nominé, euh, Dead Island 2. Euh, après un développement fort tumultueux, euh, le jeu a fini par sortir cette année et c'était plutôt sympa on a fait quelques parties c'est toi qui as fait le test et on a fait ouais. une petite, quelques petites parties en coop euh, ouais. après, après que tu aies terminé la campagne et c'est vrai que c'était c'était fort bien oui c'était très bien euh, alors, je vais parler vite fait de la partie solo que je trouve au moins aussi intéressante que la partie cop même si c'est pas du tout la même chose c'est à dire que la partie solo c'est sympa parce que euh, du coup tu passes un peu de temps à des... enfin si c'est ton truc tu passes un... tu peux passer un peu de temps à lire euh, les petits mots qui est à gauche à droite il euh, y a du lore et c'est assez amusant on aurait pu le mettre dans les fs les plus drôles parce que il y a beaucoup de références au, au covid euh, au complotisme euh, et aux trucs comme ça euh, genre les gens qui croient pas qu'il y a des zombies euh, que euh, euh, du coup, ils vont aller à la fête de machin, tout ça. Euh, c'est que des trucs comme ça. Et euh, au final, euh, bah, du coup, c'est sympa de, de, de voir ça. Sauf que en coop, tu prends jamais le temps de lire ces trucs-là. Parce qu'en coop, tu t'amuses à, à, à découper les zombies, etc. Donc, euh, le, en gros, la partie gameplay est très bien. En solo aussi, il n'y a pas de problème. Mais en plus, en, en solo, tu, tu, tu euh, regardes un peu plus la partie histoire. Euh, alors, je vais part passer sur la partie euh, plus coop. Euh, donc, on peut faire euh, cette histoire-là avec, euh, je crois, trois, deux, non, c'est deux personnes, quatre personnes ah, Je ne sais même pas combien on peut être. Je ne saurais pas te dire, Mais bon, en tout cas, à chaque fois, moi, j'ai joué à, à deux. Euh, soit avec toi, FCP, ou avec un, un autre copain. On a fait euh, peut-être, euh, j'ai peut-être joué une, quasiment une dizaine d'heures en, en coop. Euh, et euh, c'est très, très amusant. Euh, donc, euh, bah, c'est un peu le principe que le premier des Dailands, c'est-à-dire que tu vas euh, récupérer des armes qui sont associées à ton niveau, tu vas monter en niveau, euh, donc monter tes armes en niveau, tu vas les euh, réparer, les améliorer, euh, appliquer dessus des effets, euh, euh, des trucs par exemple pour, pour rajouter des dégâts des de, 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 de contendants ou alors plutôt de, de, tron, enfin, de trancher, etc. Et du coup, il euh, euh, y a toutes ces parties-là sur les armes, c'est clairement plus orienté corps à corps. Euh, c'est très très jouissif donc par exemple là on a une masse alors ça ça va être le truc ça va être de, de taper dans les genoux pour faire éclater les, les rotules euh, si as un katana c'est pareil tu découpes les jambes en fait dans ce jeu là c'est la métalègue hein, c'est comme Tarkov sauf que euh, bah, là c'est pour faire sauter, euh, sauter les, les zombies donc c'est vraiment très très rigolo euh, on, peut faire, on peut glisser aussi et la faire tomber euh, enfin voilà donc on, on s'amuse bien la partie euh, euh, arme à feu et je trouve un peu plus accessoire ça peut être en fait, en gros, il n'y a pas énormément de munitions et on n'en trouve pas euh, partout. Donc, du coup, euh, les armes à feu, en général, on les réserve aux boss ou aux situations un petit peu plus euh, tendues. Euh, on va faire euh, quelques gros dégâts euh, à distance en, en vidant son chargeur. Puis après, on va se lancer dans le tas avec, euh, avec les armes euh, au corps à corps. Et franchement, euh, c'est plutôt joli, enfin c'est même très joli. Euh, la direction artistique est plutôt pas mal. Il y a une très bonne narration environnementale qui est très étonnante pour un jeu. Il y a eu énormément de difficultés euh, de développement. Il y a eu deux changements de, de studio, je crois. Il a duré euh, peut-être, euh, je sais plus combien, 7, 7 ans, ou 8 ans de, de développement. On s'attendait à un truc un peu pété. Et en fait, non, c'était plutôt pas mal. Euh, moi, j'ai regretté le fait qu'il n'y avait pas de, de séquence vraiment mémorable ou de, 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 de missions ou de, ouais, de, de partie scénario qui était vraiment euh, euh, incroyable. Euh, chose un peu réparée dans le, dans le premier DLC qui est sorti en fin d'année euh, où là il y avait vraiment des, des, des trucs très très chouettes euh, en termes euh, en termes de scénario en termes de, de direction artistique euh, des trucs un peu gore mais toujours dans la limite en fait euh, plus comique que euh, cringe c'est gore mais comique et, euh, et franchement ça marche très très bien donc du coup moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, beaucoup aimé euh, Days en coop notamment et aussi en solo Très bien. Donc, euh, c'est donc un gagnant, peut-être. On ne sait pas. Un gagnant. Ou alors, bah attends, parce que voyons, voir qui, euh, face à qui euh, se trouve Dead Island 2. Il se trouve face à RoboQuest. Ah, oui. RoboQuest, oh. c'est du lourd. RoboQuest, ah, Matmoat euh, et <laughs> Stuka, vous pouvez nous en dire. Euh, ou Loulou, ah, ouais. parce que je vois qu'il y a ton nom aussi marqué dessus, mais. Peu importe, l'un de vous trois peut nous dire à quel point ce FPS était euh, un des meilleurs de 2023. Je laisse la parole à, 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 à l'un de vous deux, les gars, allez-y. <laughs> bon, en fait, Loulou n'a pas beaucoup parlé, vu qu'il est ouais, très fatigué, on va lui laisser la parole. Alors, <rire> <rire> Alors pourquoi c'est bien RoboQuest Alors déjà, parce que c'est avec des robots, hein <laughs> et c'est surtout <laughs> un, rog un roguelite en cop. Et donc, euh, comme je l'ai dit, bah, c'est un univers hein, toujours euh, un peu post-apocalyptique euh, et vous allez devoir combattre, on va dire, d'autres robots euh, afin de sauver ce qui, ce qui reste de l'espèce humaine. Alors, ce qui est bien avant tout, bon, c'est un peu un aspect, on va dire, cartoon, je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est plutôt, on va dire, intéressant, c'est que les niveaux sont assez variés. Les boss aussi sont pas mal. Le gunplay, il est bien. Franchement, il y, 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 y a différents types d'armes, il y a pas mal de variants. En soi, le système d'évolution, pareil, au, au, si on doit le comparer à Deadlink, c'est un peu la même chose aussi. En, en, en fonction des runs que vous allez faire et à quel moment vous allez mourir, vous allez obtenir toujours des récompenses qui vous permettront de débloquer, on va dire, de nouveaux aspects, nouvelles compétences, armes ou autres euh, éléments qui vous permettront de, de, de faciliter vos prochaines runs. Également, on va dire, bon, la musique est sympa, l'ambiance musicale est pas mal. Bon, après à un moment, ça devient un petit peu, petit peu redondant. Euh, au niveau de la COP, bon, moi, j'ai pas trop essayé, mais je sais que Matt, Matt et Stuka, ils avaient particulièrement apprécié. Après, il y a aussi pas mal de secrets aussi dans les niveaux qui se trouvent, qui se permettent de débloquer on va dire, des, zones, des zones secrètes, qui débloqueront de nouveaux éléments, et si j'ai bien compris aussi, qui débloquent des, des nouveaux compagnons robotiques avec leur propre pouvoir. niveau ouais. histoire, bon, comme je dis, j'en je ai déjà parlé, pas de soucis. Je ne vois, vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Après, ça, ça reste un très bon roguelite, rog on va dire et euh, je, je pense a plus d'intérêt peut-être de jouer à deux parce que c'est vrai que tout seul à un moment donné ça 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 ça, 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 wow, ça, ça, ça se fait à deux mais c'est bon c'est pas ah, moi je dirais, je dirais même pas parce que je trouve que le game design est très bon mais en fait à deux tu, tu, c'est pas un jeu où tu peux avoir une synergie avec quelqu'un ou vraiment tu joues avec de la communication etc quoi ah oui, finalement vrai, les, les, vrai, pas... les, les les deux joueurs jouent ensemble, ben, ils se... il t... il tapent sur les robots ensemble, mais il n'y a pas de coordination, rien de tout ça. C'est ouais. du pure skill. Et... Donc c'est sympa, mais euh, ça ne ouais. t'apporte pas une expérience particulièrement sympathique. Euh, non, non, non. Bon, c'est plus, plus fun de jouer, jouer avec le pote, certes, mais c'est vrai qu'après, à deux, on, on est souvent euh, confronté euh, à, à beaucoup mais des chacun lieux, de choses sont beaucoup trop petites euh, pour deux joueurs. Et, euh, et parfois, c'est un peu le bordel là-dessus. Mais, euh, mais dans l'ensemble, ça, ça reste vraiment sympathique. Et euh, comme disait Loulou, il y a plein de trucs à chercher, il y a plein de secrets, euh, et qu'on va pouvoir modifier euh, ou, euh, ou découvrir euh, des choses qu'on découvre, euh, admettons, sur les, les, les derniers levels, et euh, ça va nous justement nous, nous ouvrir des portes euh, quand on va refaire des runs. Et euh, donc, il faut faire attention à ça. Euh, après, on peut récupérer aussi des espèces d'artefacts, de, qui vont et si tu récupères tout ça va faciliter le boss de fin ça je m'en suis rendu compte en, en terminant le jeu avec un avec Beast to pex euh, donc ouais plus tu au début j'ai fait le boss j'avais pas toutes ces améliorations là et euh, lui il avait des il avait pas d'ennemis et moi j'en avais en fait il y avait des il y avait des lasers sur des plateformes que enfin, moi j'avais ça et lui il n'avait pas etc il m'a dit ah oh, bah ça c'est pas passé parce que tu vas pas récupérer tel artefact, tel artefact, l'artefact etc donc ouais euh c'est très très sympathique mais ouais c'est vrai que comme dit je tout cas euh, euh, l'aspect euh, coopératif c'est juste pour le, le fun quoi mais c'est vrai que bon c'est toujours grave d'y jouer euh, à plusieurs mais parfois on se retrouve vraiment dans des maps beaucoup ouais, trop petites pas pour vraiment, être... vraiment prévu pour quoi ouais. ok euh... autre fps coop euh, qu'on a testé pendant plusieurs streams euh, cette année euh, avec une sortie un peu chelou euh, Son of the Forest qui, qui, qui devait sortir en version finale, mais quelques semaines avant, en fait, euh, euh, mmh. non, en fait, c'est pas une version finale, c'est un accès anticipé. Bon, tu sentais que les devs, ils étaient un peu perdus. Euh, euh, c'est toi, Estia, si je me rappelle bien, qui a, fait, qui, a, qui a écrit le test. On oui. y a un peu tous joué euh, à la rédac oui. euh, Donc, sorti en accès anticipé en milieu d'année, début d'année. En février, je crois. Déjà très cool et puis qui s'est étoffé au fur et à mesure de l'année. Un euh, FPS, donc qui est toujours pas sorti euh, en version finale, hein, il me semble. Oui, il va sortir le 24 ou le 28 février, je sais plus. Mais qui est déjà très cool et très prometteur. ouais c'est vrai, c'est vrai. En... Moi qui suis pas un grand fan des jeux de survie, j'avais pas mal apprécié. Euh... J'ai trouvé, bon, la partie craft euh, et tout ça, c'était euh, encore léger, mais je crois que ça s'est étoffé. Donc, ce n'est pas forcément le truc qui me plaît le plus dans le jeu-là. Mais il y a aussi toute une partie exploration et, euh, et combat euh, dans les grottes, euh, une partie un petit peu horrifique, qui est, euh, que je trouve, très réussie, euh, avec des monstres vraiment dégueulasses, euh, une direction artistique euh, sur les monstres qui est, qui est franchement sympa. Euh, voilà, et puis, euh, et puis quoi d'autre euh, si, si la manière quand même de construire les, euh, les bâtiments et tout ça, c'est assez euh, je crois que c'est un truc assez original. C'est-à-dire que tu, tu construis au fur et à mesure, au lieu d'avoir juste un, un plan où tu t'appuies sur E jusqu'à ce que tout se construise d'un coup, là, en fait, tu peux tu, tu mets les planches une par une, enfin, les trucs comme ça. Ouais, ouais. ça c'est un, un peu novateur. Et euh, franchement, euh, en plus, c'est plutôt joli. Euh, c'est même très joli. Ouais, très joli. Et, euh, et voilà. Euh... Je sais pas trop ce que je peux dire de plus au final. Peut-être, Mademoiselle toi, tu joué un peu plus. Tu pas rejoué à Sand of the Forest Si, 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 ouais, j'ai rejoué suite à tous les ajouts. Parce qu'ils ont fait vraiment, au niveau de la roadmap, ils ont vraiment rempli le jeu au fur et à mesure de l'axe anticipé. Ils ont fait beaucoup de mises mis à jour. Ouais, ils ont joué Des Delta et tout. Plane, Gyropode, des caddies de golf aussi. C'est marrant ça ouais euh... l'électricité euh, trucs ouais comme ça. il y avait des ouais, ouais panneaux solaires et compagnie c'est vrai qu'ils ont rempli pas mal de trucs euh... non bah écoutez après c'est ça reste un ça reste un, un The Forest 2, euh... on connaît les mécaniques euh... ouais il y a eu pas mal de nouveautés mais par contre c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau beaucoup plus beau beaucoup plus joli hein. oui. euh, quand il y a le vent les ia là euh... Ah est oui, t es t es un On a Kelvin qui est avec nous. On a Kelvin qui est avec nous. Donc, euh, il faut savoir que c'est un mec qui s'est craché. Donc, on se crache en hélicoptère. Hein. Je ne vais pas spoiler, c'est juste le début du jeu. Euh, on, a, on se crache un hélicoptère et on a un mec avec nous euh, qui est sourd et qui a, eu un, qui a des problèmes d'audition. Et on va pouvoir lui demander de faire, de faire plusieurs tâches grâce à un petit carnet. Euh, genre, bah, écoute, tu en fait, on va écrire sur un petit papier euh, va me chercher du bois, ramène-le à moi. Ou ramène le par ici, ou coupe du bois, fait un feu, va chercher des bâtons, etc., etc. Et, euh, et c'est et plutôt bien pensé, je trouve, parce que vraiment sur un jeu de survie, euh, surtout, bah, surtout en, en, quand on y joue tout seul, euh, le fait d'avoir quelqu'un avec nous qui nous aide à aller chercher du bois pendant qu'on construit et compagnie, euh, ça paraît pas, mais a un, un gain de temps quand même assez, euh, assez conséquent. Mais même en cop, au final, hein, parce que comme ça, ça permet euh, de faire autre chose pendant que tu vas ouais, explorer en fait, et puis la... euh, tu dis que de... jeu aussi, c'est que c'est que c'est pas juste de la survie t'as tout un scénario comme dans le premier oui. mais t'as tout un scénario qui te qui est pas juste euh, t'es largué dans la forêt et puis construis des cabanes et survie parce qu'il y a des mobs qui veulent t'attaquer t'as tout un objectif un arc narratif vraiment avec oui. euh, il faut que tu retrouves ton fils euh, bon, ou là je crois que c'est ta fille mais euh, euh... non là, des milliardaires ancienne femme que tu dois retrouver et donc, tu as, t as des différents endroits à explorer, tu... l'histoire se... se développe au fur et à mesure, etc. Et c'est bien fait. Enfin, tu as vraiment un plaisir. Euh... Enfin, ça, ça te crée un vrai objectif euh... autre que juste ramasser des cailloux et des planches de bois pour construire une cabane. Quoi. Et ça, en vrai, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux de survie qui te proposent un. Ben, en fait, la, limite, la partie survie, c'est accessoire. En fait. C'est. Euh... Ouais, c'est là pour être... un arc narratif que tu dois conclure et, bon, bah, on... et la moitié du gameplay se fait aussi avec un truc de survie mais, mais toi Xobarding je suis pas fan des, des jeux de survie toi tu disais ça aussi Estia mais je pense que mmh. c'est ça qui fait de The Forest ou Sons of the Forest euh, la particularité c'est que c'est pas que de la survie tu as un objectif euh, qui, est, qui est autre que sur, juste survivre et ouais, je pense ouais. que ça, ça joue énormément. Parce que du coup, tu t'attaches à ton personnage, tu as envie d'en savoir plus, tu veux explorer. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission aussi. Mais du coup, ça te pousse à vouloir explorer la carte, euh... vouloir savoir ce qui se passe, etc. Quoi. Mais c'est ouais. vrai qu'au début de l'action anticipé, c'était pénible. De... Ouais. Parce que la carte est quand même assez grande. Et euh, se retrouver avec des spots où, euh, admettons, euh, tu dois creuser, mais tu n'as pas de pelle. Euh, bah, il ouais. fallait traverser la, 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 la map et trouver la bonne grotte. Donc, il fallait marcher. Euh, ça c'était un peu pénible, mais c'est vrai que là on trouve euh, facilement euh, les moyens de locomotion après pour euh, y aller plus rapidement. Et c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus jouable, entre guillemets, moins moins lassant de, de le faire aujourd'hui qu'à sa que sortie. Et, euh, ouais, et c'est rigolo aussi de mettre une flèche dans la tête des mecs parce qu'ils tombent. Euh, comme des merdes, ouais. ouais c'est oui, plutôt pas mal. Et le fusil à pompe, il a un bon feeling aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de munitions. Enfin, bon feeling de fusil à pompe. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut donner aussi à, aux IA euh, des armes. Oui, euh, Zé qui nous accompagne. Ouais. Effectivement, On a, oui, il y a une fille à, à trois mains. Non si, à trois, jambes, trois jambes, trois mains. Et du coup, elle, ouais. peut avoir, euh, elle peut avoir un fusil à pompe et un flingue, je crois, dans, dans les mains. Tout ça. <laughs> Bref, on vous recommande plutôt euh, The Forest, même s'il faut peut-être mieux attendre qu'il sorte en version finale, comme toujours, tout ça, tout ça. Mais si, en euh, l'état, déjà, mais... déjà, en l'état, ouais. c'est plutôt, plutôt cool. Ouais. Et ouais. Euh, on termine avec euh, pour la catégorie meilleur FPS coop. Euh, un jeu, si vous avez lu le bilan de 2023, vous savez déjà qu'il fait partie des FPS préférés d'Aredak. C'est Ready or Not, euh, le temps okay. attendu. Euh, Ready or Not, euh, fils spirituel de SWAT, euh, qui, qui, bah, voilà, qui, est, qui, est, qui est super bien, qui a quelques maigres défauts, mais, mais qui, de manière générale, est, est quand même euh, le FPS de l'année 2023. Alors peut-être que c'est pas lui qui fait gagner la catégorie meilleur FPS Coop, ça on ne sait pas. Mais... Euh, parce que notre huissier n'a pas encore euh, vérifié l'enveloppe, il va le faire. Mais, euh, mais je crois qu'on y a un petit peu. De... Là pour le coup, on y a tous joué, je crois, même euh, même Lou, même avec euh, sa ouais. config, euh, sa, euh, connexion. <laughs> sa connexion, un peu asthmatique. Et il a il a réussi à jouer à Ready or Not. Donc on a tous euh, un peu pu tester ce voilà ce, ce cette simulation du GGN, euh, ô combien euh, réussie euh, en tout point, euh, malgré ouais. Allez, mais... Peut-être quelques petits défauts, mais qui n'entachent pas du tout l'expérience globale. Ouais. Non, on avait vraiment été euh, super euh, agréablement surpris euh, de voir euh, de voir cette sortie fin d'année. C'est vrai qu'on pensait un petit peu que ça allait ça allait tarder euh, ah, depuis ouais, 2024. Ouais. Et franchement, ils ont bien charbonné. Et, euh, on a eu euh, on a eu peur aussi, c'est qu'on a pu on a pu jouer, euh, je pense, une semaine avant la sortie, une semaine ou deux. Et euh, ouais. c'était pas du tout optimisé. Il y avait ouais, des maps qui étaient immondes, mais on avait 20 fps sur certaines maps, on s'est dit Ouh là, là, là est-ce que ça va être ça à la sortie Et euh, deux, trois jours avant, ils nous ont sorti une grosse mage, je crois, de, de 20 gigas, je crois. Ouais. Et, euh, et à notre, euh, notre plus grande surprise, un Grand Bonheur et compagnie, on était, on était ravis de, de voir que les problèmes d'optimisation étaient réglés. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non bah après c'est du radio note, hein. je pense qu'on va, on va pas euh, on va pas tergiverser, je pense qu'on apprécie tout ce jeu, euh, il est vraiment réussi et on était vraiment ouais. euh, très heureux de le voir, euh, le voir sortir ce jeu. Ouais. Voilà. Mais pourquoi c'est trop bien Parce que c'est un, un... Bah voilà, on, on sait ce que c'est. C'est un jeu qui, qui, qui se rapproche quand même de la réalité. Euh, qui nous qui nous propose beaucoup beaucoup de maps, beaucoup de maps différentes. Euh, tu sais jamais les ennemis, où ils vont se trouver quand tu recommences ta partie. Euh, tu as toujours des pièges qui sont mis aléato aléatoirement, tu as toujours des ennemis qui sont mis aléatoirement. Leur, euh, leur comportement est, est toujours différent euh, à chaque fois. Euh, même, les, même les civils, hein, parfois, euh, parfois ils, ils se prennent des, les, les dommages collatéraux, hein, comme on dit. Mais euh, non, vraiment sympa, vraiment sympa. Et, euh, c'est cette tactique, c'est très exigeant. L'expérience voilà, euh, en coop est vraiment très bonne. Vraiment, il faut, il faut travailler ensemble. Il faut que chaque, chaque joueur soit coordonné avec son, avec son copain pour euh, se couvrir mutuellement les uns les autres, pour pouvoir réagir ensemble à, à la situation. Euh, on parlait des défauts. Pour moi, le plus gros défaut du jeu, c'est l'IA des suspects euh, qui parfois c'est un peu énervé. Ou... Le mec ne te voit pas et en une seconde, il... en une seconde non, en 200 millisecondes, il se tourne vers toi et te colle une balle immédiatement. Mm -hmm. C'est en fait, la, do... toi... la drogue, ça, je pense. Ouais, C'est la ouais. drogue, je ne sais pas. où il y a un peu C'est un peu ennuyeux parce que tu t es censé être un officier de police, donc tu n'es pas censé tirer sur les gens immédiatement comme dans une simulation militaire. Et, sauf que parfois, faire la sommation fait que tu prends une bastos. Alors que tu pouvais juste tirer sur le mec et, et, et l'abattre immédiatement. que je me là, suis inspiré de, euh, des, des Américains et je, je, tire. je tire je tire et ensuite je, je demande si et... jamais il y a ouais. un truc. Et tu déposes une arme sur après. Le après. <laughs> Exactement. Mais le je tire et ensuite je me note. C'est ça le, le feeling des armes est vrai, des armes est vraiment bon quoi ouais. c'est vrai qu'on sort ouais. le recul on sort chaque, chaque coup on, on le sent quoi et... Et c'est vraiment cool. Après, on parle de l'aspect euh, aussi coop, mais euh, l'aspect solo, il, il est vraiment bien réussi parce que c'est vrai que les enfants un gros boulot sur l'IA euh, alliée où euh, on peut oui. leur faire plein de choses. Euh, bah, tout ce qu'on veut, limite. Oui, d'ailleurs, hein, Stuka, tu as fait un petit article pour commander vocalement les, les IA. Ouais, j'avoue que le jeu, moi, en solo, il m'intéressait pas du tout parce que ça me fait chier de commander des IA avec, euh, avec toute la vie et la molette. Euh, et j'ai vu euh, la vidéo de Karma Cut qui, qui utilise euh, Voice Attack pour faire des, des commandes vocales. Et donc j'ai essayé. Et en fait, ça m'a bien amusé parce que ça marchait super bien. Euh, et, et pour moi, pour moi, ce serait la seule manière de jouer en solo parce que oui, euh, sinon ça me gonfle. Et comme disait Matmoit, Matt, l'IA des, euh, euh, des, des de nos coéquipiers fonctionne très très bien. Euh, je pense que si tu veux faire du S rank euh, ou tu veux faire une map en non létale du début à la fin là par contre ça doit être beaucoup plus dur parce que forcément euh, l'IA respecte pas forcément euh, ton souhait de tuer personne mais si tu veux jouer un peu normalement et, euh, et pas forcément faire les niveaux parfaitement euh, euh, pour avoir le rang S partout c'est assez agréable de voir que bah juste, ça marche super bien quand il rentre dans une pièce, quand il nettoie une zone, etc. C'est extrêmement fluide. Euh, et moi, j'ai pas énormément joué en solo, mais j'ai vu aucun bug de ce côté-là. C'est assez impressionnant. Après, faire des missions euh... c'est très compliqué, surtout sur des maps où euh, t'as des alertes à la bombe. Genre là, en l'occurrence, sur ce, sur ce, sur ce niveau-là, euh, ça te fout comme même l'impression et t'as intérêt à te grouiller, quoi, parce que ouais. sinon, t'as vite perdu. Euh, ok, donc, euh, donc euh, gros suspense, mais on a, on a kiffé euh, Radio Note, qu'on attendait depuis ouais. bon, pas mal de temps, qui est sorti dans un état irréprochable quasiment. Euh, Je ne sais pas s'il y a une roadmap prévue par les développeurs, mais j'imagine qu'il bon, y a un mode PVP. Qui... Ils n'ont pas reparlé de ça. Ouais, euh, bon. euh, là, 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 ils ont dit qu'ils se concentraient sur euh, les, les perfs. Euh, les corrections de bugs, ils ont, ils ont parlé de l'IA notamment. pas c'est pas la première fois et ce n'est probablement pas la dernière. Ah oui. euh, mais donc le, là, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience euh, du, du jeu. Et, euh, mais ils ont dit qu'ils continueraient à soutenir leurs leur produits. Peut-être les collisions, c'est vrai qu'il y a p'tit, des petits bugs de collision souvent euh, avec les ennemis contre les portes et compagnie. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Après, encore une fois, c'est peut-être la drogue, hein, parce que alors, rappelons que la plupart des, des interventions qu'on fait, c'est contre des drogués. Euh... Voilà, c'est peut-être <laughs> aussi une espèce de, de, de mise en abîme de, de, des ravages de la drogue de la part des développeurs. Peut-être. Un jeu euh, plus profond qu'il n'y paraît. Euh... Euh, Red Note. Euh, donc, le gagnant euh, des meilleurs FPS coop contre toute attente, ce n'est pas RoboQuest et, euh, et, oui, et ouais, Vraiment désolé pour les développeurs français de, de Roboquest, euh, mais du coup la, la, la palme d'or, enfin le, le clavier souris d'or va ouais, le, no à, le No Ward d'or. Le No Ward d'or va à Redir Note, sans voilà, c'est une surprise pour personne. Euh, Redir Note, euh, voilà, bah, qu'on attendait, qui même si on l'attendait beaucoup, ne nous a pas déçus. Euh, Qui a encore plein de choses, euh, je suis sûr, à nous, a, à nous apporter parce que je pense que bon, bah, ça m'étonnerait quand même que les devs euh, ne nous sortent pas d'autres maps et peut-être même encore d'autres contenus auxquels on n'a pas pensé. Donc, euh, donc voilà, depuis toutes ces années, où on attendait ce putain de fils spirituel à SWAT 4, et eh ben il est là. Euh, et en vrai, même on n'en a, a pas trop parlé, mais en termes d'ambiance, par exemple, il euh, y a ouais. des moments où c'est ultra, ultra badant. Ouais, euh, ouais. Super glauque, et bon, ce qui leur a même euh, peut-être valu le fait qu'ils ont été lâchés par leur éditeur, a priori, ouais. avec le niveau dans le, dans le lycée, euh, mais au moins ils sont allés au bout des choses. C'est assez cool, euh, enfin, vraiment. Le, le, les ambiances sur certaines cartes sont, sont hyper bien travaillées, ça fonctionne super bien. Donc, euh, donc voilà, maintenant on attend d'autres maps, hein, parce qu'il ne faut pas se reposer sur le laurier. Et euh, mais reste que euh, Radio Note Not est le meilleur FPS coop de 2023 et même un des meilleurs FPS. Euh, ouais, je pense tout que court. ça va être le meilleur euh, 2023. Hein. C'est probablement l'un des meilleurs. Enfin, c'est même pas pour. Ouais. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs FPS de 2023. Ouais. Donc qu'on qu vous recommande chaudement. Euh, bah on a fait le tour. Euh, on avait éventuellement prévu de vous parler de nos attentes, mais vu qu'on est à 3h d'émission, je propose qu'on fasse ça pendant une autre émission, parce que sinon, euh, sinon Loulou n'ira jamais se coucher. Bon, et ouais, ce serait dommage pour lui. Non, mais 3h d'émission, c'est trop long. Euh, tout, tout le monde va aller se coucher. Il voilà, y a des gens qui bossent demain. Un petit récap, meilleur FPS VR, Jupiter Grade 2, euh, FT, FPS techniquement le plus à la ramasse, Arc Survival Ascended, FPS le plus chiant, Avatar, FPS le plus drôle, Red Tape, meilleur puzzle game, Viewfinder, meilleur rétro FPS, tubo, Turbo Overkill, pire FPS, euh, Redfall, euh, meilleur accent anticipé, Witchfire, meilleur FPS multijoueur compétitif, Counter-Strike 2, la pire suite, Payday 3, le meilleur FPS solo, euh, Système Shock Remake et le meilleur FPS Coop ou le meilleur FPS tout court. Euh, ready or not. Euh, bon, en tout cas, merci, euh, chers camarades, de, de m'avoir accompagné dans ce No Ward édition 2023. J'espère que le public a pas été trop brillant, vous a pas trop embêté. Ils il, il s'endorment un peu là, on les entend plus trop depuis, euh, depuis 20 minutes. Je pense qu'il faut aller se coucher. C'est un. C'est le public du César, hein, pour tout vous dire. Euh, on leur a demandé de rester après les Césars pour, euh, pour faire une autre émission, mais là, ils commencent un petit peu à s'endormir. Donc, on va les laisser aussi. Euh, donc, encore une fois, merci à vous, messieurs. Euh, merci pour tout, pour les articles en masse que vous avez écrits, tous les tests. Plus de 50 tests, tu disais, euh, publiés au cours de l'année. Donc, ça fait quasiment un test par semaine. C'est méga cool. Euh, C'est grâce à vous que le site y tient euh, encore euh, 20 ans après sa création. Donc merci Estia, merci Loulou, merci Blackboard, merci Stuka Merci à ceux toi, qui ont été de passage. Euh... merci à toi, FCP. Oh, bah, non, non, moi je... Ah, oui je, aussi, que... bon. je ne fais que présenter. Euh, <laughs> merci à ceux qui ont été de passage aussi euh, dans, dans la rédac au cours de l'année. Euh, merci évidemment à nos lecteurs fidèles depuis toujours, euh, qui continuent à commenter. Euh... Nos news, ça fait plaisir. On sait qu'on n'écrit pas pour rien. Qui continue à être présent aussi euh, pendant les émissions, toujours là pour gratter des t-shirts et des tasses No euh, <laughs> On vous a vu et euh, bah, des gros bisous. Euh, bon, faudrait vraiment qu'on fasse une émission sur euh, l'année 2024. Mais on a aussi, euh, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait d'émission sur juste l'actualité. Ouais. On ne sait pas trop comment on va, on va s'organiser, mais euh, il va ouais, falloir qu'on concoque. Et je voudrais faire, faire un, un, truc. Un, un merci spécial aussi euh, à Ruta Baga parce que euh, on n'avait pas trop d'idées pour euh, pour la vidéo d'intro. Du coup, j'ai repompé exactement la même chose que l'année dernière mmh. en changeant euh, les jeux à l'intérieur. Donc euh, voilà. Donc j'ai bah, pu merci, travailler. Merci Ruta Baga de toute façon. Ruta Baga, ouais. on ne le remerciera jamais assez. Absolument. Ah ben, merci Ruta pour tout ce que tu as tout ce que tu as fait. <laughs> la pub Sleep aussi, c'était c'était magnifique. Ah oui, ouais. Et on espère que tu vas bien, Ruta. Et on te fait des gros gros bisous. Et des gros bisous à tous, à Annette à Dr. Loser, à tout le monde. Bon, bref, à Choua, à tous ceux qui sont passés par là. Des gros bisous, merci d'avoir suivi l'émission. On espère que ça vous a plu. On espère que notre bilan 2023 vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à râler en commentaire, à chouiner, à pleurer, à nous insulter. Des gros bisous à Nounours évidemment euh, et euh, puis on vous dit bah voilà bah, prochaine émission euh, on sait pas trop quoi encore mais on vous tient au courant euh, des gros gros bisous et à très bientôt salut à, à tous plus... Allez, salut. Et bonne nuit bonsoir tout le monde ciao ciao Administrator just would not listen. A fellow scientist, do you think we should appeal to the alien authority? I'm seeing predictable base yes. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Quick. It's about mouth to go critical. Critical. Against us. turning against turning against her